Il s'agit d'un patient de 45 ans, un homme, qui nous est adressé pour la prise en charge d'un ampullome dans le cadre d'une polypose adénomateuse familiale. Diapositive. Cet homme a donc une polypose connue depuis l'enfance. Les modalités des objectifs pédagogiques, c'est d'essayer de comprendre la surveillance des polyposes adénomateuses familiales, mais également les indications et la technique de l'ampullectomie endoscopique. Il s'agit donc d'un patient suivi pour une polypose familiale par une mutation APC, comme c'est le cas le plus fréquemment. À l'âge de 17 ans, le patient a une coloprotectomie totale avec anastomose iléo-anale. Il avait donc 17 ans à l'époque et il est suivi régulièrement depuis 1993 jusqu'à 2015. Les recommandations incitent sur la surveillance duodénale à partir de 25 ans et donc depuis 25 ans, l'âge de 25 ans, il a un suivi régulier habituellement tous les deux ans. En 2015, il a eu un polype unique de 15 mm qui a été réséqué par mucosectomie. En 2016, l'endoscopie était normale. La papille mesurait que 10 mm. Donc, nous avions conseillé un contrôle deux ans plus tard. Diapositive. Pour des raisons familiales, malheureusement, il n'a pas pu se présenter à son contrôle. Et il est venu un an et demi plus tard, soit près de 4 ans après la dernière exploration endoscopique. Et la fibroscopie montrait environ une vingtaine d'adénomes duodénaux et une quarantaine d'adénomes au niveau du réservoir iléal. Ces polypes faisaient moins de 10 mm, et donc la recommandation actuelle est de les traiter plutôt par argon, alors que lorsque les polypes font plus de 10 mm ou lorsqu'ils ont un aspect suspect, on recommande plutôt un traitement par mucosectomie. Par contre, la papille avait augmenté franchement de taille, puisqu'elle faisait 10 mm il y a 3-4 ans, alors que là, elle fait environ 25 mm. Les biopsies que j'ai réalisées montrent un adénome en dysplasie de bas grade. Et j'ai donc profité de cet examen pour réaliser une écho-endoscopie qui montrait que la lésion était limitée à l'ampoule, sans atteinte de la paroi duodénale ni atteinte du pancréas. Il s'agissait donc d'une lésion T1N0 pour laquelle le patient est convoqué ce jour. En vous attendant, j'ai contrôlé donc le réservoir iléal et j'ai traité une vingtaine de lésions récidivante, toujours de moins de 10 mm par argon. Et donc là, on s'est positionné au niveau du duodénum. Donc je vais vous montrer l'aspect de la papille. Comme vous allez pouvoir le constater, il s'agit d'une lésion manifestement adénomateuse. On voit que l'orifice papillaire est à sa partie haute, légèrement dévié sur la gauche. Et vous voyez qu'il existe une extension latérale sur la gauche. Et donc l'idée, c'est de réséquer cette lésion, comme elle fait 20-25 mm, si possible, en monofragmentaire. Normalement, on ne fait pas d'injection sous-muqueuse au niveau de la paroi duodénale, mais en cas d'extension latérale, comme c'est le cas chez ce patient, je vais faire une petite injection latérale sur la gauche. Donc je prends une aiguille d'injection, et je vais injecter un peu de sérum FI avec de l'indigo carmin, mais également un tout petit peu d'adrénaline pour essayer de diminuer le risque hémorragique. Donc, on sort l'aiguille. On va injecter doucement. Top. Alors, il ne faut pas injecter de trop. Prends l'aiguille, ressort l'aiguille, hop, merde. Injecte un petit peu, ah, si, top, arrive. Sors l'aiguille. En fait, injecte un petit peu. Top. Rentre l'aiguille. On va prendre l'anse de vin. Et au contraire, vous risquez même d'être un peu moins profond dans votre résection et donc de laisser en place des tissus
réanimateur. Donc ce qu'a fait Marc, c'est qu'il faut faire en fait, parce qu'il a injecté sur la partie latérale pour prévenir de l'entrée de l'indication. Et il a laissé la partie papille libre pour pouvoir la réveiller avec le plus de chance en rendant son résultat à R0. Ensuite on utilise donc une anse souple, une anse de 20 mm. Là, j'ai pris une anse 20 mm souple Olympus qu'on essaie de positionner donc au pôle supérieur de l'ampoule et qu'on va ensuite ouvrir en poussant donc notre duodénoscope vers la partie basse de l'ampoule. Tu vas essayer donc de l'ouvrir doucement. Attends, je vais prendre un appui sur la partie haute. Donc c'est assez difficile hein, de manier cette anse avec le duodénoscope, du fait de l'obliquité du duodénum, du fait qu'on est en position perpendiculaire, avec les récteurs en plus, donc on manipule pas très facilement l'anse. Effectivement, la sortie entrée de l'anse est parfois un peu délicate, il faut être bien coordonné avec l'infirmière, parce qu'il y a pas mal de contraintes sur l'anse, comme le disait Marc, du fait de la position, du fait du duodénoscope, du fait de les récteurs. Et voilà, ça s'ouvre plutôt pas mal. Donc, on voit que Marc va pouvoir capturer sans trop de difficulté la lésion et pouvoir tenter la résection monofragmentaire. Ce qu'il faut essayer de viser, c'est très clairement la résection multifragmentaire de ces ampulomères. Le facteur de risque principal de récidive, qui est déjà un peu plus importante, hein, je crois, dans les PAF. La récidive est de l'ordre de 30% en général. Et dans les PAF, elle est de l'ordre de 50% à peu près. Alors, une fois qu'on a capturé donc la lésion, on n'essaie pas de la serrer trop longtemps pour pas qu'il y ait de spasme au niveau de la région du Virsung. Je rappelle qu'il y a une antibiothérapie, qu'on travaille sous CO2, patient intubé, qu'on va lui faire également une hyperhydratation oringère secondairement parce qu'il n'a pas de facteur de risque cardiaque. Il a eu un suppositoire d'anti-inflammatoire pour essayer de diminuer ce risque et qu'ensuite on essaiera, bien sûr, comme c'est le cas 2 fois sur 3, de mettre en place une prothèse dans le canal pancréatique. On prend ensuite un courant d'endocoupe classique de mucosectomie, et ensuite on va donc couper. Tu vas serrer tranquillement, Anne. Alors il va rester un tout petit relief en bas, hein, ça n'a pas d'importance. Ça, le suppôt, maintenant, c'est systématique. Hein. Oui, très clairement, il faut mettre le suppôt en systématique, sauf contre-indication. Les principales contre-indications, les suppôts d'INS, c'est bien sûr l'allergie. On va éventuellement l'insuffisance rénale aussi. Mais dès qu'on peut le mettre, il faut le mettre pour tous les cathés. Je pense que ça, maintenant, a été bien démontré. Serrer doucement. Chez lui, on va faire un peu ceinture bretelle et re-ceinture, puisqu'on aura à la fois le suppôt, puis l'hyperhydrate. Je pense que c'est aussi assez intéressant. Alors, ça n'a pas été démontré spécifiquement dans l'ampulectomie, en fait. Ça a surtout été démontré pour la CPRE. Mais bon, on peut penser que le risque est probablement le même. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à le faire là aussi, en l'absence de contre-indication, notamment cardiaque. Et puis, donc, on va essayer, comme disait Marc, de poser la prothèse pancréatique pour diminuer ce risque-là. Bon, en tout cas, c'était une belle mucosectomie. Et ça, pour le replay, ce sera bien. Alors, après, on a essayé de récupérer le plus rapidement possible avec l'anse. On peut également utiliser un filet. Néanmoins, même si en position dorsale, le risque de migration est plus faible, il existe. Et donc, on essaie de faire le geste avec le matériel qui a permis de réséquer la lésion. On retourne ensuite sur place pour essayer de voir s'il y a des complications. Alors évidemment, la complication de pancréatite, on ne peut pas la voir immédiatement. Savoir que cette technique est la technique la plus morbide en endoscopie interventionnelle. Ce n'est pas la plus compliquée, mais c'est la plus morbide, puisqu'on considère qu'il y a une mortalité à 0,2%, mais surtout une morbidité aux alentours de 35%, avec quasiment 17 à 20% de pancréatite aiguë. Et en général, en moyenne, 10 à 12% d'hémorragie digestive sur la cicatrice d'ampulectomie. Cette hémorragie peut être retardée, d'ailleurs. On essaie de rester un petit peu pour voir si une hémorragie apparaît. Là, pour l'instant, c'est pas mal.
Alors c'est vrai qu'elle sera probablement encore un peu plus retardée par ton injection d'adré. Je pense que l'injection d'adré, c'est bien dans le sens où, au moins pendant la résection et puis pendant le caté, vous allez avoir un petit peu de temps mort avant la survenue d'éventuels saignements. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi. Je mets toujours un peu d'adré dans mon mélange sur les ampulectomies. Ça nous donne un petit peu de temps. Voilà, ça permet de travailler au propre, voilà, sans être trop gêné par le sang. Mais effectivement, il faut être... Il faut être prudent parce que ça reste suspensif. Une fois que l'adré s'est dispersé, c'est là que peut survenir le saignement. Et donc, du coup, ça n'empêchera pas de vérifier bien la cicatrice et éventuellement de mettre un traitement préventif. On en parlera peut-être tout à l'heure, Marc. On sert un petit guide. Du risque de saignement. Donc là, il cherche... Il va essayer de repérer l'orifice pancréatique. Alors, on essaie. C'est pas facile parce que parfois, effectivement, ils sont évidents. Et si vous voulez, à la partie haute, on a l'orifice biliaire. Là, t'es quelque part. Alors, il est probable que ce soit, on va vérifier. On va pousser. Donc, on va peut-être avoir besoin de l'image radio, du coup. L'image radio. Si on peut mettre peut-être en. On va pousser le fil guide. Les deux images, endo plus radio. On va pousser donc le fil guide. Donc là, on monte, vous voyez, vers les voies biliaires. Attends un peu, Marc. On va passer sur la radio, donc juste... Ouais. Est-ce que vous voyez l'image radiologique? Pas encore, mais ça va venir. Voilà, super. Donc vous voyez que le liquide passe vers le foie. Donc on est sur le cholédoque. Et donc, il faut ressortir donc, le sphinctérotome et essayer de trouver donc, l'orifice virsunguien qui est habituellement situé quelques millimètres en dessous. Tu vas légèrement sortir... La pointe du fil guide, top. Alors, ce que montre Marc comme petite technique pour récupérer l'orifice pancréatique, c'est vraiment pas mal. C'est de cathétériser avec le fil guide légèrement sorti. Ça permet d'être un peu plus précis et effectivement d'aller chercher l'orifice pancréatique qui est situé en général un petit peu en bas à droite, théoriquement, de l'orifice biliaire. Et ça arrive qu'on ne le trouve pas ? Alors, ça arrive. On essaye au maximum de le trouver, ouais, effectivement. Mais ça arrive. À peu près les deux tiers des cas, on en met. Après, il ne faut pas non plus s'exciter, je crois, à se forcer à trouver l'orifice, parce qu'il est probable qu'en essayant de le chercher à chaque fois, on risque d'avoir un traumatisme pancréatique et augmenter le risque de pancréatite lui-même. Sort un petit peu, ouais. L'objectif de le trouver, c'est de prévenir la sténose, c'est ça ? Alors, il y a deux, ouais, effectivement, la prothèse, elle agit à deux niveaux. Elle permet de limiter le risque de pancréatite post-ampulectomie. Et ça a été très bien démontré. Et je pense peut-être à Anna Gondron qui a fait sa thèse sur le sujet. Une très belle thèse. On présentera les résultats demain. Samedi, demain, ouais. Et puis, effectivement, ça prévient le risque de sténose de l'orifice pancréatique. Et vous l'avez laissé combien de temps, la prothèse, du coup ? Alors, en fait, en général, on fait un second look de la cicatrice à un mois pour vérifier, en fait, entre 1 et 3 mois, on va dire, pour vérifier la cicatrice. La prothèse, en fait, vous allez voir tout à l'heure, si on la pose, la plupart du temps, tombe toute seule, en fait. On a des petites prothèses de petit calibre avec des ailettes simplement externes pour éviter la migration intra-pancréatique. Pousse un petit peu. L'objectif de cette prothèse, c'est surtout qu'elle reste quelques jours et qu'elle puisse, du coup, limiter ses risques de pancréatite et le risque de sténose cicatricielle. Donc, il n'y a pas besoin forcément qu'elle reste très longtemps. Après, si elle reste plus longtemps, bah justement, ce second look vous permet de retirer cette prothèse assez facilement en gardant la cicatrice. Pousse un peu. Le second look, c'est pour confirmer une résection complète. En fait, c'est vérifier la cicatrisation, effectivement, et confirmer qu'il ne reste pas de résidus sur la cicatrice. Comme disait Marc, le risque de récidive, il est un peu plus important, en plus, dans les polypes aux anémotoses familiales. Alors, est-ce que ce sont des vraies récidives post-ampulectomie ou alors est-ce que c'est un polype de novo, puisqu'ils sont à risque de refaire des polypes duodéno? C'est plus difficile de faire la part des choses. Mais il y a quand même, effectivement, un risque de récidive qui est plus important si vous faites une résection R1 ou en tout cas multifragmentaire. Et donc, du coup, il est important de surveiller précocement cette cicatrice pour éviter de se retrouver dans une situation de nouveau plus compliquée si on fait le contrôle plus tard. Et puis, de toute façon, de continuer la surveillance, puisque globalement, on table sur une surveillance sur 5 ans au minimum. On a vu qu'il y a des récidives qui peuvent arriver, même tardives, sur la cicatrice. Vous voyez que là, je crois que Marc a réussi à trouver le virson. L'orifice est effectivement quelques millimètres en dessous donc, de l'orifice
collédocien. Il n'est pas toujours facile à trouver. Vous voyez, on est obligé parfois de tâtonner. Il n'est pas toujours très évident. Donc là, il n'y a pas besoin de réaliser de sphinctérotomie pancréatique. On a poussé, donc, je vais vous montrer l'image radio. Non, je vais te déplacer. Pour vous montrer qu'on est bien dans le canal pancréatique. Voilà, un peu moins, Anne. Vous voyez le fil guide qui part sur la droite. Un peu moins, voilà. Et donc, on va maintenant faire une manœuvre d'échange. On va détendre le sphinctérotome. Et donc, on retire le sphinctérotome en maintenant effectivement le fil guide en place. Pousse pas trop, ça doit aller. Vous voyez, on voit un petit peu l'orifice du Virsung. Donc je retire tranquillement le sphinctérotome. Et on va monter ensuite sur le fil guide une petite prothèse. Alors, on a l'habitude de mettre des prothèses Guinen qui sont des prothèses de 5 French toutes petites, 5 cm. Il semble, et ça vous sera présenté samedi, que des prothèses de 7 cm seraient peut-être un peu plus stables et seraient peut-être un petit peu plus efficaces dans la prévention de la pancréatite. Pour l'instant, en tout cas, on ne les utilise pas, mais on changera peut-être notre façon de faire au niveau du type de prothèse qu'on utilisera. Le problème des longueurs de prothèses, c'est vrai que c'est, effectivement, tu fais référence à une étude, Marc, qui avait montré un petit avantage aux 7 cm. Après, moi, ce qui m'embête toujours, c'est de me dire que j'ai une prothèse qui va aller loin dans le pancréas, donc oui, potentiellement plus traumatique. Alors, ce que les auteurs disaient, c'est que finalement, avec les 7 cm, on passait très souvent le genou. Absolument, c'est ça le problème. Du Virsung, ouais. Et donc, du coup, bah, théoriquement, on avait une prothèse qui était moins traumatique que les 5 cm, qui, elles, butent en fait, sur la partie ismique du Virsung. Et elles peuvent s'incarcérer, peut-être, à la jonction du canal de la tête, au moment de l'endroit où ça bascule au niveau du genou pour aller dans la partie corporeale, ismo-corporeale. Et donc peut-être d'avoir une prothèse un tout petit peu plus longue, pas agressive, sans ergo. Ça permettrait de stabiliser un peu plus cette prothèse et d'éviter qu'elle soit elle-même traumatique pour le pancréas. Donc on va monter donc cette toute petite prothèse. Je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'écran. Peut-être qu'on peut montrer effectivement à l'écran la prothèse. Elles sont toutes petites, hein. C'est des prothèses de 5 French, 5 cm. Ce que je te propose, Marc, c'est qu'on monte la prothèse et puis après, on va peut-être passer à l'autre salle. Absolument. Avec Emmanuel. Absolument. Et puis, on reviendra sur toi pour montrer quand même la fin. D'accord, pas de problème, si tu veux. De la pose de prothèse. Je montrerai la prothèse et puis on parlera un peu de la surveillance. Oui. Okay. On va pouvoir passer peut-être sur la salle de... Alors, je regarde s'il y a des questions. La salle d'Emmanuel. On en parlera après, si tu veux bien. On reposera les questions tout à l'heure, si tu veux, Isabelle. Ouais. Est-ce qu'on peut passer sur cette salle-là ? C'est prêt ? Bon, je ne sais pas. Attends, je n'ai pas les diapos. On va voir si on est chez... Est-ce que tu... Ben oui, on est avec Emmanuel. Non ? Si, on y est. Voilà. Regardez. Ok, donc. Et là, c'est là que tu mets-toi devant. Alors, où est la caméra ? Elle est juste au-dessus. Voilà, c'est bon. Ok. Allez, bon. De l'autre côté. Est-ce qu'on peut prendre peut-être l'autre caméra pour qu'on ait Emmanuel de face ? Voilà. Bon. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là en ligne et puis en présentiel pour ceux qui ont la chance de pouvoir être à la CCI. C'est vraiment un très grand honneur pour nous d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour remercier la SFED qui nous a mis sous égide, en particulier son secrétaire général Olivier Grenier qui a été vraiment très supportif et réactif et puis bien sûr Stanislas Chaussade. Et aujourd'hui, donc, on va passer toute la journée ensemble avec une alternance de démos et de topo théorique. Et je vous incite bien sûr à rester connecté jusqu'au symposium de regards croisés entre patients et médecins avec Pierre-Louis Atwell, notre navigateur préféré, qui va nous animer un sympo sur les Mickey. Alors, pour faire la transition avec les Mickey, je vous présente le cas de cette patiente. On va mettre les diapositives, s'il vous plaît. C'est une jeune femme qui a un antécédent de cholangite sclérosante et de rectocolite hémorragique. Alors, c'est diapo pas cette suivante, diapo, c'est la diapo suivante. Voilà. Diapo suivante, encore. Encore, voilà. Une jeune femme de 45 ans, diapo suivante,
qui est donc suivi depuis 2010 pour une RCH qui est finalement peu active sur le plan de l'agressivité de la maladie, mais qui est pancolique, qui est traitée par Pentasa depuis 10 ans, qui a un bilan hépatique normal sous délursant et qui est régulièrement suivi par coloscopie. Les coloscopies, les dernières, sont macroscopiquement normales, mais en novembre 2019, sur une biopsie systématique, il a été découvert un foyer peut-être dysplasique. Et puis sur la coloscopie de contrôle en juin 2020, un foyer en dysplasie de bas grade dans le côlon droit, confirmé par une double lecture, alors que l'examen était macroscopiquement normal. Elle a été présentée en staff régional de MIKI et la moitié de l'assistance du staff, alors dont je n'étais pas, mais a proposé une colectomie droite et l'autre a proposé un contrôle. Alors vous imaginez que la patiente, elle a plutôt préféré le contrôle et elle est là pour le contrôle aujourd'hui. Diapo suivante. Et nous allons donc discuter des modalités de surveillance endoscopique pour la recherche de dysplasie, c'est-à-dire l'examen en lumière blanche, et nous allons montrer aussi de l'intelligence artificielle, la chromoscopie et les zooms, la coloration à l'indigo-carmin, et reparler des biopsies quadrantiques. Pour ça, j'ai la chance d'utiliser un coloscope qui n'est pas, comme initialement prévu, le CF190, mais le nouveau coloscope HQ1100 d'Olympus sur la colonne EVIS 1. Alors, diapo suivante. Ça, on le verra, je pense, après les take-home messages. Et on va passer sur la partie endoscopique. Sur la partie endo. Et je suis l'écran. En fait dans un côlon qui n'était pas super bien préparé parce que la patiente était. On avait un peu marre de prendre sa purge, mais je puis remonter dans le grêle. Et est-ce que vous voyez l'image? Alors, on est sur l'image de Marc, mais. Voilà. Et en train de qui a posé sa prothèse. On peut voir comme ça la prothèse de Marc au passage. Heureusement, c'est pas le côlon, Manu, je crois. Mais... Et on va passer cette fois-ci sur l'écran d'Emmanuel pour voir la colo. Donc, on est dans l'Iléon. Ok, on voit voilà. Déjà l'écran et puis on va passer directement sur. Okay. Sur l'écran derrière. Parce que là, vous voyez en tout petit quand même. Exactement. C'est dur de voir quelque chose. On voit la tête d'Élodie. Alors, on est finalement dans un grêle qui est quasiment normal, mais ça, c'est macroscopiquement. Si on regarde bien, en fait, vous verrez que c'est bon. Pas encore. Ok. Ça va venir. Tu peux commenter, Manu. Commenter. Ouais. Alors, bien sûr, c'est pas une maladie de Crohn. Voilà, ça y est. Il y a moins d'intérêt. Okay. C'est on pas peut mettre que l'endoscopie, hein, que la vue endoscopique. Voilà, ah oui, très bien. Que la vue endoscopique. C'est bon. C'est pas une maladie de Crohn, mais c'est quand même intéressant. Donc là, je suis avec ces nouveaux endoscopes HQ1100, avec une image qui est vraiment de très haute résolution. Si je mets un petit peu de near focus, vous voyez qu'on est encore plus proche. Et puis, si je mets un petit peu de NBI en plus, on a vraiment une image qui montre très, très bien les petites boucles vasculaires et qui permet de regarder attentivement son intestin grêle. Alors, cette patiente-là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a des petites zones d'atrophie déjà. Hein, donc, il y a peut-être, même s'il n'y a pas d'ilée de reflux proprement dite, il y a quand même un grêle qui n'est pas tout à fait normal, vous voyez au centre de l'image ici. Et puis, on voit aussi ces petits aspects de bordure en brosse. Je vais essayer de vous les remontrer en NBI, la petite bordure bleue. Il peut être un signe de métaplasie intestinale dans l'estomac. Vous voyez que c'est souligné en bleu sur certaines villosités. Alors, ça, c'est son grêle. Hein, et finalement, c'est pas trop mal. Il n'y a pas d'ulcération et des petites plages d'atrophie. Et puis, je redescends dans le côlon. On est ici dans le cécum. Alors, bien sûr, toute l'eau qu'on a utilisée s'est mise dans le sécum. Il y a un petit suçon par ici. Et on va demander à M. Piguet, s'il est d'accord, d'activer le mode d'intelligence artificielle. Alors, apparemment, c'est la première démo d'intelligence artificielle Olympus en France, avec ce système qui est un système de détection n'est pas, bien sûr, dont l'algorithme n'est pas pour l'instant calibré pour les MIKI. J'imagine que c'est en cours de travail, mais c'est toujours intéressant de regarder ce que l'appareil détecte, effectivement, des petites anomalies qui pourraient faire discuter des polypes, mais qui n'en sont pas.
sont immédiatement sélectionnés par l'appareil. Ça, c'est juste un petit suçon, encore une fois, tout à l'heure, que j'ai fait en arrivant dans le bas-fond sécal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je retire l'appareil, hein, on a ici une zone en haut à gauche qui n'est pas tout à fait normale, qui est détectée, elle aussi, vous voyez, par le système CAD, donc Computer Assisted Diagnosis. Et effectivement, alors qu'on est dans le côlon, on a cette zone-là qui est un peu un peu érosive, un peu ulcérée. Et on est au contact de la valvule, mais c'est pas, voilà, c'est absolument pas normal, même si, vous voyez, la zone de transition avec la muqueuse adjacente montre qu'on a pas de très grosses lésions en relief. Si on rajoute un petit peu de NBI, on a l'analyse du pattern muqueux et vasculaire. Et vous voyez en fait que ce NBI est aussi beaucoup plus lumineux que le NBI des générations précédentes. On pourrait presque faire la colo en NBI, puisqu'on a une image qui est encore très lumineuse. J'en profite, tant qu'on est encore dans le macro, pour vous montrer le nouveau mode, en fait, qui est le mode TXI, qui est un mode de détection, lui aussi, qui peut se combiner à l'intelligence artificielle. Et donc, que ce soit en lumière blanche ou en mode TXI, on a un système qui est fait pour détecter des anomalies de relief, même si, bien sûr, encore une fois, il est plutôt calibré pour les polypes adénomateux que pour les lésions de Mickey. Donc, ce mode TXI, en fait, c'est un traitement, une recomposition en partie électronique de l'image qui permet d'avoir une image un petit peu plus froide, un petit peu plus crue et qui montre des zones un peu suspectes. Si je repasse en NBI, on voit qu'on perd l'intelligence artificielle, enfin qu'on la perd, qu'on est là dans un mode de caractérisation, et donc on n'a plus les carrés qui se mettent en évidence, et on va aller chercher, au contraire, à caractériser. Alors, je sais que probablement Olympus va sortir un module de caractérisation sous peu, puisque Fuji a sorti son module de caractérisation et dont on verra la démo un petit peu plus tard. Et donc, vous avez cette zone ici, hein, qui est une zone quand même sur laquelle, bien sûr, on va faire des biopsies ciblées. Je ne sais pas si on peut voir la table où on voit que les infirmières ont préparé pour ces patients-là tout un tas de peaux. Donc, en fait, finalement, Manuel, il y aura toute une stratégie. Enfin, je commence par la lumière normale, le café, c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner aujourd'hui ? Oui, c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. Alors, on va faire un petit peu de coloration à l'indigo carmin avant d'être coupé pour montrer aussi le principe. Alors, les take-home messages, peut-être qu'on peut les afficher pendant que j'introduis le cathéter. C'est la diapo take-home message. Je pense qu'on va bientôt changer bientôt passer aux topos suivantes. Alors, c'est du coup, je n'arrive plus à le lire puisque j'ai mon image endoscopique devant. Mais en gros, la cholangite sclérosante primitive, c'est un facteur majeur de cancer colorectal avec un odds ratio qui est de l'ordre de 15-20. Et donc, il faut être très prudent. C'est la situation où il faut de toute façon continuer à faire des biopsies quadrantiques tous les 10 cm, 4 biopsies et puis un examen attentif. Et pour les autres cas, c'est selon expertise, soit indigo carmin et biopsie ciblée, soit biopsie quadrantique tous les 10 cm couplée à l'examen en lumière blanche. On voit que la rentabilité de ces biopsies quadrantiques systématiques, elle est très faible, de l'ordre de 1%, mais ce n'est pas totalement nul. Hein. Donc il y a beaucoup d'équipes, dont nous, qui en fait couplons les deux et donc qui vont faire à la fois l'acrobo et les biopsies quadrantiques. On va repasser à l'image endoscopique, s'il vous plaît, et puis montrer simplement la pulvérisation pour montrer un peu le... Alors, vas-y, Élodie. Et est-ce qu'on pourra se passer un jour de cet indigo carmin avec toutes les nouvelles techniques de traitement informatique des images ? Ouais, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on attend. Le SGE encourage à se former à ces techniques-là. Il y a un curriculum stop qui est en train de se mettre en place pour les apprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de démonstration avec un niveau de preuve suffisant dans la littérature pour dire on peut remplacer
l'indigo carmin par le NBI. Et donc on continue, je crois que c'est quand même très prudent de continuer à faire du NBI. Et vous avez ici donc l'image du bleu avec un bleu, vous voyez, qui est pas trop foncé et qui permet l'analyse de ces petits puits pour essayer de rechercher des zones anormales. Et finalement, chez cette patiente, la zone qui nous inquiète, c'est celle qui est en regard de la valvule, qui est beaucoup plus irrégulière, inflammatoire, et bien sûr sur laquelle on va faire porter les biopsies ciblées avant de faire les biopsies cadrantiques. C'est, là, j'ai toujours eu l'impression que moi, la dilution de l'indigo carmin, c'était maison. Est-ce qu'il y a une bonne recette? Alors, c'est en fait pas maison. Il y a effectivement des recos, hein, qui sont les recos du GTED et de la SFED, qui sont disponibles, bien sûr, à la fois sur le site de la SFED, dans l'ABCDR aussi, hein, qui est un très bon outil et qui permet de faire ça. Donc, nous, c'est du 0,025. C'est moins que la coloration d'un polype ouvert. Et donc, ça permet de rechercher. C'est des zones qui ne sont pas faciles d'analyse, hein, quand même, Emmanuel, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a une zone purement cicatricielle, là, où, à côté de tes biopsies, puis une espèce de plage un peu qu'on délimite mieux avec la chromo et qui pourrait être, en fait, des débuts de lésion sur sa RCH, donc je pense que ce que tu disais était vrai, c'est-à-dire que pour l'instant il faut vraiment pas hésiter à combiner les techniques et à se dire, surtout chez ces patients à risque où des biopsies soit aléatoires, soit un peu plus ciblées ont mis en évidence des lésions dysplasiques et qu'on décide d'une surveillance, à associer de la chromo électronique avec de la chromo classique à l'indigo carmin, parce que on a plus de chances de mettre en évidence ces lésions qui sont vraiment pas évidentes, même pour un œil expert à détecter. Alors, l'importance de la pompe de lavage, hein, on ne le rappellera jamais assez. Des consignes, on est gêné. Donc si on veut vraiment continuer à faire des biopsies ciblées, fermées, c'est très important d'avoir ces pompes qui sont devenues indispensables. Ouvert. Du coup, peut-être que la CCI va vouloir reprendre l'antenne, puisque on arrive à la fin du créneau pour l'endo. À moins que Manu, tu avais quelque chose de... Non, moi je vais continuer, faire ma petite descente tranquillement. Juste pour info, donc Marc en fait a fini sa amputation, c'est très bien passé. Hein. Et la seule chose qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, mais on pourra vous le montrer au replay, c'est... ou on ne l'aura pas, mais c'est... On vous le montrera sur un autre cas, c'est la prévention hémorragique. Et en fait, Marc a pulvérisé, enfin a appliqué un gel hémostatique, le Purasta, sur la cicatrice. Donc il n'y avait pas du tout de saignement. Mais ce gel a démontré vraiment une diminution du risque de saignement. Et on pense que sur les ampulectomies, c'est une bonne indication, parce qu'on est un peu plus désœuvré pour respecter notamment les canaux pancréatiques et biliaires. Et je pense qu'en prévention ou en traitement d'ailleurs de l'hémorragie en cours d'ampulectomie, cette application de Purasta peut vraiment être assez intéressante. Donc on vous le montrera sur un autre cas. Et voilà, donc en tout cas pour vous dire que la fin de la procédure de Marc s'est extrêmement bien passée. Je suis avec Emmanuel, avec Elisabeth, Lucie, Elodie aussi, nos infirmières d'endoscopie. C'est Stéphanie qui est notre IAD pour cette salle et pour ce cas-là. Et donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est ce cas d'un patient de 53 ans, qui a un cas de polype gastrique, diapo suivante. Donc, c'est un patient qui a comme principal antécédent une obésité de stade 3 avec des complications métaboliques à type d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 et aussi un SAS appareillé. Et en fait, c'est un patient asymptomatique chez qui il réside une fibroscopie en pré-geste d'une chirurgie bariatrique. Diapo suivante. Et donc, sur cette fibroscopie, est retrouvé de manière fortuite un polype antral que vous pouvez bien voir. Donc, c'est un polype pédiculé sur la photo de gauche. Sur la photo de droite, vous voyez qu'il a tendance à se prolaber au niveau du pylore. Et diapo suivante. Donc, les biopsies sont faites par notre correspondante. Alors,
S'il y a un message important à retenir, et il a été très bien fait par notre correspondante, c'est qu'elle a effectivement biopsié le polype, mais surtout, elle a fait des biopsies en dehors du polype, et elle a fait une cartographie gastrique, ce qui a été une très bonne idée. Comme vous pouvez le voir, le polype antral, l'anapath ne pouvait pas trop se prononcer sur le caractère éventuellement hyperplasique ou, et ne retrouvait pas de lésion adénomateuse. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que sur la cartographie gastrique, les biopsies antrales étaient retrouvées une gastrite chronique, sans métaplasie intestinale ni Helicobacter pylori, mais par contre, les biopsies fyndiques retrouvaient une gastrite atrophique avec métaplasie intestinale, et l'aspect pouvait être compatible avec une maladie de Birmer. Donc, découverte fortuite là encore. Et ça a été confirmé par son bilan biologique complémentaire qui a retrouvé des anticorps anticellules pariétales positives et des antifacteurs intrinsèques étaient E négatifs. Et pour l'instant, pas de carence en B12, puisque vous voyez, elle était normale. Diapo suivante. Donc, ce qu'on se propose de vous montrer, c'est de faire une cartographie optique gastrique et puis de réséquer, bien sûr, ce polype antral pour en avoir une histologie définitive. Diapo suivante. Donc, les objectifs pédagogiques sont de discuter des lésions prénéoplasiques et néoplasiques gastriques, et puis aussi de discuter des modalités de résection de ces polypes gastriques. Donc, on va pouvoir passer sur la vue endoscopique. Alors, on peut faire que la vue endoscopique. Éventuellement, ce sera... Ouais. Donc, là, on se situe dans le fundus. Donc là, je suis juste en sous-cardial, vous voyez. Déjà, on peut voir que globalement, même s'il est un peu insufflé, le fundus est relativement atrophique de façon macroscopique, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les plis habituels que vous avez dans le fundus. Et si on doit délimiter l'antre et le fundus, on est bien embêté. Éventuellement, avec l'angulus, on peut se donner une petite idée. Mais globalement, vous avez un fundus qui est vraiment atrophique, ce qui confie un peu les données histologiques qu'on avait. Alors, on va se pencher d'abord sur le fundus et puis on ira voir le polype après. Parce que sur le fundus, il y a des choses assez intéressantes à voir. Alors déjà, simplement en lumière blanche, je travaille avec un Olympus, un GIF HQ190, avec donc la nouvelle colonne EVIS. Et donc, simplement en lumière blanche, déjà, vous pouvez distinguer ces petits aspects de verrues, entre guillemets, du fundus, sur lequel on était en train de s'interroger justement avec Emmanuel. Alors, dans le contexte de Birmer, évidemment, ce qu'on peut évoquer, c'est peut-être des petits ocellomes. La situation fyndique, l'aspect multiple et de petite taille. C'est vrai que parfois, ils sont un petit peu plus vascularisés, donc un petit peu plus rouges, mais et un peu translucides. Alors, un tout petit peu, pas tout à fait net. Et puis, c'est important d'avoir la pompe de lavage pour bien nettoyer. On était en zoom. Voilà, je vais me remettre en dehors du zoom. On sera un petit peu mieux. Et puis, on va aller un peu dessus. Donc, on va passer en NBI. Et on va essayer de vous montrer, parce qu'il y avait une belle association de lésions, si on retrouve la zone. Donc, je vais essayer de me stabiliser un maximum. C'est pas facile. Hein, c'est pas simple. Après, on aurait pu utiliser un cap, c'est vrai. C'est... Alors, on a un cap qui est prêt. Il faut prendre des caps courts, hein, des caps qui sont des caps de visualisation et effectivement, éviter les battements. Tu as des belles plages là, d'atrophie. Un peu. Donc, effectivement, gauche, vous voyez ces petites zones à gauche, comme disait Emmanuel, un peu blanchâtres. En fait, vous avez quasiment une raréfaction des vaisseaux. En fait. Ce sont des plages très, très clairement d'atrophie. On voit aussi sur ces plages d'atrophie des plages probablement de métaplasie. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de zoom. Là aussi, sur votre gauche, en fait, qui sont un peu plus blanchâtres, avec un aspect un peu plus allongé de ces cryptes, avec cet aspect un peu cérébriforme. Les anglo-saxons appellent ça le ridge villus pattern. Voilà, donc voilà. C'est effectivement un petit peu plus allongé, un petit peu plus épais. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu encore, éventuellement de mettre un peu de dual focus pour... Alors les Japonais arrivent même à corréler, alors il y a des papiers où ils corrèlent l'aspect endoscopique et les taux de sérum pepsinogène et le risque de cancer. Ça paraît assez incroyable. Mais ils sont quand même forts. Donc voilà, par exemple, cette zone-là. Alors, il y a un signe assez caractéristique de la métaplasie intestinale. Alors, j'ai commencé à chercher hors antenne tout à l'heure, mais j'ai du mal à en trouver. C'est les fameux light blue crest, en fait, cette espèce d'aspect très bleu, quasiment bleu azur, en fait, que vous avez sur les parties de métaplasie. Ça se voit très bien. La métaplasie intestinale complète, en fait. Voilà. Donc, comme c'est pas toujours complet. Mais là, c'est beau. Hein. Regarde en bas, là. Donc là, ouais, on les voit pas mal. Enfin, on les voit pas de light blue crest, mais on voit bien ces zones, en fait, de métaplasie intestinale.
Ouais, c'est pas mal ici. Et alors, ouais, c'est dommage parce que de l'Hidebook Rest, c'est joli à voir en fait. C'est vrai. Alors, on a l'association effectivement d'ici des patterns un peu allongés de métaplasie intestinale et puis les zones d'atrophie. Ronds, hein, ouais. Ouais, et les zones d'atrophie. Alors, je vais essayer de vous montrer peut-être en plus avec le zoom et dual focus une zone. Un peu plus avec les, il y a une centaine. Les suspicions, la suspicion de CLOM qu'on avait. Il faut que je m'enlève un peu de là. Alors, c'est très difficile hein, l'exploration d'un estomac comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'en voit quand même pas beaucoup. Donc, là, c'est une petite zone de métaplasie, alors, rien à voir avec les petites zones verruqueuses qu'on avait tout à l'heure. Hop là, pardon. Des gastrites atrophiques comme ça, sévères, c'est vrai que ce n'est pas non plus de la pratique quotidienne. Donc c'est intéressant de, là aussi, continuer à se former. Alors, hop. Des belles plages d'atrophie là-haut. Essayez de vous montrer les petits nodules. S'il arrive à stabiliser sur un des nodules. Ouais, sinon prendre un cap. Ouais, autrement, c'est juste pour avoir le temps aussi de faire un petit peu de résection. Voilà, on les voit un petit peu mieux là. Je vais faire un petit coup de zoom. Même si... pas facile parce qu'il y a les traces des biopsies aussi. Hein. Je me demande si au-dessus, c'est pas une trace d'une biopsie résiduelle. C'est possible. Tout en haut de l'image. Vous voyez, en fait, ça se paie. Alors, les cryptes de cette zone-là, ce qu'on peut suspecter être des ECLO, même si on n'en est pas certain, sont vraiment très arrondies, en fait, très régulières. C'est posé la question, en fait, de début de petites zones hyperplasiques ou alors carrément de muqueuses fyndiques résiduelles, en fait. Mais bon, on n'était pas certain de notre coup. Pour être vraiment, vraiment clair. Et je pense que de toute façon, bon, on en fera une biopsie pour confirmer cet aspect-là. Il y a déjà eu une cartographie. Alors là, on va peut-être se porter maintenant sur le polype. Mais, de toute façon, on la refera, tu es d'accord ? On la refera. Mais le message, en fait, c'est que si vous avez des lésions cibles, occupez-vous-en avant de faire la cartographie, bien sûr, pour éviter de vous retrouver... avec du sang sur la muqueuse gastrique qui vous empêcherait de bien voir après tout le reste. Donc faites d'abord une bonne cartographie optique, ciblez les zones que vous voulez biopsier, privilégiez ces zones-là et ensuite faites des biopsies aléatoires dans un second temps. Donc là, pour éviter de gêner tout ça, donc on va repasser sur la partie antrale. Donc vous voyez déjà un petit peu le polype, je vais me mettre en lumière blanche. Il était prolabé quand je suis arrivé, puis à force l'insufflation, il n'est plus prolabé. Vous voyez que le pied est assez... large. Assez large. Alors, en fait, on voit presque mieux en NBI. Donc, on a un pied qui paraît relativement normal, sauf sur sa partie un peu basse. Là, vous voyez, il y a une espèce de zone qui est peut-être une zone de métaplasie, en fait, qui est vraiment à la base du pied. On verra si on la prend en même temps, mais on va être vraiment un peu large autrement. Et puis sur la tête du polype, on a un pit pattern qui est très, très variable en fait en fonction des zones. On a des zones un peu ulcérées, vous voyez. En fait, cette zone-là, ce n'est pas un dépôt hein, sur la partie blanche. C'est vraiment une zone un peu plus ulcérée du polype. Et puis, donc, on a cet aspect assez irrégulier. On en discutait avec Emmanuel tout à l'heure. Moi, j'achèterais bien l'hyperplasique avec des petits foyers d'adénome. Vous voyez, en fait, cette zone-là qui est un petit peu plus irrégulière, ici, alors je vais essayer de vous faire une belle est-ce image. Est-ce que pour les néophytes du pit pattern, est-ce qu'on peut juste nous redire un peu votre hyperplasique, comment ça se répartit ? Alors, au niveau du pit pattern, ça c'est un cours qui est très bien fait par Gabriel Ramy au DU d'endoscopie diagnostique, en fait. Et donc, il y a tout un atlas qui a été fait, hein, qui est disponible. On ne peut pas passer en revue tous les pit patterns, mais ce qui est important, c'est d'apprendre la classification VS, qui est celle des lésions à risque, donc des adénomes avec la séquence dysplasie de bas grade au grade cancer. Et en gros, quand il y a des lésions avec une démarcation en relief, des zones planes mais surélevées, quand il y a une espèce de marche d'escalier, c'est à risque. Et puis quand il y a un caractère irrégulier des vaisseaux, et de la muqueuse, c'est évidemment irrégulier. Alors, c'est quelque chose qui est là aussi à apprendre. Il y a un message fort dans l'estomac, c'est que les petites ulcérations, les polypes un peu ulcérés, ça n'est pas en soi un facteur inquiétant comme dans
l'œsophage ou le côlon, parce que en fait, du fait de l'acidité et des mouvements gastriques, c'est très fréquent d'avoir ces petites zones ulcérées, et c'est pas forcément plus que de la dysplasie de bas grade. Donc moi, j'achèterais bien en fait une lésion plutôt adénomateuse avec de la dysplasie de bas grade dessus, mais bon, on verra un petit peu ce que ça va donner. Alors, l'hyperplasique, en fait, c'est... Bon, on va peut-être passer d'ailleurs à la résection, mais globalement, l'hyperplasique, c'est assez facilement associé avec le birmaire. Ça, c'est un argument, oui. C'est un argument supplémentaire, en fait. C'est du fait de la gastrite chronique induite par le birmaire. Vous avez un peu plus de risque de polyhyperplasique. Ça a bien été montré dans les études histologiques. D'ailleurs, c'était des Japonais aussi qui avaient montré ça. Et le risque de dégénérescence, il existe en fait pour les polypes hyperplasiques, il est faible, hein, mais il est évalué entre 0,5 et 7% des polypes hyperplasiques. Donc plus ils sont gros, plus ils ont de risque de dégénérer selon la séquence classique dysplasie, métaplasie, dysplasie et cancer. On va passer à la résection peut-être du coup. Alors ce que je vous propose, c'est il faut en fait d'abord, je pense, prévenir un peu l'hémostase, parce qu'effectivement, le pied est relativement gros. Et donc, si on y va direct à l'anse, je pense qu'on risque de se retrouver dans une situation un peu difficile. Donc moi, dans ces cas-là, ce que j'ai l'habitude de faire, après peut-être que Manu, c'est une autre stratégie, c'est d'injecter le pied avec du sérum adrénaliné en fait, là encore, comme l'ampulectomie, se donner un petit peu de temps pour pouvoir réséquer tranquillement le polype, peut pas avoir un saignement catastrophique, et par contre faire de l'hémostase précise après résection du polype. Je sais pas si oui, je suis tout à fait d'accord. Les gros pieds larges comme ça, faut les injecter. Petite précision, les polypes hyperplasiques à réséquer, mais c'est ceux qui font plus de 10-15 mm. Hein, on n'enlève pas évidemment les petits. Et puis, moi, la question, c'est est-ce que tu n'as pas intérêt à mettre un cap quand même à cette étape-là, si ça se mettait à saigner un peu fort pour pouvoir faire de la... avec l'hémostase, c'est une bonne idée, effectivement. On peut mettre le cap. Et plus que parfois, je trouve que je suis moins à l'aise parce que je perds un peu de visibilité sur ces gros polypes-là. Vas-y, ça. Au revoir. Le pattern change là ici. Hein. Ouais. Alors c'est évidemment. Donc là, il y a. Le pattern, ouais, parce qu'avec l'adré. Avec l'adré. Hop, vas-y. Voilà, donc j'injecte généreusement le polype. Rentre. Pas mal, on le voit déjà blanchir. On voit même la muqueuse adjacente blanchir. Ça, c'est assez classique dans l'estomac quand vous mettez de l'adré. Et ça permet même de presque mieux voir le pattern du polype. C'est vrai. Par rapport à l'antre, entre guillemets, normal. L'adré pour l'estomac, en fait, c'est fréquent. Vous mettez systématiquement. Ça saigne beaucoup. Hein, c'est vrai que c'est assez confortable de mettre un peu de sérum adrénaliné. Alors pour l'analyse du pit pattern, il y a des équipes aussi qui font, en plus de ce qu'on a fait là à la chromoscopie virtuelle, optique, c'est ce qui est recommandé dans le consensus MAPS, hein, donc qui a été révisé, notamment Tamara Matisiak vous parlera ça, de ça. Je pense qu'elle a participé à ce consensus de l'ESGE avec Mario Diniz Ribeiro. Et c'est quelque chose qui dit on peut faire le NBI en substitution des chromos réels. Mais c'est bien, il y a beaucoup d'équipes qui continuent à faire de la chromo réelle et éventuellement un peu d'acide acétique. Donc une combinaison indigo-carmin-acide acétique. Alors là, tu es en train de te placer. Très important de bien attraper le pied, de bien béquiller. Hop. Ferme un petit peu. Hein. Encore. On vérifie. En fait, c'est pour ça que je voulais, pour l'instant, pas trop prendre le casque. On perd un peu de lumière aussi. Je voulais bien vérifier d'avoir tout pris, en fait, et d'avoir tout le polype dans l'anse. Surtout que la partie pylorique du polype, on la voit un peu moins bien. J'ai l'impression d'être pas trop mal. Ouais. Comme ça, bon. On va pouvoir le réséquer. Donc courant d'endocoupe classique, endocoupe Q. Et donc on va serrer doucement la l'anse. Ça peut être un petit peu long parce qu'il y a un peu de marge. Oui, c'est épais quand même.
pense qu'après la coupe, on nous fait signe qu'on va basculer dans la salle de Marc pour voir une autre procédure que je ne vous divulgue pas. Alors évidemment, il faut être assez patient, il ne faut jamais s'arrêter en cours de coupe, hein. Faut aller jusqu'au bout, donc pédale jaune, on est en endocut Q, je ne sais pas si on pourra montrer les réglages du bistouri. Tu es toujours été fermé à fond, pas bah. Ouais, c'est parce que c'est normal. Donc c'est long, mais il ne faut pas paniquer, quoi. Non. Ah, bah voilà. Alors ça va peut-être saigner un peu quand même. Moi, je pense que tu auras intérêt à mettre un cap. Les risques de perforation ne sont pas majeurs. Sérum adré. Non, il y a très peu de risques de perfo là-dessus, en fait. Mais par contre, ça peut saigner un peu fort. Combiné avec un peu de... Bon, quel suspense, torsion, va-t-on y arriver? Ah, c'est un beau morceau. Hein. Ouais, j'aimerais bien... Avant de basculer sur Marc, globalement, après, tu vas mettre des clips pour sécuriser, c'est ça? Ouais, je pense que là, l'étape, ça va être de réinjecter un peu de sérum adré, de mettre le cap probablement pour quand même être bien positionné, et puis ensuite de... c'est une composante très fibreuse, en fait. C'est ça qui fait que c'est difficile à couper. Voilà. Bravo. Et puis, peut-être sécuriser avec des clips. On va aspirer un peu la fumée. On va regarder. Nicolas, on va te laisser. Vous voyez la cicatrice. Probablement que les petits vaisseaux sont là. On les voit, en fait. On voit les petits tétons vasculaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de coag avec la pointe de lance sur ces tétons vasculaires tant que je les vois pas mal. Et puis effectivement, je pense qu'on sécurisera les choses avec les clips. Bon, merci. Le polype ne devrait pas trop bouger, donc je vais le laisser. Je ne pense pas qu'il passera le pylore. Voilà. Hop. On va passer la salle à Marc. Ça marche. Allez, mets-moi le pendard. Marc, c'est à toi. Ouais. C'est parti. C'est bon ? Oui, non, c'est bon, Marc. Bien, rebonjour. Je suis à nouveau donc au main endoscope, accompagné d'Elisabeth Guilaine, d'Éric, de chez Cousin, qui va nous donner un coup de main, Pascal toujours comme IAD. Donc on va déjà vous passer simplement quelques secondes de la fin de la procédure précédente de l'ampulectomie. Et puis après, je vais vous proposer un cas complètement différent. Alors c'est juste pour vous montrer... Le positionnement de la prothèse, et surtout que, voilà, donc vous voyez un petit peu la prothèse, enfin vous l'apercevez la prothèse, et surtout je constatais qu'il y avait un petit saignement, donc une fois que l'adrénaline avait cessé d'agir, et donc on utilise dans ces cas-là une matrice protidique qui est commercialisée par Fuji, qui s'appelle du Purasta, dont il existe plusieurs ampoules d'un, 3 ou 5 millilitres, qui sont un gel translucide qui est d'emblée reconstitué, il n'y a pas besoin de manipulation. Et vous voyez que contrairement à certains produits, c'est complètement translucide, donc ça permet de continuer à travailler. Ça présente en fait une barrière à l'hémorragie qui s'active donc au pH physiologique de l'organisme et qui fait une barrière mécanique et qui bloque donc au niveau de la structure vasculaire. L'effet perdure à peu près 5 à 7 jours, notamment sur les gens qui sont sous anti-agrégants ou anticoagulants. Ça peut aider. Voilà, on peut arrêter, vous voyez la prothèse, et puis le saignement qui est arrêté avec cette petite matrice translucide, transparente. Diapositive, je vais vous présenter donc maintenant un autre cas qui correspond en fait à la prise en charge d'une tumeur neuroendocrine du pancréas par radiofréquence. Il s'agit, diapositive, d'une jeune femme de 22 ans. Donc le principe, c'est de connaître la technique et les résultats de la radiofréquence pancréatique. Diapositive, c'est une jeune femme de 22 ans qui est suivie, comme sa sœur et sa mère, pour une néoplasie endocrine multiple. Comme vous le savez, c'est une maladie génétique
autosomique dominante qui associe plusieurs anomalies à différents types d'organes. Le plus fréquent, c'est l'hyperparathyroïdie, présente dans 90% des cas, chez elle, qui vient d'être découverte. C'est également l'association à des lésions habituellement hypophysaires ou surrénaliennes, notamment dans l'hypophyse dans 40% des cas, et des hyperplasies surrénaliennes un peu moins fréquentes. Elle n'en a pas pour l'instant. Par contre, elle a des lésions pancréatiques qui sont fréquentes dans 30 à 90% selon les séries. Elle a de nombreuses lésions pancréatiques qui sont des tumeurs neuroendocrines qui sécrètent des produits divers. Et ces tumeurs neuroendocrines sont suivies donc depuis 6 ans. Diapositive. Elle a été opérée en 2015 d'une double énucléation pancréatique en raison de deux lésions qui mesuraient plus de 2 cm, sans atteinte ganglionnaire. C'était des lésions bien différenciées, grade 1. Une sécrétait du polypeptide pancréatique. Malheureusement, ces deux énucléations se sont compliquées d'une fistule avec pancréatite. Malheureusement, il faut savoir que les énucléations de lésions, dans les grandes séries de la littérature, c'est entre 20 et 40%, évidemment dépendante de la proximité de la lésion avec le canal de Virson. Cette pancréatite avec fistule a nécessité une reprise chirurgicale à J8. Les suites ont été simples. Elle a été mise sous traitement par somatuline, dont on sait que dans 50% des cas, ce traitement permet de stabiliser l'évolution de ces lésions. Et on a continué donc à surveiller ces lésions pancréatiques. Elle a au moins 5 lésions échoendoscopiques, 2 qui sont très liquidiennes, que je vous montrerai tout à l'heure, qui sont probablement des lésions résiduelles de l'énucléation. Et il existe d'autres lésions hypoéchogènes arrondies, mais de moins de 10 mm. Celle qui nous préoccupe un peu, c'est une lésion de la queue du pancréas au contact du rein gauche, qui mesurait 6 mm en 2016, 10 mm en 2017 et 15 mm sur le dernier contrôle que je lui ai fait l'année dernière. Diapositive. Elle a eu dans son bilan d'extension de cette lésion 2 TEP scans, un au FDG qui permet de voir si la lésion est hypermétabolique ou pas. Ça n'est pas le cas. Donc c'est bien une tumeur bien différenciée, probablement faiblement agressive, G1 voire G2, mais probablement G1. Elle a eu également un TEP gallium, qui est une scintigraphie extrêmement sensible, qui a découvert de très nombreuses lésions pancréatiques. Et l'intérêt du TEP gallium, c'est de regarder s'il existe des lésions à distance du pancréas. Et chez cette patiente, il n'existait aucune lésion ganglionnaire ni hépatique, uniquement des lésions pancréatiques. En raison de son jeune âge, des complications de la chirurgie et de l'évolutivité de la lésion caudale pancréatique, il a été décidé en staff rénatène de lui proposer une radiofréquence pancréatique. Vous voyez donc sur la photo en bas à droite, la lésion qui est située donc au contact du rein gauche. Voilà, donc là, diapositive, il y en a encore une, je crois, pour montrer le matériel que je vais utiliser. Donc je vais prendre un échoendoscope linéaire, Fuji, gros diamètre, un générateur de radiofréquence, Viva Combo, qui est dédié à la radiofréquence soit biliaire, soit pancréatique, qui est commercialisé par Cousin. Une pompe de lavage. Pourquoi une pompe de lavage? Simplement pour que de l'eau arrive en permanence au niveau de l'extrémité de l'aiguille, qui permet ainsi au traitement d'être efficace et bien localisé au niveau de la zone que l'on veut traiter. Et enfin, à droite, vous voyez donc une aiguille, qui est une aiguille assez grosse, de 19 gauges, mais c'est la plus petite sur le marché. 19 gauche, qui à son extrémité, que vous voyez en bas, présente une zone de traitement qui fait 10 mm de longueur et qui correspond à la zone active qui va délivrer le courant de radiofréquence. Voilà, donc maintenant, on peut revenir sur l'écran de la colonne d'échoendoscopie. Vous voyez donc cette lésion. Alors, j'ai fait un sonoview, c'est-à-dire une injection de microbules qui montrait que cette lésion était hypervascularisée. Si on a le temps, je vous montrerai après le traitement, en espérant que cette hypervascularisation de la tumeur endocrine a été détruite par le courant de radiofréquence. Donc, vous voyez donc cette lésion qui est située donc au niveau de la queue du pancréas. Alors, en l'analysant un peu plus finement, on s'aperçoit que à côté de cette lésion, il y en a une autre. Vous voyez, il y a la lésion principale. On voit bien, je pense, ici, devant vous. Hop.
C'est la lésion. Je vais vous la montrer ici, hein, donc elle est là. Je vais vous geler l'image. Cette lésion, elle commence ici. Hop. Donc elle commence ici. Et elle s'étend à peu près jusqu'ici. Donc là, sur ce plan de coupe, elle fait 13 mm. Je l'avais mesuré aux alentours de 15 mm la dernière fois. Vous voyez cette image? Et jusque lorsqu'on bouge un petit peu notre transducteur d'écho-endoscopie, on s'aperçoit que juste à côté, vous allez voir, il y a une deuxième petite lésion. Hop, ici. Vous voyez ici, qui est juste à côté de la lésion principale. Voilà, donc la lésion principale et la petite lésion juste à côté. Bon, on va essayer déjà de traiter la lésion principale. Donc, on se positionne le plus proche du transducteur et de l'aiguille. Donc, l'aiguille a été positionnée dans le canal opérateur. J'ai sorti donc le mandrin que vous voyez en haut à droite, blanchâtre, que je vais faire bouger avec les recteurs. Vous voyez ? À côté, il y a une structure vasculaire qu'on va essayer de ne pas embrocher. Et on va se positionner donc avec l'aiguille que je vais maintenant faire sortir. Ah, puis c'est tout. Hein. Vous voyez l'aiguille qui sort. Lance. Ouais, je pense normal, là, qui est déjà sortie. Elle est déjà sortie, donc lance. On essaie de se positionner en fait le plus loin possible dans la lésion, parce que la zone de traitement commence à l'extrémité de la sonde. Et vous voyez que l'extrémité, en fait, elle est ici. Et donc, on va traiter sur une dizaine de millimètres environ la lésion. Donc, je pense qu'il faudra faire plusieurs séances. Une séance ici, probablement une séance ici. Et un deuxième tir et un troisième tir probablement dans cette zone. Donc là, une fois qu'on est positionné, donc vous voyez mon extrémité d'aiguille. Allez, on s'en va. Je vais donc ensuite utiliser le courant de radiofréquence. Donc on a fait passer de l'eau à l'extrémité donc de la sonde. Et on va ensuite donc. Allez, il est correct. Lancer la radiofréquence et mesurer l'impédance du tissu. Et lorsqu'on verra des bulles apparaître, ça correspondra à la destruction tissulaire, puisque c'est une haute fréquence qui entraîne une sorte d'élévation thermique à plus de 60 degrés, comme un effet micro-ondes avec présence de bulles. Donc on va commencer à envoyer le courant de radiofréquence. C'est parti. Donc vous voyez commencer à voir quelques bulles apparaître dans la partie basse. Et lorsque ces bulles remontent jusqu'au niveau de la ponction, de l'aiguille de ponction, on peut considérer que le traitement a été fait sur cette partie-là. Tu ne te donnes pas un temps limite, Marc ? Non, il n'y a pas de temps limite, c'est vraiment visuel. Alors il y a deux éléments qui nous aident, c'est l'apparition des bulles. Alors plutôt les bulles qui remontent sur le trajet de l'aiguille, mais également l'impédance qui, lorsqu'elle dépasse, on a ce qu'on appelle un saut d'impédance, puisque le tissu n'a plus la même consistance. Donc dès qu'on a un saut d'impédance important, on arrête l'envoi de la radiofréquence. Je vais essayer de remonter un petit peu mon aiguille, voilà, pour essayer de faire la partie haute. Je vais ensuite refaire un deuxième shoot. C'est parti. Voilà, les bulles apparaissent. C'était des tumeurs hypervascularisées. Et du coup, ce sont des tumeurs très vascularisées. Et donc, on d'abord, par l'hyperthermie, on coagule les vaisseaux et on dénature les protéines. Alors, je vais essayer de repiquer un petit peu plus à gauche. Voilà, je me positionne un petit peu plus à gauche de la lésion. Je vais
refaire un troisième tir. On voit réapparaître les bulles. On voit apparaître les bulles. Là maintenant. Là. On est à la bourre. Et après. C'est fini. Hein. Voilà, donc je pense que on a un assez bon résultat. Alors il reste peut-être encore un tout petit peu parce que la lésion est assez grosse. On recommande en général de faire pas plus de 3. Alors c'est vrai que. On adapte un petit peu en fonction de la taille de la lésion. On fait en général pas plus de 3 shoots de radiofréquence par lésion. Parce je vais que... essayer d'en faire un tout petit peu encore là pour essayer. C'est une procédure assez sécure en fait. Il y a peu de complications. Il y a très très peu de complications. C'est reparti. Donc je fais un dernier shoot, vous voyez, pour essayer d'avoir, voilà, ok. Donc là, je ferai ensuite un sonoview pour voir s'il n'y a plus de lésion résiduelle, plus d'hypervascularisation de cette lésion. Après, les taux de complications sont extrêmement faibles, je vais retirer ensuite l'aiguille. Je voudrais vous montrer un autre aspect, je retire donc l'aiguille de la lésion. Ensuite, on va retirer donc le mandrin. Hop. On va te laisser finir bientôt parce que ouais. Je crois que ça va être l'heure du café pour les si autres. C'est l'heure du café, je voudrais... Est-ce que tu as un dernier message à passer ? Juste vous montrer l'aspect quand même échoendoscopie d'une lésion qui a été... Alors, vous voyez, il y a plein d'autres petites lésions au niveau pancréatique. Juste... Si j'en trouve une facile à vous montrer. Bravo, super. Ouais. Ça, c'est la lésion qu'on a traitée. Ici, on a bien arrêté le fil. Alors. Ouais, c'est bon. Ouais, je vais pas en avoir une sous la main. Ouais, je vais m'amuser avec la dissection. Ouais. Regardez, il y en a une là. C'est pas la plus belle. Mais vous voyez, sur la partie basse, ici... Vous avez une zone complètement ici anéchogène. Je viens de le renvoyer, moi, c'est pour ça. Liquidienne, qui correspond en fait à la, au résidu en fait. Il reste plus rien, il reste que du liquide après l'énucléation qui a été faite. D'accord. Voilà, donc cette lésion, enfin cette patiente a malheureusement plein de lésions, et celle qui a été traitée, c'est celle qui était évolutive. Voilà Isabelle, donc très peu de complications hein, et puis une efficacité dans, dans à peu près 85% des tumeurs neuroendocrines dans les deux séries qui ont été rapportées, celle de Marc Barthet en endoscopie 2019 et une récente des Italiens qui ont rapporté également le traitement de 11 tumeurs neuroendocrines, toutes détruites en une seule séance, en moyenne 2 à 3 tirs, avec une destruction complète entre à 6 mois et à 12 mois. Cool. Voilà, rapidement. La procédure. Elisabeth, et je vais vous présenter donc le cas de cette patiente. On peut peut-être passer les diapos, du coup. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo d'avant ? Donc, il s'agit d'une patiente de 67 ans qui pose le problème d'une gastroparésie. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc en fait, c'est l'histoire débute en 2017 où elle a été prise en charge pour un adénocarcinome du cardia, la CT3N0, pour lequel elle a eu de la chimiothérapie périopératoire, puis une œsophagectomie de type Lewis-Santi. Et comme seule complication post-opératoire, elle avait eu une sténose anastomotique en 2017 qui avait été dilatée. Et puis globalement, donc elle est en rémission, toujours en rémission depuis 2017 de son cancer. La diapo suivante. Et donc, à l'interrogatoire, en fait, on se rend compte que depuis 2018, elle commençait à être un peu plus dyspeptique. Et en fait, c'est vraiment depuis 6 mois où là, il y a une nette aggravation de ses symptômes, avec des régurgitations, des vomissements alimentaires pluricotidiens, et même une perte de poids de 4 kg sur les 3 derniers mois, qui faisait suspecter, du coup, une gastroparésie. Il n'y avait aucun signe de récidive sur les différents scanners, ou les différentes imageries qui avaient été réalisées. Les prokinétiques n'étaient pas très efficaces, c'était vraiment gêné. Et elle avait un score de gastroparésie qui était à 2,3. Globalement, en fait, si au-dessus de 2, on est positif, ça va de 0 à 5. Passer à la diapo suivante.
Donc entre 2018 et puis aujourd'hui, elle a un peu refusé les fibroscopies. Mais finalement, donc, à fin d'année, on lui a fait quand même cette fibroscopie pour essayer de voir s'il n'y avait pas tout simplement aussi une sténose anastomotique. Donc il n'y en avait pas, mais il y avait une stase gastrique très claire avec un aspect de spasme pylorique assez net aussi. Une diapo suivante. Je vous avais les photos ici. Donc l'anastomose à gauche, vous voyez qu'elle est bien propre et elle était suffisamment large. On passe sans ressaut. Je vais vous la montrer juste après. Et puis, donc, l'aspect de ce spasme pylorique que vous avez à droite, que là aussi, vous allez pouvoir revoir de toute façon en live. Diapo suivante. Et donc, voici. Alors, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de scintigraphie de vidange gastrique chez cette patiente parce qu'en fait, elle a tellement de difficultés à manger que l'examen n'était pas interprétable. Qu'on a fait avec pour confirmer cet aspect-là, un TOGD. Vous voyez donc à gauche les premiers clichés lors de l'ingestion du produit de contraste, où effectivement, donc, une stase gastrique, mais qui est assez limitée. Et vous voyez que même après 20 minutes, on a un passage qui est très, 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 très petit vers l'aisance duodénale. On l'aperçoit en bas de l'image. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous, mais on voit surtout que ça stagne franchement dans l'estomac. Et donc, ça a tendance à confirmer cette gastroparésie de manière assez claire. Diapo suivante. Ouais. Donc on propose de faire un poème gastrique chez cette patiente pour la soulager de ses symptômes. Diapo suivante. Les objectifs pédagogiques, en fait, sont de discuter de la prise en charge endoscopique des gastroparésies et puis des modalités du poème gastrique. Donc on va pouvoir passer sur la vision endoscopique. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je me suis mis volontairement dans l'œsophage pour montrer donc l'anastomose ici. Donc c'est l'anastomose de 8 cm, donc elle est large, il y a un petit récessus, mais sans fistule, hein, c'est vraiment une espèce de mini-diverticule. Et on passe sans ressaut, vous voyez, au travers, donc très clairement, et puis de toute façon, au TOGD, on voit que ce n'était pas ça qui posait problème. Et donc, si on descend le long de l'estomac restant, alors là, c'est juste moi qui ai un petit peu frotté tout à l'heure. Vous n'avez pas vu le tout début, mais en fait j'avais encore une stase gastrique, alors que la dame, ça fait 24 heures qu'elle est à jeun. Oui, il en reste encore un petit peu, mais j'ai dû aspirer 200 ou 300 cc de liquide. Et donc on arrive sur la zone pylorique. Vous voyez que le spasme, alors là, vous voyez, en fait, je vais pas vouloir, c'était un peu plus spasmé tout à l'heure, mais je ne vais pas forcer. On est pile sur le pylore, et vous voyez, tout à l'heure, simplement en essayant de passer, j'avais un peu abîmé la muqueuse, donc je veux surtout respecter cette muqueuse qui va être mon secours contre l'éventuelle perforation transmurale. Donc je ne vais pas trop insister sur le passage transduodénal, mais vous pouvez voir quand même que très clairement, vous pouvez me croire, en fait, le passage n'est pas évident, il y a besoin vraiment de forcer sur le pylore pour pouvoir atteindre le bulbe. Donc globalement, toutes les données sont très en faveur de ce spasme pylorique post-traumatique et de cette gastroparésie post-chirurgicale. Donc globalement, les indications de traitement, on sait que les traitements endoscopiques, malheureusement, ne sont pas tous très très efficaces. On peut discuter de la toxine botulique, qui a une efficacité assez modérée, et puis de toute façon, qui ne dure pas dans le temps. Les dilatations ne sont pas très efficaces non plus. Les stents ont tendance pour la plupart à migrer. Et donc c'est pour ça que l'alternative qui est le poème gastrique semble être une alternative assez séduisante. Pour l'instant, il y a quelques études qui sont plutôt positives, avec un taux d'efficacité clinique à la fois clinique et morphologique sur la scintigraphie de vidange gastrique qui est plutôt bonne, de l'ordre de 80%, qui dépend aussi de la cause de la gastroparésie. Mais pour les gastroparésies post-chirurgicales, on a plutôt de bons résultats. Donc c'est vrai que du coup, chez cette patiente-là, on s'est plutôt orienté vers cette stratégie en première intention, pour pouvoir la soulager de ses symptômes qui la gênent vraiment fort au quotidien. Donc pour commencer, en fait, j'ai pris mes mesures pour savoir à peu près où était le pylore. Et puis, je vais me reculer d'environ 5 cm pour faire l'entrée de mon tunnel qui va me permettre d'accéder au pylore par voie sous-muqueuse. Donc on est à peu près ici. L'objectif, c'est de faire le tunnel aux alentours de 5 heures, si on peut. Et puis surtout, vous verrez tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de ressortir régulièrement du tunnel pour être sûr d'être dans la bonne direction. L'estomac, ce n'est pas comme l'œsophage, ce n'est pas tout à fait tout droit. Et donc, on peut facilement s'y perdre. Donc là, j'utilise un endoscope Olympus GIF 1100 de dernière génération, toujours avec la même
colonne tout à l'heure, les vis. Et je vais... Donc, bien sûr, on est muni d'un cap, on fonctionne en CO2. Et donc, je vais commencer par faire mon injection sous muqueuse pour pouvoir réaliser l'entrée de mon tunnel. Voilà. Donc, finalement, pour les GPOM, Marc ou Nico, c'est, ouais, c'est pas en souvent, est-ce qu'on est, on fait des tests à la toxine pour savoir le chance de réussite ou c'est pas du tout prédictif J'ai pas entendu, excuse-moi, Lisa. Est-ce qu'un test à la toxine botulique avant de se lancer? Alors, c'est une bonne question. En fait, la principale difficulté actuellement, c'est qu'on ne sait pas très, très bien sélectionner les patients. Probablement qu'il y a des patients qui vont répondre mieux aux POM gastriques qu'à d'autres. Il y a l'étiologie qui peut jouer, mais après il y a effectivement d'autres choses. Certains papiers proposent de faire de la toxine botulique pour savoir s'il y a une réponse. Comme vous savez, en fait, la gastroparésie, c'est une association du spasme pylorique, mais aussi d'un trouble du péristaltisme gastrique. Et donc c'est vrai que de traiter le spasme pylorique simplement avec le GPOM peut parfois pas être suffisant, puisque en fait, si vous n'avez pas de contraction derrière, ça suffit pas. Donc, effectivement, la sélection avec la toxine botulique, c'est une idée. On va réinjecter un peu encore. L'autre possibilité, il y a d'autres études, notamment les Limougeaux qui ont fait une étude avec l'endoflip, qui est une sorte de manométrie spécifique sur le sphincter, qui va permettre de faire une espèce de volumétrie sphinctérienne de pression. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet en fait d'attester du spasme pylorique et de prédire l'éventuel... réponse à au traitement, puisqu'on peut faire l'endoflip juste après le POM ou à distance. Oui, c'est une technique qui même peut mettre même en. Donc nous, on ne l'a pas à dispo, on ne l'a pas faite chez cette patiente. Mais c'est peut-être une voie, effectivement, d'avenir. Donc là, j'ai utilisé. Mon couteau de dissection qui est le flush knife sort. Donc on utilise un 2 mm parce que notre paroi gastrique est assez épaisse. Ce qui a plusieurs on va faire donc l'entrée de notre tunnel dans un premier temps. Il y a plusieurs épaisseurs de flush knife. Habituellement, on utilise dans l'estomac plutôt 2 mm, dans l'œsophage plutôt 1,5. Après, ça dépend un peu de l'expérience des opérateurs aussi. Oui, en fait, c'est un besoin de. Mais au niveau de l'estomac, en tout cas, c'est souvent. Au niveau de l'estomac, c'est souvent effectivement le 2 mm qu'on utilise pour commencer la dissection. Donc, je crois qu'une des complications, Nicolas, c'est vraiment les problèmes hémorragiques. Effectivement. Qui sont plus importants que dans les poèmes œsophagiens, si j'ai bien... La vasculation gastrique est effectivement un peu plus fournie que dans l'œsophage. Je crois que dans l'œsophage, c'est surtout au niveau du cardiaque ça... Ça peut être un peu embêtant et rentre. Et donc, effectivement, c'est une des complications per-geste, même un peu post-geste aussi, mais surtout per-geste, tu peux réinjecter du Restorvol. Donc, pour votre père, si j'ai bien compris, les fibres musculaires ne prennent pas le bleu, en fait. Quand ça devient blanc, c'est là où il faut s'arrêter. Pour pas aller trop loin. C'est un peu ça, exactement. Donc là, pour l'instant, en fait, je suis en train d'essayer de dégager un peu plus mon ouverture, ça. Pour pouvoir entrer dans le tunnel. Donc effectivement, c'est la partie qui n'est parfois pas si évidente que ça, dans le sens où on n'est pas très ouvert. Donc on va essayer de traiter ces petites fibres sous-muqueuses qui, pour l'instant, retiennent l'entrée du tunnel. Vous voyez, on voit la musculeuse qui est plutôt blanchâtre en bas, là. Et puis donc la partie des fibres sous-muqueuses qui est plutôt colorée en bleu. Que les gens ne savent pas, parce qu'ils ont toujours peur qu'on ait des perforations. En fait, ce qui est le plus important, c'est de ne pas abîmer la muqueuse. C'est fait, ouais. Puisque une fois que l'ensemble sera fermé, même s'il y a eu une perforation à travers la musculeuse, elle sera complètement étanchéifiée par les clips de fermeture que l'on met au niveau de la muqueuse. Donc l'important, c'est vraiment de respecter le plus possible la muqueuse. Donc là, c'est la création du tunnel pour essayer de se glisser dedans pour s'orienter ensuite vers la région pylorique. Mais effectivement, il faut avoir un orifice d'entrée suffisant pour pouvoir
positionner l'endoscope et se glisser sous la muqueuse sans risquer de l'abîmer. Donc, c'est le début de la procédure qui est souvent un peu délicate. Après, la deuxième difficulté, comme disait Nicolas, c'est de s'orienter en fait correctement pour aller vers le pylore. Dans un œsophage, ça descend entre guillemets à peu près tout droit et c'est difficile au niveau du cardia. Alors que là, effectivement, si on ne fait pas très attention, on peut partir très latéralement et pas se diriger vers le pylore. Donc, il ne faut pas hésiter à ressortir régulièrement en cours de création de la dissection et du tunnel pour s'assurer qu'on garde le bon axe vers la région pylorique. Alors, entrée, on va injecter. Et puis après, par contre, c'est la région pylorique par elle-même qui est un petit peu plus compliquée. Habituellement, on prend un peu moins de distance qu'au niveau de l'œsophage où habituellement... On attaque une dizaine de centimètres au-dessus de la région cardiale et on redescend sur quelques centimètres en dessous. Au niveau du pylore, habituellement, 5 centimètres suffisent avant d'arriver vers la région pylorique. Vous voyez Nicolas qui est en train de commencer à voir la structure musculaire. Donc il a détruit un peu ce qui était bleuté, c'est-à-dire la sous-muqueuse qui avait été injectée. Et il essaie de trouver un passage dans cette structure bleutée pour passer son endoscope et continuer donc la dissection. Donc là, il essaie de bien injecter pour épaissir complètement la région sous-muqueuse bleutée pour ensuite pouvoir l'inciser et pour voir glisser donc l'endoscope à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, il est toujours à essayer de créer un orifice suffisant pour pouvoir glisser son endoscope. Ce que je propose, Nicolas, c'est qu'on passe du côté de Manu. Ouais. Et puis, on reviendra éventuellement vers toi un peu en fin de procédure. Ouais. Donc, on va basculer sur la salle soc. Hop là. Manu ouais. Jusque je trouve la entrée. C'est bon, ça. Ouais, les gros vaisseaux. Hop. Donc je pense qu'on est. Est-ce qu'on est avec Emmanuel ? Donc on va prendre. On va prendre la pince, une pince chaude. Bon, ma Manu, à toi. Alors merci beaucoup. On va peut-être envoyer les diapositives, s'il vous plaît, pour que je vous présente le cas. Et donc. Il s'agit en fait, donc c'est pas cette diapositive-là, du cas d'une femme de 76 ans qui a des antécédents de cancer en fait pulmonaire et qui a eu une lobectomie droite il y a 2 ans, enfin presque 3, et puis qui a eu aussi une coloscopie, alors c'était sur des antécédents familiaux, qui a fait découvrir en mars de l'année dernière 2 lésions, une volumineuse lésion manifestement tumorale, très végétante, ulcérée, absolument inaccessible à une résection endoscopique. En fait, on va prendre le flèche. Qui a donc été opéré, qui était au niveau du sécum et qui a fait réaliser une colectomie droite. Et puis une deuxième lésion, qui était une lésion plane de à peu près 30 mm dans le côlon gauche, à 40 cm de la marge anale. Moi, je suis un petit peu plus loin, mais ça dépend des tubes, bien sûr, qu'on utilise. Cette lésion a été laissée en place à la fois parce qu'elle était difficile d'accès, parce que c'était difficile pour le collègue de se positionner. Il y a une diverticulo-sigmoïdienne qui est assez fixée. Et donc, on a discuté plusieurs modalités. Alors, vous voyez déjà le délai. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la crise, le contexte sanitaire actuel, puis cette dame avait été dans le traitement de son premier cancer, donc on est quelques mois après. On avait discuté les possibilités d'une résection pan-pariétale par FTRD, mais c'est déjà difficile de faire la colo chez elle, donc d'embarquer un clip FTRD dans ce contexte-là, ça semble difficile, et donc on a plutôt proposé la patiente pour une dissection sous-muqueuse. Alors, diapositive suivante. Les objectifs, c'est donc d'abord de faire de la caractérisation optique, parce que je crois qu'une des étapes les plus importantes, c'est de voir à quel type de lésion on a affaire et de ne sûrement pas se lancer comme ça sans savoir si c'est une bonne indication ou pas.
de discuter les différentes étapes de la dissection et les différentes modalités de l'hémostase. Et puis avec l'appareil, alors finalement, comme le colon sigmoïde est très difficile à passer, je n'utilise pas le coloscope équipé du GI, mais un gastroscope qui est le seul qui arrive à passer. Donc je suis avec le gastroscope EG760Z, qui est un tube qui est absolument phénoménal au niveau de la caractérisation. Et donc on est en train de monter dans son colon gauche. Il y a pas mal de petits diverticules, effectivement. Et puis on a dû franchir en fait à l'eau. Moi, c'est une technique que j'aime bien, de franchir les charnières un peu difficiles à l'eau, et on essaye de remonter comme ça vers la lésion qu'on voit ici. Alors, je pense qu'elle a fait l'objet quand même d'une tentative de résection parce que on a une cicatrice ici qui est assez importante, et on est ici en lumière blanche. On peut passer, bien sûr, je vais essayer de bien insuffler pour vous la montrer un peu mieux. Alors, c'est une lésion qui n'est pas trop importante en taille et qu'on devrait arriver à passer sans trop de soucis. Voilà, je vrille mon endoscope pour arriver à passer au-delà. Elle n'est pas trop mal située. Je préfère qu'elle soit sur cette face-là que sur l'autre face. Et on va essayer de faire la caractérisation de cette lésion avant la dissection. Je n'aurai évidemment pas le temps de vous montrer toute la dissection, mais pendant que vous serez en train de déjeuner, j'avancerai et j'espère vous montrer la fin au retour de la pause déjeuner. Alors, je redescends un petit peu. Voilà cette lésion, qui est une lésion qu'on peut essayer de mieux définir avec le mode LCI, qui est un mode de détection. Alors bien sûr, l'endoscope n'est pas très maniable. La dissection colique gauche, ce n'est pas plus facile que la dissection colique droite. Hein. Bien au contraire, c'est plutôt un peu plus compliqué. Et on voit certaines zones un peu rouges qui attirent l'œil. Celle qui est en bas à gauche ne m'inquiète pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a des zones un peu plus rouges là-haut et puis il y a des zones un peu plus planes. Alors, on va mettre un petit peu, je vais essayer de bien mettre au point. Donc vous avez en fait la cicatrice en bas, ici une zone qui est une zone adénomateuse en dysplasie de haut grade, je pense, avec des gros vaisseaux, et plus au centre de l'image, là, une zone dépolie avec une disparition du pattern muqueux et vasculaire qui est probablement donc un adénocarcinome au moins intramuqueux dans cette partie-là. On va voir un petit peu le reste de la lésion. Et vasculaire et de la disparition des vaisseaux. Oui, mais probablement A, parce que je pense qu'elle est accessible à une résection endoscopique. Alors la classification Connect, hein, vous savez que Jérémy et surtout Mathieu ont beaucoup bossé dessus, ont fait une évaluation, elle est maintenant validée, développée, la preuve de concept a été largement établie, et c'est vrai que c'est une très bonne classification pour se mettre en tête un peu tout ça. On y reviendra un petit peu. Voilà, on a des zones quand même. Alors, les saignements spontanés comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, ça aussi. C'est un élément de évocateur plutôt de dégénérescence que là, tu ne l'as pas frotté, cette lésion. Si spontanément, tu avais déjà des stigmates de saignement. Je trouve qu'elle est quand même très rétractile pour quelque chose qui n'aurait pas été réséqué. C'est un peu étonnant quand même sur la partie basse. Oui, mais tu vois, bon, je pense que là, il y a eu quand même probablement un coup d'anse. Hein, il y a eu un coup d'anse. Ouais. Et puis ici, on va voir comment elle se décolle. Il y a en tout cas pour moi pas de critère de contre-indication. Encore une fois, cette dame, elle est fragile. Elle a déjà eu un cancer pulmonaire. Elle a déjà eu un cancer colique. Il lui manque le colon droit, et donc c'est vrai que si on peut éviter une colectomie gauche complémentaire, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'on fasse peut-être un petit plan de la table de dissection pour montrer un petit peu le matériel nécessaire. Alors, il y a bien sûr, je vais redescendre parce que là, en fait, la partie caractérisation doit se faire sans cap, mais la partie dissection se fera avec un cap. On a plusieurs petites choses. On a en fait, dans l'ordre, on va utiliser le gel ORISE de Boston, qui est un,
un gel hyper visqueux qui permet de bien soulever la lésion et qui va nous faciliter l'étape de dissection sous-muqueuse. Puis ensuite, je vais utiliser un flush knife de chez Fujifilm qui, peut-être on peut sortir la petite pointe, il est très, très tourné, mais c'est vraiment, je vais mettre une compresse dessous. Ça sort de 1,5 mm. Il y a une petite boule qui permet de bien se mettre dans le sillon sous-muqueux et d'attraper aussi les fibres de la sous-muqueuse ou de coaguler des vaisseaux pendant l'étape de dissection sous-muqueuse. Et puis, vous voyez un cathéter qui permet de faire de l'injection. On va vous montrer tout ça. Et puis, bien sûr, le cap. Et il y a des petits élastiques. Alors, c'est des élastiques, évidemment, d'orthodontie. Il y a deux modèles, en gros, qui sont faciles à utiliser, enfin, que nous, on utilise, en tout cas. Hein, mais il y a les zèbres et les renards. Alors, un zèbre, c'est quand même plus gros qu'un renard. Et dans le côlon, c'est vrai qu'on va voir un petit peu comment on est placé. Je vais plutôt utiliser les renards et on va utiliser la méthode de double traction par clip et élastique qui a été largement diffusée grâce à l'expérience de Mathieu et Jérémy. Et c'est quelque chose qui va, je pense, nous faciliter, j'espère, la dissection. Alors, on va injecter le gel. Il reste encore quelques... Le gel te permet un soulèvement plus long, on va dire. Oui, c'est un soulèvement qui est plus long et puis peut-être une certaine hémostase. Alors, j'utilise moi très peu de sérum adrénaliné parce que, en fait, je trouve pas quelque chose qui apporte forcément grand-chose. Il y a quelques études, notamment asiatiques, qui disent que dans l'estomac, ça pourrait faciliter la résection et la rendre plus rapide. Moi, je crois que surtout, les élastiques, quand on arrive à bien les placer, ils tirent tellement bien le tissu qu'en fait, ça tire les vaisseaux également et ça diminue le risque hémorragique. Alors, on va sortir l'aiguille, s'il vous plaît. Vous voyez, je suis obligé de tourner beaucoup l'endoscope. J'aspirerai ensuite un peu le liquide pour ne pas être trop gêné. Bien sûr, on ne pique jamais au centre d'une lésion néoplasique parce que sinon, on risque d'essaimer des lésions. Vas-y, injecte, s'il te plaît. Il faut toujours commencer par les étapes les plus difficiles. Est-ce que si jamais ça ne soulève pas cette lésion, tu considères que c'est une adhérence et tu continues en essayant d'enlever cette adhérence lors de la dissection, ou est-ce que tu considères que c'est plutôt des signes d'infiltration tumorale et tu aurais plutôt tendance, même si effectivement la patiente n'est pas très engageante, à dire que c'est une lésion infiltrante et à confier au chirurgien? Alors, c'est compliqué. J'avoue que je n'ai pas une expérience de dissection sous-muqueuse colique suffisante pour me lancer dans une lésion comme ça. Si vraiment elle ne se décolle pas du tout, j'avoue que c'est quand même un petit peu inquiétant, donc j'aurais tendance à la confier, moi, à un chirurgien. Voilà. Mais... La dissection colique, ça fait toujours peur par rapport à la dissection gastrique ou même rectale, ou du fait de la finesse de la paroi. Est-ce que les techniques sont identiques? Stop. Ou est-ce que tu as des techniques très différentes en fonction du siège de la lésion? Alors, il y a des techniques qui sont très différentes en fonction du siège de la lésion. Là, je vais essayer de me positionner au-delà. Mais tu vois, Marc, on a effectivement... La partie basse, ouais. Là, elle a du mal à se surélever. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est du carcinome. Alors, est-ce qu'il est sous-muqueux superficiel ou sous-muqueux profond? Ça, c'est difficile à dire. La patiente tousse, donc on va attendre que ça s'arrête parce qu'effectivement, ça ne nous facilite pas les choses. Et puis, il y a cette obstruction aussi des vaisseaux lymphatiques en regard, hein, cet aspect un petit peu en pied de poule, vous voyez, un peu blanchâtre. Ça aussi, c'est un petit signe supplémentaire, même si on le voit aussi sur les gros polypes. Mais c'est au moins de l'adénocarcinome intramuqueux. Moi, je pense que c'est du sous-muqueux superficiel. Et encore une fois... si on n'est pas trop inquiet sur le taux de complication de la dissection, qui était très faible dans la série qui a été rapportée au JFOD en
par Jérémy Albouis il y a 2 ans ou 3 ans, je crois maintenant, en plénière, eh bien, il ne faut pas hésiter à se lancer. Alors, cette partie-là, elle m'intéresse, bien sûr. C'est ça que je veux arriver à bien décoller. Vas-y, injecte. Et... J'essaie de trouver une zone qui est beaucoup plus, entre guillemets, plus simple, plus facile à décoller pour pouvoir éventuellement te glisser... par cette zone ? Je commence toujours par la partie la plus difficile parce qu'on sait que plus on avance dans la dissection, plus c'est compliqué. Vas-y, Anne, si tu peux. Pas dans le bon plan. Voilà, ça y est. On voit, ça décolle bien. Et toujours par la partie la plus difficile parce que, évidemment, on est tenté de commencer par le début de. par le pôle anal de la lésion qui nous tend les bras, mais il vaut mieux. Commencer par la partie distale et puis éventuellement en rétrovision si on peut, mais là j'ai essayé, je ne suis pas arrivé à me placer comme je voulais. Comme Stop. Pour une mucosectomie habituelle. Exactement. Reprends. Et donc on va redescendre. Vous voyez que ce gel Horizon a une bonne tenue et je vais faire la partie distale de la lésion. Je vais redescendre pour installer mon capuchon. Et je vais commencer à mettre les élastiques pour me placer comme il faut. Voilà. Tu n'essaies pas de surélever la partie basse. Celle qui est un peu plus inquiétante, là. Si jamais tu n'arrives pas à la décoller, cette lésion-là, tu penses Je vais me la garder pour tout à l'heure. Je suis assez confiant au niveau de l'axe. On verra tout à l'heure. Je serai peut-être dans une panade pas possible. Mais je suis assez confiant sur la possibilité de travailler cette partie-là, tu vois, parce qu'on est vraiment bien placé. Donc, je vais commencer par la partie distale. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce qu'il en est. On va voir un petit peu l'avancement de Nicolas. Et puis après, on passera la parole à Jérôme Gournay sur les hépatites. On a rebasculé sur notre salle. Oui, pour vous montrer un peu l'état d'avancement du pomme gastrique. Donc, on a commencé le tunnel, là. Vous pouvez passer l'image endoscopique, en fait. Ce sera plus intéressant. On y va de manière très précautionneuse. Si on peut montrer l'image endo, voilà, super. On est dans le tunnel. Vous voyez, en fait, bon, il faut y aller mollo, en fait, dans l'estomac, parce que vous avez des gros troncs vasculaires. Donc, je coagule au fur et à mesure. Dans l'idéal, en fait, on peut essayer de les respecter, mais quand ils sont en plein sur le trajet, ouvre, on peut difficilement faire autrement. Donc là, j'utilise une pince chaude, ferme, avec des réglages donc en soft coag pour aller coaguler ces vaisseaux préventivement et pouvoir passer sans encombre. Ouvre. Ferme. Et pouvoir passer sans encombre, les couper sans encombre et pas avoir de saignement pendant le tunnel. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre et puis de mieux s'y retrouver. Alors, en fait, je vous avais dit que c'était parfois pas facile de s'orienter. Eh bien, vous allez en avoir la preuve, puisque j'étais parti un peu trop sur la droite au départ. Donc, je me suis sorti, je vais vous remontrer le tunnel, je finis de couper ce petit vaisseau. Et en fait, j'ai été un peu facilement embarqué sur la partie haute et droite. Et donc là, je suis en train de rétablir ma position pour aller en direction du pylore. Donc c'est la difficulté, je pense qu'en plus avec les gastroparésies post-chirurgicales, quand on a un montage derrière, on est un peu moins à l'aise que dans un estomac classique. Sors. Donc là, du coup, je me remets en Swift Coag pour aller couper le petit vaisseau. Voilà, hop, comme ça on a le chemin tout tracé. Donc je vais sortir de mon tunnel, je vais vous montrer. Donc là on a avancé un peu dans le tunnel, toc. Donc l'entrée du tunnel elle est là. Et vous voyez assez facilement, j'ai commencé à partir sur la droite, ce qui n'était pas une bonne idée. Puisque en fait, si on regarde un peu où est le pylore, il est plutôt ici en face. Donc il faut que je me réaxe pour être un petit peu plus sur la gauche, tout simplement. Vous voyez. Donc, du coup, je vais reprendre mon tunnel et plutôt continuer d'aller dans cette direction, qui, à mon sens, est la direction qu'il faut maintenir pour atteindre le pylore. Donc, l'objectif, c'est de retrouver la fameuse arche pylorique, la dégager et puis pouvoir couper cette arche pour lever le spasme. Donc,
pas perdre le nord. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est parfois pas évident, ça. Il y a encore des petits troncs vasculaires que je vais essayer de dégager pour pouvoir les coaguler de manière un peu plus sélective. Bon, bah, pendant que Nicolas est perdu, enfin non, il n'est pas perdu, il retrouve son chemin, on va passer la main à Jérôme Gournay pour son topo sur les hépatites auto-immunes. Tu vas me refiler la pince chaude. Chirurgical ou idiopathique. Alors oui, c'est ce que je disais effectivement au départ, très clairement. Enfin, les premières études, en tout cas sur le GPOM, pensent à montrer qu'on a un résultat qui est meilleur dans les gastroparésies idiopathiques ou post-chirurgicales que dans les gastroparésies diabétiques. Probablement parce qu'en fait, dans les gastroparésies diabétiques, vous avez peut-être un peu de spasme, mais surtout en fait une perte de péristaltisme sur lequel le GPOM est peut-être moins... C'était pour vous montrer un petit peu où on en est de la dissection. En fait, j'ai fait quasiment toute la circonférence. Ce qui m'inquiétait un petit peu, cette zone cicatricielle, finalement, on a pu la décoller. Vous voyez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de marge. On est tout de suite sur le muscle, sur les fibres circulaires internes du côlon gauche. On est assez haut quand même. On est à 70 cm de la marge anale. Il me reste juste un tout petit tour de circonférence à faire que je ferai plus tard parce que je veux le faire avec un élastique pour m'aider. Et j'ai mis au fond, alors je suis monté avec 4 renards avec moi, j'ai pris des renards plutôt que des zèbres, et j'ai mis un renard là-haut. Donc vous voyez, il y a un élastique en fait qui attrape une petite portion. Il faut laisser des collerettes bien sûr de muqueuse saine d'abord pour avoir des berges normales autour de la lésion, et puis surtout pour les attraper avec ce clip qu'on accroche à un élastique dentaire, et puis il y a un autre élastique que je ne vais pas vous montrer au risque de le faire sauter, qui attrape la paroi contralatérale. Donc là, j'ai finalement une fourchette qui va tirer sur le morceau de viande que je veux découper dans ce sens-là, et je vais pouvoir utiliser mon couteau de l'autre côté. Mais avant ça, je vais même essayer d'augmenter encore un peu la traction avec cette méthode. Donc je sors un autre élastique qui va attraper l'autre pôle de la lésion. Alors, vous voyez que la petite zone centrale, en fait, on a quand même réussi à la décoller. Et je vais essayer d'attraper... Il y avait un petit axe vasculaire ici. C'est souvent ça qu'il faut essayer d'attraper parce que ça donne un petit peu... Voilà, on a vu passer les vaisseaux. Ça donne un petit peu plus de tissu solide pour s'agripper. Donc, je vais mettre mon clip et mon élastique ici sur la muqueuse saine. Ouvert. Voilà. Fermé. On vérifie qu'on a... Je vois pas très bien... mais qu'on a ce qu'on veut, ouvert, pas sûr d'être parfaitement... Voilà, fermé. Ah, ok, ça c'est bon, vas-y, largue. On va reprendre un autre clip. Et puis j'ai monté un autre élastique que je laisse de côté en réserve si jamais il y avait un élastique supplémentaire qui était nécessaire. Et donc... autant les élastiques passent sans problème dans le canal opérateur d'un colo. Là, comme je suis obligé de monter avec un gastro, puisqu'il y avait un colon sigmoïde diverticulaire et fixé, c'est plus difficile de passer. Et donc, je préfère monter avec les élastiques dans le cap directement et les laisser en réserve. Ouvert. Alors, un peu moins. Fermé. Et toute la difficulté, c'est de trouver le bon degré de tension pour pouvoir tirer la lésion sans risquer de la lâcher. Ouvert. Doucement. Ouais. Alors. Je me permets de faire un petit peu de pub pour ton DU quand même, Manu, parce qu'il va y avoir des modifications là, sur l'année 2021-2022. Alors oui, c'est fermé. C'est effectivement, probablement ouvert. On va s'occuper effectivement fermé de le passer en DU et de se raccrocher à un plus grand nombre de groupes pour le faire vivre et puis s'occuper aussi un peu plus activement
une partie thérapeutique, ouvert doucement. Voilà, fermé. Largué. Voilà, et donc on va pouvoir tirer comme ça, vous voyez la lésion. Et si j'insuffle un peu plus, on va pouvoir se glisser plus facilement dessous. Elle est tenue d'un côté et de l'autre. Et donc, je vais pouvoir continuer plus facilement. Vous voyez qu'on a directement une traction de la lésion et je vais pouvoir me glisser d'autant plus facilement dessous et raser le muscle pour pouvoir réséquer, j'espère sans perforer, cette lésion de façon complète. Voilà, je vous propose de rejoindre Nicolas pour voir où il en est. Je crois qu'il a très bien avancé dans son poème gastrique. Et je vous retrouve tout à l'heure. Ouvert. Ouais. C'est bon. Nicolas, ça va être à toi, je pense. Ok. Attendre qu'on bascule. Eh bien, nous revoilà, les Indiana Jones du poème gastrique à la recherche de l'arche perdue. Mais nous l'avons trouvée. Et en fait, on avait bien fait de rectifier le tir, parce qu'effectivement, en reprenant un peu plus sur la gauche, on est tombé assez rapidement en creusant le tunnel sur l'arche. Donc, vous pouvez mettre l'image endoscopique. Vous pouvez enlever les images. Voilà, ouais. Ce sera mieux. Donc, on la voit plutôt bien. Alors, je l'avais un peu entamée, donc c'est pour ça que c'est un petit peu jaunâtre. Mais globalement, on voit bien cette espèce d'arche au centre de l'écran avec le drapé de la muqueuse bulbo-pylorique qui descend en fait le long de cette arche pylorique. Et donc la deuxième difficulté après la direction du pylore, c'est en fait de pouvoir couper cette arche sans toucher bien sûr à la muqueuse bulbaire qui est notre seul rempart contre la perforation transfixiante et donc contre la péritonite. Donc on va reprendre le flush. Je vais réinjecter la sous-muqueuse bulbaire justement pour se mettre un peu à distance de la muqueuse et pouvoir débuter la section tout simplement de l'arche. Rentre. Vas-y, on voit. Voilà, on va essayer de bien injecter pour être vraiment à distance et voilà, avoir un peu de marge, sort ton. Et de pouvoir commencer la section du muscle. Vous voyez, en fait, on voit très bien la sous-muqueuse qui nous suit un petit peu. On s'en écarte en retirant. Hop là, on s'est fait un peu chasser. On est dans une position qui n'est pas super stable, c'est peut-être pour ça. Et vous voyez que donc, du coup, il va falloir que je coupe tout simplement tout ce sphincter pour rétablir un espace pour la patiente. C'est épais ? Alors, c'est différemment épais suivant les patients. Un peu comme dans la myotomie, dans la myotomie œsophagienne, en fait, dans les poèmes œsophagiens, où on a parfois des achalasies un peu anciennes et donc ils ont eu le temps de bien muscler leur cardia et d'autres qui sont pas si épais que ça entre. On va réinjecter un petit peu. Là tu insistes sur toute la longueur du sphincter, mais quelle largeur tu fais ? Tu fais vraiment une largeur en fait, très courte, la largeur de la coupe, en fait. Hein. La largeur de la coupe, t'es pas obligé de, comme on fait dans les diverticules d'article de Zenker, où parfois on essaie d'être un peu plus large. Là, ça n'a pas d'intérêt. Tu coupes, tu sectionnes. Non, en fait, l'objectif, c'est vraiment de couper le sphincter. Tu n'as pas peur qu'il se referme secondairement Alors, c'est une bonne question, Marc. Écoute, j'ai pas cette expérience-là. Et dans les différentes séries que j'ai pu lire, il n'y avait pas cette hypothèse. Alors peut-être que c'est une des hypothèses pour expliquer qu'il y a quand même un succès clinique, un échec chez 20% des patients. Mais je sais pas. J'avoue que j'ai pas la réponse. Donc, vous voyez, en fait, là, on a bien la sous-muqueuse. On est quasiment transfixion sur le sphincter là. Vous voyez que là, je vais pouvoir réinjecter un peu. Rentre.
pour mettre encore une fois la muqueuse vraiment le plus loin possible pour ne pas l'abîmer. Et pouvoir continuer ma section de sphincter. On en voit qu'il en reste un petit peu en bas, là. Oh, ça. Voilà. Je crois que c'est quand même une très belle technique parce que des résultats à 70% d'amélioration des gastroparésies, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de techniques ou de dispositifs, que ce soit les pacemakers gastriques, les dilatations, les prothèses, etc., qui donnent de tels résultats. Et je trouve que c'est une indication relativement fréquente avec les chirurgies œsophagiennes où il y a souvent des dégâts au niveau du vague. Et je pense qu'il y a des indications assez nombreuses à ce type de technique. Probablement, ouais. Et probablement qu'ils ne sont pas assez référés, en fait. Et les chirurgiens, maintenant qu'on s'est mis à faire ce type de technique-là, sont très demandeurs, pour le coup. Et tant mieux, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai bénéfice pour le patient, quoi. Je me souviens encore d'un de nos premiers patients qu'on avait fait, qui était en réanimation avec sa sonde nasogastrique, qui n'arrêtait pas de donner, il ne pouvait pas se passer de sa sonde nasogastrique, tellement il avait un spasme important. Et du coup... Mais même qu'il y a 24 certains... heures après le poème, c'était réglé. C'est-à-dire qu'il est rentré chez lui et il mangeait. Il y a certains centres même qui le font quasiment centre. De façon préventive. Oui, il y a des centres qui le font. Oui. Alors, au peut-être pas, de la chirurgie, je sais pas préventive, mais en tout cas qu'ils le font de manière un petit peu plus systématique. Assez rapidement. Quoi. Ils n'attendent pas très longtemps que les gens soient très symptomatiques. Chez elles, c'est un peu duré. Alors c'est vrai que bon, c'était pas. C'est pas tout le temps facile de l'interroger, puis elle était un peu réticente aux examens, mais pour autant là, je pense qu'elle avait vraiment tellement de gêne que on va peut-être. Donc, du coup, de toute façon, je suis. On va peut-être te laisser, juste prolonger un peu la myotomie, et puis après la dernière étape, très importante aussi, c'est la fermeture de la du tunnel, de l'entrée du tunnel. C'est pareil, hein, c'est comme pour la muqueuse bulbaire, si c'est notre seul rempart face à la péritonite et à la perfo. Super, mais écoute, bon, on va te laisser et puis on va laisser manger, je pense. Voilà, je pense qu'on repasse la main au salorge et puis on vous souhaite à tous un bon appétit. Merci Isabelle, c'est enjoué. Hein. Donc c'est long tout ça, hein. C'est la dissection colique, là, ce petit carcinome, hein, c'est pas une technique minute, hein, c'est beaucoup de temps opératoire, il faut avoir du temps. Et donc il y a du temps de bloc, du temps d'anesthésiste, hein, c'est long. Et puis les poèmes, que ce soit œsophagien ou gastrique, c'est très minutieux. Et c'est vrai qu'on voit bien que si on bat trop vite, on se tape les perforations, les complications, et à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun bénéfice pour le patient. Est-ce que je reviens donc sur l'hépatite auto-immune? Arnaud, tu voulais dire quelque chose? Alors, pour que tout le monde entende ta question, je vais venir avec le micro et je te rappelle que tu n'as pas le droit de le toucher parce que sinon tu pourrais me contaminer ou contaminer d'autres. Je vais sortir le gène. Non, je n'ai pas le droit de le toucher. Non, si j'ai bien compris, et ça m'a intéressé, c'est que quand tu as des transaminases normales, finalement, tu as une réponse à ton traitement. Et si tu descends le seuil à 18 ou les IgG à 12, tu es en rémission profonde. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir comme objectif la normalisation des transaminases, mais ces seuils que tu viens de nous apprendre. Et est-ce que quand tu obtiens ces seuils, tu n'as plus aucun risque d'évolution fibrosante, de cirrhose et de carcinome? C'est possible ou pas de remontrer? Bah, on passe nickel. Alors, ah, c'est un vrai. Parce que tu parles de rémission profonde. Donc, d'abord, je voulais faire une chose. D'abord, je voulais te remercier et remercier Caroline. Et, je ne sais plus si elle est là. Enfin, mais publiquement, parce que c'est vrai que c'est en discutant avec vous de la façon dont vous preniez en charge les maladies inflammatoires du tube digestif que ma position a un peu évolué. Et puis, je vois bien que dans la littérature, les choses ont changé aussi. Et puis aussi, merci pour m'avoir appris à me servir de limurée, parce que je faisais vraiment n'importe quoi. Mais si tu veux, ce qui est incroyable, c'est que quand on discute avec des hépatologues qui sont isolés dans leur service d'hépatologie et qui n'ont pas les échanges qu'on peut avoir tous les deux, parce qu'on se voit très fréquemment, ils sont beaucoup plus réticents sur toute la prise en charge aujourd'hui complètement conventionnelle des traitements par azathioprine. D'ailleurs, il n'y a pas de, on génotype pas la TPMT, on ne fait pas de cystégène.
Alors, les seuils que je vous ai montrés, les 12 grammes et les pour les IgG et les 18 unités pour les transaminases, c'est pour essayer effectivement d'identifier les patients qui sont en rémission complète, ce que je dis profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun signe histologique d'activité. Et l'objectif était de se dire, est-ce que ce n'est pas chez ces patients-là qu'on peut arrêter les traitements. On sait qu'avec des seuils moins stringents, je vous ai montré le papier du professeur Dufour en 1997, avec des critères moins stringents, on obtient quand même des améliorations histologiques considérables. Donc ces seuils très stringents, c'est vraiment dans l'idée éventuellement d'arrêter les traitements. Je pense qu'on a les seuils sont plus élevés pour le contrôle profond de la maladie permettant d'éviter une évolution. Alors c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que si tu as juste un infiltrat inflammatoire limité à l'espace porte, pas très abondant, avec peu de plasmocytes, ce que voient très bien les histologistes après une biopsie, on sait que ces gens-là, inexorablement, ils s'améliorent, la fibrose se détricote, ils font plus de poussées et leur espérance de vie, en fait, probablement rejoint celle de la population générale. Je pense que l'intérêt de ces seuils très stringents, c'est vraiment pour savoir si on peut éventuellement essayer d'arrêter la biopsie. Mais l'histoire n'est pas finie. Et je pense que la leçon des maladies inflammatoires du tube digestif nous montrera peut-être qu'au fond, il faut quand même y aller et essayer de renforcer les traitements. Mais aujourd'hui, nos traitements, encore une fois, ils ne sont pas très spécifiques. Et les effets indésirables, notamment en termes infectieux, on les redoute encore un peu. Donc c'est ce qui nous arrête un petit peu. Mais je pense que les choses vont évoluer. Et quand on va passer à d'autres molécules, peut-être plus spécifiques, je pensais aux anticorps dirigés contre BAF, par exemple, mais, ou d'autres, on sera peut-être beaucoup plus dans l'esprit de ce que tu dis, c'est-à-dire chercher d'obtenir des vraies rémissions très profondes. Et alors, parce que, bon, moi, j'apprends plein de trucs, hein, il vaut mieux surveiller tes IgG. Est-ce qu'il y a moins de variabilité sur les IgG et donc finalement obtenir un seuil en dessous un seuil normal. Est-ce que c'est mieux que de surveiller les transaminases qui fluctuent en fonction de beaucoup de choses? Ouais. Alors vraiment aujourd'hui là, c'est les deux mon général, c'est que vraiment c'est les critères de rémission, c'est d'avoir les deux normaux. Donc il faut avoir une normalisation des transaminases et une normalisation des IgG. Alors le problème des IgG, c'est la normale, il y a une grande variabilité individuelle. Hein, donc il y a des gens qui à 14 grammes sont normaux, d'autres à 8 grammes sont normaux. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est une baisse très nette et que les gens soient dans le bas de leur valeur. Mais c'est vraiment l'association des deux. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que je reprends pas mal de dossiers de patients qui sont difficiles. Et souvent, il n'y a pas de suivi des immunoglobulines. Et en fait, parfois, on est un peu ennuyé. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une maladie très à la mode qui est en train d'émerger, qui sont les conséquences de la malbouffe, et c'est ce qu'on appelle la stéopathopathie dysmétabolique, les NASH, voilà. Et parfois, bien sûr, les patients qui ont des hépatites auto-immunes, ils ont le droit d'avoir une NASH aussi. Et à ce moment-là, les seuils sont plus difficiles à interpréter parce que ça fait monter les transaminases. Donc il faut se servir vraiment des deux. Parce que là, pour le coup, les NASH, ça ne fait pas remonter les IgG. Hein. Il y a le docteur Cochin qui voulait poser une question, puis après ça, le docteur Guillou, je pense qu'on ira déjeuner. J'ai cru comprendre qu'il y avait une augmentation de l'incidence. Est-ce qu'on a une explication, une étiologie Non, il n'y a pas d'explication. C'est de la même manière qu'il y a une augmentation des maladies inflammatoires du tube digestif. Des facteurs alimentaires sont évidemment invoqués. On a une modification de notre microbiote. C'est possible que ce soit ça qui joue. L'absence d'exposition aux pathogènes, enfin, c'est les mêmes explications que dans toutes les maladies dites immunitaires, en fait. Mais ça a bien été démontré dans les pays d'Europe du Nord, où il y a des registres de l'assurance maladie qui sont extrêmement précis. Peut-être qu'en France, d'ailleurs, un jour, ça arrivera, et donc pour lesquels on peut faire des statistiques, et qui montrent quand même clairement une augmentation de l'incidence au cours des 20 dernières années. Je vais passer la parole au docteur Guillouche. Alors, pas toucher le micro, hein. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que je peux ? Oui. Bon, super. Est-ce que, comme tu me l'as appris, est-ce que tu peux me confirmer que plus, finalement, on vieillit, quand on a des patients qui ont plus de 70 ans, ça va être très difficile d'arrêter le traitement ? Oui, c'est vrai qu'on s'était dit ça ensemble, mais moi, passé 70 ans, j'essaye plus d'arrêter les traitements. Si les gens sont bien équilibrés, qu'ils n'ont pas de toxicité, je laisse. Alors,
Ce qui parfois me calme un peu et me fait envisager les arrêts, c'est quand il y a des petits cancers cutanés qui arrivent. Alors ça, c'est des choses qu'on voit avec l'azathioprine ou d'autres médicaments. Donc là, évidemment, il faut se reposer la question. Ces gens-là peuvent être éventuellement switchés vers des petites doses de corticoïdes, ça c'est possible, ou du budesonide, qui peut être utilisé à long terme à une dose entre 3 et 6 mg. Ça, c'était la première question. Et alors, chez les femmes jeunes qui ont un projet de grossesse, est-ce que, j'en ai deux, qui sont très bien équilibrées, mais qui ne sont pas encore à 3 ans de leur traitement, mais qui me pressent un petit peu, et soit pour arrêter... Et finalement, moi, j'ai plutôt envie de leur laisser le traitement pendant une grossesse pour justement éviter d'avoir une rechute, justement, soit en pendant ou en postpartum. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors moi, je crois que je remercie de cette question. On a fait une petite revue de la littérature qu'on avait montrée dans les pathogastro avec Sarah sur les conséquences de la grossesse sur les maladies auto-immunes du foie. Les conséquences, en fait, la grossesse est un assez bon traitement des maladies auto-immunes d'une manière générale, donc des maladies auto-immunes du foie. Donc, on peut envisager de lever le pied un petit peu en termes d'immunosuppression sans complètement arrêter pendant la grossesse. Et après ça, par contre, il faut absolument reprendre. Parce que le risque, en fait, de la rechute, c'est dans les 3 à 6 mois qui suivent la grossesse. Et puis là, c'est une période d'euphorie. Complètement normal. Hein. Les mères, elles pensent plus du tout à ce qu'elles ont. Elles vont pas faire leur test sanguin. Et là, on peut se retrouver avec des rechutes assez marquées. On a maintenant des milliers de grossesses décrites sous azathioprine sans aucune arrière-pensée, clairement. Donc moi, j'ai tendance à laisser le traitement et surtout à les prévenir. Quand je mets l'azathioprine à une femme jeune, lui dire ce médicament, l'avantage gigantesque, c'est qu'on le connaît très bien et qu'il est compatible avec la grossesse. Donc vous n'avez aucune arrière-pensée. Et plus on les prévient tôt, plus du coup le message est rentré et on a moins de réticence. Alors qu'évidemment, sinon, quand les femmes sont enceintes, elles arrêtent tout. Mais elles arrêtent aussi les traitements antiviraux de l'hépatite B, probablement aussi certains dans les maladies inflammatoires. Donc, et le risque, il est un petit peu pendant la grossesse, mais c'est surtout après, en fait, parce qu'il y a une espèce de restauration immunitaire qui peut être entraînée, une poussée parfois assez marquée. Donc moi, ces femmes-là, je leur dis clairement, bah oui, il faut maintenir l'azathioprine. Et c'est pour ça aussi que ces femmes jeunes en âge de procréer, moi, je me tourne plus vers le Prograf, l'Advagraf d'ailleurs, que le mycophénolate mofétil en cas de problème de tolérance à l'azathioprine, parce que ces médicaments, là aussi, les grossesses sont possibles, alors qu'avec le MMF, le CELCEP, c'est rigoureusement interdit. Voilà. Donc moi, c'est vraiment quelque chose dont je discute d'emblée. En fait, leur objectif, et je crois que c'est très important de passer un contrat avec les patients, leur objectif, c'est... Pour eux, leur objectif, c'est pas que les transaminases soient normales, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils aient une vie le plus normale possible. Donc c'est vrai que dans les consultations initiales, c'est extrêmement important de se projeter avec eux dans ce qui va se passer en leur disant, bah là, on est parti pour être très longtemps ensemble. Vous êtes jeunes, vous allez faire des enfants, c'est super. Bah, sachez que c'est une de nos préoccupations, c'est que vous puissiez le faire et donc de donner des médicaments qui sont compatibles avec la grossesse. Et là, encore une fois, l'azathioprine, quand on va sur le site du CRAT, vraiment, on est franchement rassurés. Il y a des milliers de cas décrits de grossesse et aucune inquiétude particulière. Voilà. Donc moi, je ne les arrête pas pendant la grossesse. Celles qui veulent vraiment faire quelque chose... Donc c'est le dossier d'une patiente âgée de 40 ans qui est adressée pour la prise en charge d'une constipation sévère, diapositive. Cette patiente, les objectifs donc de ce travail, c'est de connaître les indications, la technique et les résultats de la sécostomie percutanée endoscopique. Et on dira quelques mots de la sigmoïdopexie, puisque c'est une technique extrêmement voisine. Diapositive. L'histoire de la dame, c'est l'apparition, malheureusement, d'une maladie de Charcot qui a été diagnostiquée il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est une forme un peu particulière où la manifestation est essentiellement digestive et également orthopédique avec quelques malformations au niveau des pieds. En dehors de ça, elle va parfaitement bien, elle est active, elle fait du vélo, de la course, de la natation, etc. Elle a eu 2 interventions chirurgicales au niveau de ses pieds pour les remettre en position correcte et elle est gênée essentiellement par une constipation sévère depuis une vingtaine d'années puisqu'elle peut rester jusqu'à 4 semaines sans exonération
de matière malgré la prise de Movicol en grande quantité et des irrigations rétrogrades par péristyne de façon quotidienne. Diapositive. Cette patiente a accepté de participer à un protocole multicentrique prospectif qu'on a instauré sur Nantes, qui était multicentrique d'ailleurs, où on a décidé de comparer de façon randomisée un traitement médical optimisé avec toutes les possibilités médicamenteuses pour améliorer le transit à la mise en place d'une sécostomie percutanée endoscopique. Donc les gens, pour être inclus, devaient avoir un transit au Pellet prouvant une constipation sévère, une coloscopie récente et une manométrie afin d'éliminer une pathologie type Hirschsprung. Ensuite, il y avait un tirage au sort 50-50 entre traitement médical ou sécostomie. Puis ensuite, pour chaque personne, un suivi médical à M1, M3, M6, M9 et M12 avec des questionnaires nombreux pour évaluer la qualité de vie, mais également la constipation, la diarrhée ou des anomalies neurologiques. Cette patiente, lors du tirage au sort, a été traitée traitement médical optimisé, qui n'a pas entraîné d'amélioration notable. Et elle a accepté, au bout d'un an, en fait, d'avoir le dispositif de sécostomie percutanée. Et on va suivre cette patiente encore pendant un an pour juger le bilan avant-après, pour savoir s'il y a une amélioration notable ou pas. Diapositive. Alors, plutôt que vous montrer les diapositives elles-mêmes, je vais vous montrer la table qu'on va utiliser pour les dispositifs. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, il y a d'abord l'éclairage de la paroi abdominale, c'est-à-dire que mon collègue a fait le plus gros du travail, puisque Nicolas a monté donc la coloscopie. Souvent, les préparations sont un peu difficiles du fait de la longueur de leur colon. Donc, une fois qu'on est arrivé au bout du colon, on doit avoir une transillumination importante. Les contre-indications de ce geste sont d'ailleurs l'obésité, l'ascite, les carcinoses, mais également les dialyses péritonéales, les grossesses, enfin, tout ce qui peut gêner en fait la transillumination. Évidemment également les troubles de coagulation. Lorsque la transillumination est bonne, on va réaliser donc une anesthésie locale après avoir désinfecté la peau, une anesthésie locale, une ponction. Puis ensuite, pour déterminer l'endroit où sera positionné le dispositif de façon persistante, et ensuite, on mettra des petites ancres, trois ancres, en périphérie de ce dispositif qui vont permettre de solidariser le colon à la paroi abdominale. Ensuite, on dilatera le trajet et on mettra le dispositif que vous pouvez voir ici. Donc, vous voyez ici, ce sont les ancres qui vont être positionnées. Remets, si tu peux, le champ. Et donc, là, ce sont les ancres qui vont être positionnées. Vous voyez, trois petites ancres. Ensuite, une fois que les ancres sont positionnées et que la ponction a été faite, on passe des dilatateurs de 6, 8 et 10 French. Une fois que ces dilatations sont faites sur le fil guide du milieu, on met en place ensuite le petit dispositif à type de queue de cochon qu'on appelle le dispositif de Chet, qui fait 10 French, qui est en polyuréthane et que l'on, évidemment, pour le mettre en place, qu'on va dérouler, qu'on va ensuite mettre sur le fil guide et ensuite on retirera le fil guide et dans le colon, il prendra donc la forme de la queue de cochon à l'intérieur donc de la lumière colique. Voilà, donc la désinfection cutanée a été faite. Ensuite, on va faire une petite anesthésie locale à la ropivacaïne. Donc, on repère, vous voyez ici, on voit l'empreinte de mon doigt. Attends, on peut peut-être faire voilà. Une image double. Image endoscopique. À la fois endoscopie et puis caméra. Celle-là sur l'abdomen. Vous voyez, donc là, quand on appuie. Ouais, on voit. Ouais. Donc je rassure les gens. En fait, moi, j'ai fait la colo, Marc, mais tu sais, les monter, les colos. Hein, je te rassure, j'essaie encore. Bon. Donc, juste parce que Marc devait se mettre... Voilà, parfait. Donc, vous voyez, donc j'appuie à l'endroit de la transillumination et on voit l'empreinte apparaître au niveau de la lumière intestinale. Donc, on fait une anesthésie locale à la ropivacaïne.
Ensuite, une fois que cette anesthésie est faite, on fait, on va vérifier au niveau de la position, ça sort correctement. Vous devez voir l'aiguille sortir. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va inciser légèrement avec le bistouri au niveau donc de l'endroit où on a fait la ponction. Pour aider ensuite au passage des bougies de dilatation. Ensuite, on prend un cathlon. On prend le même trajet jusqu'à ce qu'on ressorte complètement. Ensuite, on enlève le mandrin interne. Ensuite, on positionne un fil guide. Un fil guide 0,35 en place, Boston, qui permet de rester ensuite en place, donc de façon à indiquer l'endroit où sera positionné le dispositif. Une fois qu'on a la position, on laisse donc le fil guide en place, on n'y touche plus. C'est là-dessus qu'on fera la dilatation. Afin de solidariser la paroi, on va positionner trois petites ancres autour, donc juste à côté. Donc là, Nicolas garde une bonne insufflation au niveau du côlon. Voilà. Ensuite, on va libérer l'ancre avec un petit fil guide qui permet de faire tomber donc l'extrémité de l'ancre. Voilà. Il libère en fait l'ancre complètement. Ah, je te remercie. Ensuite, une fois qu'on a mis la première ancre, on va pouvoir la tendre un petit peu. Alors, attention. Là. Je vais tendre un petit peu l'ancre. Voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre l'applicateur sur l'extrémité cutanée. Hop. Voilà. Alors, une partie toujours un petit peu délicate parce qu'il ne faut pas tracter de trop sur l'encre parce que ça peut expliquer une partie des douleurs. Donc ensuite, je vais mettre une deuxième encre. On va mettre donc trois encres tout autour du dispositif. Donc selon les mêmes modalités, on enlève le mandrin. On prend le fil guide qui repousse l'extrémité de l'ancre. On récupère le mandrin. On tire sur le fil. Hop, pour tendre le deuxième, je retire le fil guide. Je remets l'application sur la petite ancre. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas tendre de trop. On a toujours peur et donc on a toujours tendance à tirer un petit peu fort. Troisième et dernière ancre. Voilà, donc toujours la même procédure. On est dans le second. Hop, ensuite, mon figuier, donc il ne faut pas aller trop vite. Voilà. La troisième ancre est posée. Je retire le fil guide. Je garde bien sûr mon fil guide qui avait été positionné initialement. Je resserre la troisième ancre. Hop.
Donc tu les mets en triangle, en fait, hein, c'est ça ? Oui, je pense pas que c'est une importance d'accord. très grande. Mais habituellement, on les met comme ça. On en mettait 4 avant. On en met 3 maintenant. Je pense pas que c'est une grosse importance. Voilà, donc les 3 angles sont positionnés. Donc les 2 parois sont solidarisées. Maintenant, on va prendre les bougies de dilatation de 6, 8 et 10 French qu'on va passer donc sur le fil guide un peu rigide qui a été mis en place. On maintient donc en dilatant les ancres et on va pousser le dilatateur sur le fil en place. On passe ainsi. Les 3 dilatateurs. En voilà un. Alors il faut savoir que ces irrigations, il y a eu des études qui ont été faites, notamment une méta-analyse qui date de 2016, qui montre que les irrigations par elles-mêmes sont efficaces chez les 3/4 des patients. Alors les 3/4 des patients, que ce soit des constipés sévères, des incontinents, que ce soit une incontinence neurogène ou des incontinences par résection rectale. Donc là, j'ai passé la deuxième bougie de dilatation. Donc le protocole Consticap, Marc, il est toujours actif, hein ? En fait, il est terminé au niveau des inclusions, mais il nous reste encore le suivi des patients inclus. On les suit pendant 1 an. Et comme on a proposé à ceux qui étaient traités, enfin, traitement médical, d'avoir le dispositif, ça nous oblige à poursuivre pendant 1 an supplémentaire. Donc vous voyez, la dernière dilatation est un petit peu plus difficile, c'est normal. On est sur du 10 French. Par contre, je reçois malheureusement beaucoup de questions avec des photos un peu inquiétantes sur des gens qui font des sécostomies avec des sondes de gastrostomie. Et c'est un peu un problème parce qu'ils utilisent des sondes qui font entre 16 et 20 French. Donc après, on a des trous extrêmement importants. Alors que là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement fin. Donc là, je monte donc ensuite le petit appareil de Chet, donc la sonde, qu'on va mettre sur le petit fil guide qu'on a préalablement, donc la zone qui a été probablement préalablement dilatée. Hop. Alors, là c'est fin. Hop. Et ça, on va le laisser tant que ça marche, finalement, définitivement. Le dispositif, oui. Alors, le dispositif, il va rester d'abord en place pendant 15 jours sans être utilisé. Pour faire la symphyse, c'est pour ça, que la Marc, symphyse en fait, ouais. soit complète. Donc, vous voyez, je descends. Donc je vais maintenir une dernière fois les ancres pour passer donc la sonde de façon complète jusqu'à la garde. Et ensuite on enlève le mandrin à l'intérieur et vous allez voir la queue de cochon se former. Alors je rassure les gens, hein, c'est pas les manipulations de Marc qui ont abîmé la muqueuse. En fait, c'est qu'on a cette dame-là étant incluse dans le protocole Consticap. En fait, on a fait des biopsies dans le côlon droit dans le cadre de ce protocole-là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on essaie d'analyser par des biopsies qu'on fait ensuite ex vivo, qui sont analysées pour qu'on regarde la perméabilité intestinale, mais également s'il y a des anomalies au niveau des plexus sous-muqueux, afin de déterminer quels sont les patients qui répondraient de façon plus importante aux irrigations intestinales. Voilà, donc je retire, vous voyez, le dispositif, donc c'est complètement ouvert. Alors, ce qu'on essaie en général, c'est de tester la perméabilité du petit dispositif en adaptant, en fait, ce qui sera ultérieurement utilisé pour brancher des petites bouteilles, en fait, d'irrigation. Habituellement, les gens utilisent ce dispositif de façon quotidienne, en passant 1 litre tous les jours. Et donc là, on vérifie simplement que c'est perméable.
une fois qu'on a la confirmation, tu peux me donner le petit dispositif, ouais. Une fois qu'on a la confirmation, on n'y touche pas pendant 15 jours. La personne revient dans 15 jours, on enlève les petites encres en coupant les fils, c'est éliminé par les voies naturelles. Et ensuite, vous voyez, on met, je ne sais pas si vous voyez, c'est bien. Si, si, on devrait. Donc on met l'adaptateur sur le petit dispositif. Ensuite, on passe de l'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de plicature sur le dispositif. Et vous voyez, hop, on flush. Hop, voilà. Et on voit du liquide arriver dans la lumière intestinale qui prouve la perméabilité du matériel. Une fois que c'est fait, on l'enlève, on le referme. Et pour le sigmoïde, c'est le même matériel. Alors, oui, très bonne question, Isa. On est en train de monter une étude avec Saint-Antoine. On en a fait 16. C'est dans un but de volvulus du sigmoïde récidivant, contre-indiqué chirurgical, parce que le traitement classique du volvulus, c'est la sigmoïdectomie. Et donc, en cas de contre-indication chirurgicale, devant la récidive de volvulus, on propose de faire le même dispositif, sauf qu'évidemment, on ne le met pas dans le sécum, on utilise le tube de Fauchet, on détore donc, le volvulus. Ensuite, que ce soit sans anesthésie ou sous anesthésie, on fait la même procédure en positionnant le dispositif d'irrigation et les encres à environ 50 cm de la marge anale, ce qui permet à la fois de symphyser, si vous voulez, le sigmoïde et également la paroi abdominale, ce qui permet d'éviter la rotation, mais surtout, en cas de distension colique, qui permet simplement d'ouvrir le petit dispositif, d'appuyer sur le ventre et de vider donc, l'air contenu dans le sigmoïde, ce qui permet bien souvent d'éviter des hospitalisations à répétition pour ces patients et de les laisser le plus possible dans leur service d'hébergement. Voilà, grosso modo, donc, en pratique, c'est efficace quand même ces irrigations chez 65-70% des constipés sévères, 80% des incontinents environ, avec vraiment une assez bonne tolérance. Le seul problème notable, c'est des douleurs qui surviennent chez 20% des patients qui nécessitent le retrait du dispositif. Par contre, c'est un dispositif qui est posé transitoirement, il suffit de tirer dessus et il s'en va. Et tous les ans, on change ce dispositif sans anesthésie, on remet un autre en place en utilisant la même voie en externe. Bon, ben merci. Voilà. On va voir Manu de l'autre côté. Voilà, merci. Merci Marc, merci beaucoup. T'en prie. Je vais couper un petit peu ça. Ouais. Et je viens. J'ai juste vérifié. Donc on se retrouve avec Manu. Oui, mes oncles. Rebonjour, bon après-midi. Je pense que ça m'a l'air les Québécois nous ont rejoints en ce début d'après-midi. Si c'est le cas, on passe un petit bonjour spécial à Mireille Caron qui avait passé un an avec nous. Et puis, je voudrais vous montrer donc la fin de la dissection, la si vous voulez bien. Alors, on va passer les diapositives. Ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est une aide considérablement de poser les élastiques. Non, c'est vrai, c'est gentil. Et donc vous avez la vue un peu macro ici, un peu de loin. Et puis on va se rapprocher. On va lancer le film. En fait, j'ai enlevé la pièce, bien sûr, avec les. C'est très pratique en plus avec les clips. C'est un bon cas parce qu'on avait une belle transillumination. De décrocher le clip de la muqueuse et de tirer la pièce avec. C'est et voilà, je remonte la colo après avoir enlevé le cap pour bien vérifier la cicatrice. Vous voyez les diverticules, hein, ça n'a pas été très simple, effectivement. Le FTRD est vraiment exclu chez cette patiente. Et puis, on remonte la colo et on arrive sur la zone cicatricielle. Ça a saigné un petit peu au centre de la lésion, la partie qui était difficile à décoller a effectivement saigné un petit peu. Et puis, il n'y avait pas de brèche musculaire, pas de signe de perforation, un ventre souple et plat à la fin du geste. J'ai néanmoins quand même décidé d'appliquer du Purastat et on va en parler un petit peu. C'est cette nouvelle solution, je sais que Marc vous en a déjà parlé, qui a à la fois un intérêt en prophylaxie de l'hémorragie retardée. Ouais. On voit que sur la berge droite de la dissection, il y a une tendance à un petit suintement hémorragique. Donc
Voilà, je me suis peut-être un peu rassuré par excès avec ça, mais il semblerait que ce soit quand même très intéressant. Mathieu Pioche l'avait évalué, et je crois que ça a été le premier à publier dans EIO, ça doit être en 2016 si ma mémoire est bonne, l'intérêt de ce gel qui s'assemble et forme des feuillets bêta à partir d'acides aminés qui, à la fois, donc, limite le risque hémorragique et, en plus, aurait des propriétés de réparation, en fait, de réparation tissulaire. Donc, c'est quelque chose que beaucoup d'équipes utilisent de plus en plus. Il y a même des papiers où l'injection dans la sous-muqueuse se fait avec du Purastat, ce qui pourrait un peu aider. Alors, j'ai pas très bien réussi là parce qu'il y avait les mouvements, les artefacts de mouvement. Normalement, il faut appliquer ça vraiment comme un glacis. Pour ceux qui connaissent le gâteau nantais, il faut vraiment un nappage bien régulier. Alors que là, ça ressemble un peu à la poche à douille de pâtisserie un peu plus grossière, si je puis dire. Mais voilà, on essaye d'appliquer en tout cas de façon assez diffuse et de recouvrir la totalité de la surface avec ce gel qui a l'immense avantage de rester transparent, d'offrir une bonne vision. Et donc, si on l'utilise non pas en fin, mais en milieu de geste, eh bien, on peut continuer son geste sans être gêné par la vision. Alors, on va enchaîner avec les diapos. Voilà, la patiente est sortie, va bien. J'en profite pour faire un petit coup de pub au curriculum de la SFED qui s'est monté sous l'impulsion du CA de la SFED avec une première session qui aura lieu à Limoges au mois de juin avec des places qui sont réservées aux jeunes couteaux, aux jeunes talents qui veulent se lancer dans la dissection. Diapositive suivante. Et puis, c'était simplement pour revenir sur le départ, comment optimiser l'hémostase. Alors, en cours de geste, moi, j'utilise beaucoup simplement le couteau de dissection et le cap. S'il y a besoin, j'utilise un peu la coa grasper. Ici, on a dû l'utiliser une fois pour une zone qui saignait plus au milieu. Et puis, j'ai assez peu recours au sérum adrénaliné que je ne trouve pas toujours très efficace. Mais il y a une série qui est montrée ici, qui est une série asiatique, qui montre que ça diminue le temps opératoire en facilitant la vision. Et puis le Purastat, diapo suivante, c'est pour expliquer que ce peptide qui s'assemble est quand même de mieux en mieux évalué avec de nombreuses équipes qui l'utilisent, y compris une évaluation dans des études randomisées contrôlées. Donc on aura des données intéressantes. Alors, il me reste peut-être quelques minutes pour lancer le cas suivant et puis je le partagerai avec vous après parce que je crois qu'il y a quand même il ne faut pas prendre la place des topos. Est-ce qu'on peut faire un plan sur la table, s'il vous plaît, d'examen? Et pendant ce temps-là, on va lancer les diapos. C'est une dame de 56 ans qui a des polypes du côlon. Diapositive suivante. C'est un cas assez simple, en fait. Elle a simplement une hypothyroïdie qui est supplémentée. Dans le cadre d'antécédents familiaux, elle a eu une coloscopie fin 2020. Avec des grosses lésions en fait, du côlon gauche, assez planes, dont l'une située derrière un pli, et donc elle nous est adressée pour tenter la résection. On va faire un petit plan sur la table, Olivier, si tu veux bien. Je remercie toute l'équipe d'Olivier Madard à la régie qui fait un boulot super. Et on va montrer donc cet endoscope qui est le GI. C'est un endoscope Fuji qui est muni en fait d'un ballon à son extrémité. C'est un ballon qui est incorporé dans la gaine. Et je ne sais pas si on le voit bien. Il peut faire entre 5 et 6 cm de grand axe. Et en fait, la pression, bien sûr, s'adapte à la pression du côlon qu'il rencontre. Donc, s'il y a trop de pression, si on est dans une sténose, par exemple, automatiquement, il va se dégonfler. Donc, l'intérêt de ce ballon, il est au moins double. A priori, ça permet de déplisser les plis du côlon au retrait de l'endoscope. Et il y a une étude randomisée contrôlée publiée l'année dernière dans GIE. 11 centres, 1000 patients randomisés, 400 dans 4 groupes analysables, 48% de TDA dans le groupe GI et 37% dans le groupe colo standard. Donc
30% d'augmentation du TDA avec cette technique. Ça semble tout à fait intéressant sur, encore une fois, une étude randomisée contrôlée. Et puis l'autre intérêt est peut-être de faciliter la résection en se stabilisant dans certains segments du côlon et en évitant d'être chassé, donc de pouvoir se positionner un petit peu. On va vérifier ça tranquillement. Et puis simplement dans le matériel qu'on a prévu, il y a bien sûr une aiguille d'injection avec du sérum et un peu de bleu, mais je n'utilise pas d'adrénaline systématiquement. Et puis des pièges à polypes, on a retenu ce modèle de Life Partners qu'on trouve très pratique. Voilà, mais ensuite il y en a plein, il y a des choses très bien. Et puis ils sont probablement assez gros, donc je ne suis pas sûr qu'ils passent dans le piège à polype, mais on en trouvera peut-être d'autres petits. Et on va utiliser une anse Olympus 20 mm qui est vraiment notre anse de prédilection pour enlever les polypes. Alors on va lancer l'examen. J'espère que la préparation est correcte. C'est une dame qui est assez sérieuse. Est-ce qu'on peut monter la table, s'il vous plaît? Et alors, ce coloscope est intéressant parce que, outre le GI, il est muni, et j'espère avoir le temps de vous montrer ça, de systèmes d'intelligence artificielle, à la fois de détection, mais aussi de caractérisation. C'est vraiment la grosse avancée en IA que Fujifilm a pour l'instant sur ses concurrents. Et donc, par exemple, là, il y a un petit polype. Bon, ça me semble évident qu'effectivement, c'est un petit hyperplasique. Si j'allume le système, immédiatement, vous voyez qu'il le reconnaît. Si je passe en LCI, il le confirme. Et si je passe en mode BLI, on s'approche et il met, voilà, c'est un hyperplasique. Okay ? Donc, je pense que tout le monde l'avait vu, mais c'est quand même une démonstration... c'était pas programmé, je découvre la patiente en même temps que vous, mais vous voyez la réactivité du système qui est immédiate. Et puis, outre ces caractéristiques-là, il a effectivement un petit niveau de zoom qui, combiné au NBI, peut permettre d'analyser un petit peu mieux les structures. Donc, je vais essayer de retrouver mes polypes, et puis je ne sais pas où Jérôme en est avec la modération de la salle. Mais ce que je propose, c'est de commencer à travailler et de vous retrouver tout à l'heure pour vous donner le résultat. Ou alors vous restez avec moi, c'est comme vous le souhaitez. Avant de passer au cas que je vais vous montrer, je voudrais revenir sur la colo qu'on vient de terminer et demander à l'équipe technique de passer donc le reste de la procédure colo avec le GI. Il y a deux photos. Alors moi, c'est pas mon premier live, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Ce que je redoutais est arrivé. Donc là, c'est ces grosses lésions, ces gros polypes coliques étaient en fait des lésions festonnées, sessiles tout à fait classiques, de 30-40 mm de grand axe. On a pu les réséquer en entier, mais sur la troisième qui est la plus proche de nous, je vais vous passer le film, il est arrivé ça, diapo suivante, une belle petite perforation, vous voyez en bas à droite, avec le muscle qui est bien visible de chaque côté et un signe de la cible. Et la muqueuse et la sous-muqueuse. On a vraiment une petite coupe histologique de la paroi. Alors, on va lancer le film pour essayer d'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Évidemment, les lésions sont détectées et on peut accélérer le film, je pense, parce que sont tout à fait faciles à détecter. C'est des lésions planes en coloration virtuelle, elles apparaissent comme des lésions hyperplasiques. Alors, c'est important de très bien injecter. Vous voyez, sur la première, j'ai vraiment fait gaffe. J'ai utilisé une méthode qui est très utilisée par les Lyonnais et l'équipe de Limoges, qui est le fait de pouvoir ancrer une petite zone. Alors, ça n'a pas marché sur le premier coup, mais c'est le fait de, après avoir fait une bonne injection, pousser la pointe de lance dans la muqueuse en mode endocoupe. Et ça permet, vous voyez, doucement, on peut peut-être revenir doucement là-dessus, ça permet de bien placer lance sans glisser et d'attraper un maximum de tissu et de pouvoir comme ça faire une résection pas à pas.
Et c'est quelque chose, quand on a bien injecté, qui ne pose pas de problème. Et moi, que j'apprends aux internes et aux assistants du service, qui est une technique très pratique pour pouvoir avoir des lésions en monobloc quand elles sont un peu justes ou pouvoir avoir de grands fragments. Alors, on va accélérer la résection. On va aller plutôt sur la fin. Première lésion, aucun souci. Y en a une deuxième qui s'est bien passée également. Hop, doucement. Ouais. Alors, et puis... Alors, petit truc et astuce, c'est de ne pas hésiter à changer d'anse pour pouvoir capturer des petits résidus. Donc, moi, j'ai utilisé soit des anses de 10, soit des anses de 20. Et puis, si vraiment on ne peut pas faire autrement, eh bien, on brûle les résidus. Mais celui-là, par exemple, on a réussi à le capturer. On va accélérer un petit peu le film en faisant bien attention. Ah, doucement, ouais, voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur dans la salle avant le sympo de Pierre-Louis vogue avec un crâne, mais on va accélérer un petit peu la bande. Voilà, et on arrive petit à petit, doucement, voilà, à bien se positionner, même sur ces petits résidus, en étant bien précautionneux, avec des petites anses, on arrive à les capturer. Il faut faire très attention à attraper le petit débord muqueux. Voilà, et là, on l'a en entier. C'est ça qu'il faut continuer à faire et être sûr qu'on ne laisse rien. Alors, accélération du film, s'il vous plaît. Et puis, on va aller sur la dernière lésion où j'ai réutilisé cette technique que j'aime bien de bonne injection et de planter de bâton, comme dit Marc Lerin, avec la pointe de lance. Sauf que ça s'est un petit peu moins bien passé. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, mais comme quoi c'est possible. On va accélérer encore. Et... on va voir le... Ouais, on peut accélérer un petit peu. Encore un petit peu. Au début, ça s'est bien passé sur le bord gauche de la lésion. On va accélérer. Encore. Encore, encore. Ouais. Toute la résection. Voilà. Douce. Ouais, allez-y. Voilà, c'est là. Là, ça allait. On va accélérer un petit peu. Encore, voilà. Encore un peu. Voilà. Et là, je plante l'anse devant, je la retourne et j'ai l'impression, effectivement, d'attraper un fragment qui est suffisamment volumineux pour pouvoir avancer rapidement. C'est de la lésion festonnée. Hein. On voit les petits points noirs qui sont tout à fait... typique, mais effectivement, j'ai peut-être pas suffisamment regardé où se logeait la pointe de lance, enfin pas la pointe qui est devant nous, mais le bout de lance derrière. Et là, effectivement, au contrôle direct. Alors bon, le but d'un live, c'est d'être évidemment transparent hein, et de montrer effectivement ça. Alors ceci dit, je rappelle les critères de gestion médico-endoscopique des perforations. On n'est pas obligé de les faire opérer si on est arrivé à fermer endoscopiquement, si c'est des petites perforations, enfin on dit moins de 2 cm, même avec les OVSCO on peut aller un peu plus loin, et puis que la préparation est bonne, un Boston supérieur à 6, et qu'il n'y a pas de gros facteurs de risque. Donc cette patiente-là, on a mis des clips, on va accélérer un peu la procédure. J'ai mis un premier clip, stop, doucement, ouais. J'ai mis un premier clip et puis je n'ai pas mis les autres tout de suite parce que vous voyez à gauche, il restait un petit résidu. Donc j'ai voulu continuer et on a continué la résection en capturant ce petit résidu-là parce que sinon, si on pose tous les clips, on va laisser du tissu résiduel. On va accélérer pour montrer la pose finale des clips. Mais on a réussi donc à finir la capture de ce petit résidu-là. On va accélérer encore, je pense. Voilà, pour montrer juste l'image de fin. Je suis désolé du caractère peut-être un peu brutal de cette fin de présentation, mais c'est important doucement ouais, de montrer que il faut s'attacher à bien attraper les deux berges et poser autant de clips que nécessaire. Voilà, donc je considère que la clip perforation est fermée totalement. La patiente est bien sûr sous antibiotique, donc c'est soit augmentin, soit C3G métrodinazole. Et puis, on va la surveiller, bien sûr, jusqu'à demain. Mais si l'abdomen est souple, que sa NUM CRP sont normales, eh bien, elle sortira du service avec une petite... Basculer l'image
avec une voilà, on va le fait d'être prévenu si besoin. Alors je fais un peu de pub parce que du coup moi j'ai été gâtée parce que Manu m'a donné un truc incroyable, c'est un espèce de petit mémo justement un peu sur toutes les ces lésions avec vous avez les algorithmes dont il parlait. Donc ça c'est cadeau pour moi, mais ça peut être cadeau aussi pour vous. C'est le guide de la tumorectomie endoscopique qui avait été fait par Gabriel Ramy, moi-même et tout un groupe d'auteurs. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un handbook sur le modèle un peu de l'abécédaire de la SFED et qui est disponible bien sûr auprès de la SFED ou auprès de Fujifilm parce qu'on avait fait ça avec eux. Alors on va enchaîner avec le diaporama suivant, s'il vous plaît, et le cas suivant. C'est une histoire tout à fait typique d'un patient de 60 ans qui a un surpoids, qui a un RGO ancien, qui a un endobrachiosophage connu et très bien surveillé depuis 1995. Et sur le dernier contrôle, il y a eu une zone nodulaire et un peu déprimée qui a été biopsiée, qui correspond à un foyer adénocarcinomateux. Il a eu une écho-endo qui le classe UST1N0. Et il nous est donc adressé pour une résection endoscopique, soit par mucosectomie, soit par dissection sous-muqueuse. Il est bien sûr inclus dans l'étude nationale de la SFED auquel participe le GRAF activement, qui est l'étude œsophare, dans laquelle on inclut toutes les mucosectomies et toutes les dissections œsophagiennes. Et on suit les patients pendant 5 ans pour voir ce qu'ils deviennent au plan oncologique. Et on leur donne des questionnaires de qualité de vie pour évaluer, après les résections, leur qualité de vie. Alors, on va peut-être basculer sur l'image endoscopique, si vous voulez bien. Je suis avec donc cette nouvelle colonne Olympus Evis 1, mais avec un endoscope qui est un Olympus GIF 190 muni d'une IRFocus. On remonte un peu tranquillement de l'estomac. On prend les repères, bien sûr, de la pince diaphragmatique et du sommet des plis gastriques. Et on a ici, il y a un petit peu de sang, hein, ce qui est effectivement un peu inquiétant. Moi, je viens de le regarder. Il y a un gros pli ici, mais ce n'est pas ça qui nous inquiète. En fait, je pense, vous allez me dire où est la zone. C'est un EBO court. C'est un EBO court. Et voilà, on a la zone ici, là. C'est une zone assez typique, hein, entre 0 et 3 heures. Ça avait été publié par les Allemands il y a quasiment 20 ans maintenant. C'est la zone préférentielle des lésions sur barrette. Et puis, vous voyez, c'est un EBO qui est assez court puisqu'il va de 31 à 36. Donc, il est, il y a peut-être une petite languette. Oui, c'est ça. Il est C4M5 dans la classification de Prague. Et il a une zone qui est effectivement inquiétante, qui est sur le bord un peu ici, qui est une zone qui me paraît effectivement suspecte de dégénérescence. Alors on va essayer de voir un petit peu mieux le pattern avec le mode TXI, qui est ce mode de détection qui donne une image très brillante, de très haute qualité. On a des zones ici beaucoup plus atrophiques. Hein, on a la transition entre la muqueuse. On va passer en mode NBI pour caractériser un peu mieux. On va mettre un peu de NIRFocus. Et donc on a la muqueuse épidermoïde avec la ligne Z. Des petits foyers de métaplasie, soit majoritairement intestinal, mais un petit peu gastrique. Là, les petits puits ronds, notamment les petits puits ronds noirs. Et puis des zones plus atrophiques, voilà, ici au centre, plus atrophiques qui sont déjà un petit peu suspectes. On trouve souvent de la dysplasie de bas grade sur ces zones-là. Et j'essaye de retrouver ma zone suspecte. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour ces lésions-là. Et bien sûr, là aussi, toujours la pompe de lavage. Voilà, je pense qu'on est un peu ici. Voilà, ici, vous la voyez ? Voilà.
là. La zone de carcinome est là. Donc on va enlever tout ça et on a différentes options possibles. Bien sûr, ça peut être une mucosectomie parce que c'est une zone qui fait moins de 15 mm. Ça peut être une dissection. Il y a un gros papier de la Mayo Clinic qui vient de sortir qui donne une étude, une cohorte en fait de cas témoins, mais qui donne le bénéfice à la dissection. Marc, il est là, Marc, oui, mon grand frère. Qu'est-ce que tu ferais? C'est vrai que c'est pas très grand, en fait. J'allume mon micro d'abord. Écoute. C'est pas très grand. Alors, certes, on veut pas passer dans des berges carcinomateuses, mais là... Moi, je pense que ça rentre dans une anse... Ça rentre qu'un dans duet, un duet, ça rentre, ouais. OK. Alors un message, c'est aussi que le duet n'est pas mort. Hein. Dans œsophare, d'après les résultats préliminaires, on a tout à fait de bons résultats de la mucosectomie. Quand on respecte bien les indications, c'est quelque chose qui est tout à fait efficace, en fait. Alors ici, il y a un petit truc. Et alors, en bas, là, qu'est-ce que tu ferais, là? Attends, je suis en train de me tromper de pédale, évidemment. Ça, c'est un peu plus embêtant, t'es d'accord? Non. Pour l'instant, pour moi, c'est un pli gastrique qui remonte. Alors, on va essayer de bien le déplisser, de bien regarder ça. Alors, c'est le problème des chromos et des zooms, c'est que des fois, on a tellement le nez sur le guidon qu'on ne voit pas tellement. On va prendre un peu de recul. Je veux dire, là, ce qui est un petit peu plus irrégulier au niveau du sommet des plis gastriques. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être une ulcération, un dépôt un peu fibrineux, pas très inquiétant. Au niveau des plis, enfin, au niveau des... En chute. Oui, je suis d'accord. Alors, de toute façon, on va le prendre avec un cap parce que ça permettra de bien déplisser cette zone-là et de bien regarder tout ça. Mais là, voilà, là, il y a quelque chose. Et donc, voilà, je vais poursuivre mon exploration et puis me lancer dans la résection. Mais je vous laisse passer avec Nicolas Musquer qui a un cas, un super cas. Voilà, je n'en dis pas plus. Ah, tu préfères le brancher après? Ça va être à toi, Nico. Ah bon? Non, on l'avait branché, non? Est-ce que je me souviens? Ça va être à toi, ton Nico. On va prendre un cap. Bon, ouais. Est-ce que je pense qu'on est avec Nicolas? Nicolas, je pense que c'est bon. Oui, c'est moi. Ouais. Hop là, j'ai pas mis mes petites lunettes. Rebonjour. Donc, du coup, je vais vous présenter un nouveau cas. Vous pouvez envoyer les diapos. Donc, il s'agit d'une... alors, c'est pas ce diapo-là. Diapo suivante. Ouais, OK. Diapo d'avant, peut-être? Non, il n'y avait pas une diapo avant. Si, voilà, super. Donc, c'est une patiente de 88 ans, en très bon état général. Elle pose le problème du papillomatose biliaire. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Vous voyez qu'elle n'a quasiment pas d'antécédents, une hypertension artérielle et puis des prothèses totales de genoux. Et en fait, elle s'était présentée en fin d'année avec un tableau de douleur abdominale, avec une cholestase anictérique et un petit mouvement cytolytique qui avait fait réaliser quelques examens complémentaires, une échographie que je ne vous montre pas là, mais qui retrouvait une voie biliaire très dilatée, avec du matériel à l'intérieur de la voie biliaire. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Et donc, elle avait eu un scan complémentaire. Et donc, sur cette première coupe de scan, je vous ai indiqué avec la flèche blanche la voie biliaire, qui, comme vous le voyez, est très dilatée, avec effectivement du matériel hétérogène en son sein. Et même, on voit la dilatation des voies biliaires intrahépatiques sous-jacentes. Diapo suivante, on va retrouver cette voie biliaire, en fait, dans sa portion sous-hilaire, avec cette fois-ci une zone un petit peu plus claire, on va dire. Mais vous voyez que la portion juste en dessous, elle aussi, est pleine de matériel hétérogène avec une dilatation donc, de ces voies biliaires intrahépatiques. Diapo suivante. Donc, du coup, on l'avait prise en écho-endo. Alors, vous voyez cet écho-endo avec donc, le D2. On part de la papille et puis on va suivre la voie biliaire principale. Avec, là, c'est la veine cave qui est juste derrière.
Et vous voyez que cette voie biliaire, elle est remplie d'une espèce de structure polypoïde sur tout son long. On remonte, là, on est au niveau de la convergence biliaire inférieure, puis on va remonter. Là, on va apercevoir bientôt le tronc-porte. Voilà, ici, l'artère hépatique. Et vous voyez que finalement, on arrive à peu près en sous-hilaire. Là, on va y arriver. Là, on n'avait plus de lésions. Là, un petit zoom sur le cystique. Vous voyez qu'il est aussi plein de ce matériel très hétérogène. Et on arrive dans l'infundibulum vésiculaire avec la vésicule qui est juste là, qui était remplie de sludge. Elle n'avait pas de lésions très spécifiques, en tout cas pas les mêmes que la voie biliaire principale. Donc ça, c'était les résultats de l'éco-endo. Puis donc, à l'époque, on avait laissé en place une prothèse biliaire plastique d'attente, entre guillemets, pour pouvoir faire un peu le bilan secondairement. Et on avait fait simplement quelques biopsies des quelques franges qu'on pouvait récupérer dans le bac Olédoc. Vous pouvez prendre la diapo suivante. Et donc, la diapo suivante. Et donc, l'ANAPAT nous confirmait effectivement qu'il s'agissait de lésions biliaires papillomateuses qui étaient en dysplasie de haut grade et même de lésions de carcinome in situ. Il n'y avait pas de zone d'infiltration sur les fragments qu'on avait pu réaliser et la différenciation était intestinale. On pourra en discuter, ça avait sa petite importance. Diapo suivante. Donc, on se propose chez cette patiente-là pour de réaliser une cholangioscopie qui nous permettra d'une part d'être un peu plus précis sur l'extension de la papillomatose, même si vous avez vu que l'éco-endoscopie était quand même de bonne qualité, et puis aussi de réaliser des prélèvements ciblés pour rechercher des zones plus dégénérées et donc pouvoir discuter la prise en charge de cette patiente qui, même si elle a 88 ans, est vraiment en très bon état général. Donc, diapo suivante. Les objectifs pédagogiques sont donc de discuter d'indications de cette cholangioscopie et puis de discuter aussi des modalités de traitement de ces tumeurs papillaires biliaires, qui sont des tumeurs relativement rares. Voilà. Donc, on peut repasser sur la vision endoscopique. Alors, on a... Ouais, vous pouvez passer sur l'endoscopie. Voilà. Donc là, on avait un petit peu avancé le travail en retirant la prothèse biliaire qui avait été posée, que j'avais posée la dernière fois. Et donc, on vient de recathétériser la voie biliaire sans trop de difficultés. Vous avez un aspect qui est un peu bourgeonnant, alors qui est lié probablement aux franges papillaires du bac Olédoc, mais aussi à l'érosion des petites ailettes de la prothèse. Et puis, on peut passer en vision radio, peut-être, pour montrer. Donc, on voulait vous montrer la cholangio avant de passer au spyglass. On va se positionner un petit peu plus haut. Voilà, et donc je travaille avec Anne. Anne, alors je fais un petit break, mais en fait c'est son dernier live à Anne, parce qu'après elle va prendre une retraite bien méritée. Donc on la remercie beaucoup. Et je suis très content de travailler avec toi pour ce cas-là. Tu vas pouvoir commencer à opacifier. Donc simplement pour vous montrer en fait l'aspect que ça peut donner en cholangio, même si on avait une documentation morphologique qui était plutôt bonne. Vous voyez qu'on a du mal à bien opacifier, probablement parce que les franges, en fait... Vous voyez, en fait, ça donne cet aspect en fait, de lacune multiple de la voie biliaire principale. Ça a l'air de remonter quand même assez haut en sous-hilaire, un peu comme ce qu'on avait vu sur l'éco-endoscopie que j'avais faite il y a quelques semaines. Bon, on va s'arrêter là. Pas besoin de remplir les voies biliaires intra pour l'instant. On va repousser un peu le fil guide, Anne, et on va faire l'échange donc, pour pouvoir bien monter le spyscope. On va rincer un petit peu, oui, effectivement. Vas-y. Alors après, je ne sais pas si Emmanuel a éventuellement le temps qu'on mette en place le spyscope, si Emmanuel avait un truc intéressant à nous montrer sur sa résection œsophagienne. Vas-y, tu peux pousser. Ouais, c'est parti.
Donc là, j'utilise le Diodeno dernière génération de chez Fuji, qui a l'avantage d'avoir une poignée plus maniable, plus fine, une bonne qualité d'image, et puis un érecteur un peu plus puissant que les anciennes générations, qui permet de mieux bloquer le fil lors des manœuvres d'échange. Tiens. Nicolas, je ne sais pas si tu m'entends, mais on est toujours sur la colorgéographie. Oui, effectivement, on peut repasser en vision en dos. Bon, il ne se passait rien de plus que un échange de matériel, donc c'était pas. Vous n'avez rien loupé. D'accord. Vous n'avez rien loupé. D'accord. On va l'allumer. Je pense que le temps que je me mette en place avec le Spyglass, je vous propose de passer chez Emmanuel qui va vous montrer d'autres images de sa lésion œsophagienne. Et puis on reviendra l'analyse juste après chez nous pour voir quand même en se stabilisant bien. Belles images de on a une zone ici suspecte de petit carcinome, et je suis tout à fait d'accord avec Marc. Ça tient dans un cap sans aucun problème. Et puis l'autre qu'on avait vu à la descente et qu'on retrouve facilement en se positionnant dessus. Alors je l'ai délimité parce que ça c'est clairement l'objet d'une dissection et elle n'est pas très facile. On est dans une zone un petit peu tortueuse de l'EBO. Ah, vous avez peut-être pas vu le bas. Donc ici on a là un aspect en verre dépoli immédiatement sous la ligne Z avec un aspect qui est déjà un peu inquiétant là. Et si on descend là. Voilà, ici, là, il y a une perte complète du pattern avec une démarcation, hein, ce fameux signe qu'on retrouve dans tous les cancers, finalement. Hein. J'essaye de retrouver ma pédale de lavage. Voilà, ici, là. Et donc ça, évidemment, ça ne tient plus dans une anse, dans un élastique de duette ou une anse de mucosectomie classique. Et donc ça, il faut qu'on l'enlève par dissection. Donc ce patient-là, je pense qu'on va faire le plus simple, c'est de faire une dissection de cette zone-là. Ça j'ai mis des points de marquage déjà. Ouais. Et puis, si ça se passe bien, je l'étends jusqu'ici. Ou alors sinon, si ça devient un peu long et qu'il faut qu'on rende l'antenne, je ferai une mucosectomie ciblée là-dessus et une dissection du reste. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toute cette zone-là en monobloc parce que là, sur effectivement 15 ou 18 mm, on a une suspicion de carcinome dont moi j'ai peur que même si on ne peut pas le voir en écho endo, ce soit quand même une infiltration sous-muqueuse relativement profonde quand on voit ça. Ensuite, voilà, on peut se donner la chance de faire la dissection et d'avoir une anapathe complète et de juger sur la pièce anapathe. Ça me paraît tout à fait défendable. Comme. Quand tu fais tes marques là, à pointe de lance, tu te prévois une marge de combien autour? Alors, en fait, moi, je le fais. C'est une très bonne question, Isa. Dans le barrette, c'est vrai que c'est pas très facile. Moi, je mets quelques millimètres, tu vois, 4-5 millimètres, et puis j'essaye de passer à quelques millimètres de la berge. Il faut au moins être à 5 millimètres de la lésion pour être tranquille. Puis ça rend la dissection plus facile aussi de commencer dans du tissu sain que dans du tissu pathologique. Donc, voilà un petit peu où on en est. Et je pense qu'on va pouvoir injecter et montrer les différentes techniques, mais peut-être sur le créneau d'après, quand on aura un petit peu avancé, les différentes techniques de dissection, cette fois dans l'œsophage. D'accord. Là, tu réinjectes avec toujours... Alors, toujours ce gel Horizon, là, de chez Boston, parce qu'en fait, c'est vrai que ça a une très bonne tenue. Je trouve que ça aide beaucoup... à la dissection. Alors, même si on a des couteaux qui réinjectent, vas-y, sortie, eh bien, ça permet quand même d'être assez efficace parce que ça tient bien dans le temps. Vas-y, injecte, s'il te plaît. Donc, le duet, finalement, c'est pour des toutes petites lésions et plutôt du dysplasique, ou on peut quand même se réserver ça pour lésions un peu suspectes? On peut. Alors, c'est là aussi une très bonne question. C'est un peu débattu. Normalement, on peut faire un carcinome intramuqueux de moins de 15 mm au duet. Hein, c'est dans les recos SFED de SGE. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, au fur et à mesure que la dissection s'est
démocratisée et puis c'est est de mieux en mieux maîtrisée. Et quand ça saigne un peu là sur la, ouais, quand même largement vascularisée cette lésion, je pense qu'on va s'amuser. Vas-y, injecte. Eh bien, c'est vrai qu'on fait de plus en plus en dissection des choses qu'on aurait essayé de... Disons, quand il y a un doute, à la limite entre les deux, on favorise maintenant de plus en plus la dissection. Et on voit ça hein, dans l'étude de l'œsophare du graphe. La plupart des centres se sont mis à la dissection sans aucun problème. Alors, ça se soulève assez bien, par contre. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais je pense que ça va saigner un peu. Et donc, rentre l'aiguille. Sur l'apprentissage de la dissection, vous aviez sorti une petite étude qui montrait l'importance du training sur des cochons, non ? Oui, on avait fait ça avec Nicolas Chapelle au laboratoire des grands animaux là à Nantes, et on avait pris des étudiants en disant il faut au minimum, du minimum, 3 journées complètes avec une évaluation la plus rigoureuse possible du taux de complications. Et ce qu'on voyait, c'est que les étudiants étaient très sûrs. C'est-à-dire aucune complication dans les premières séances, mais très lent. Et puis la deuxième séance, ils prenaient un peu de l'assurance. Et là, ils allaient 2 ou 3 fois plus vite. Mais c'est là qu'il y avait des taux de perforation, ou même si ça ne saigne pas beaucoup chez le cochon, un petit peu de saignement. Je vais prendre le couteau, s'il te plaît. Et puis, je n'arrête pas de perdre mon micro. Et puis à la troisième séquence, ben, finalement, un mélange d'audace et de prudence qui faisait qu'ils étaient assez rapides avec très peu de complications. Et c'est vrai que on a la chance d'avoir ce centre qui a beaucoup aidé à, je pense, enfin nous les premiers, on s'en est servi pour prendre un petit peu confiance sur certaines techniques et les premiers poèmes, les premiers anchors, etc. On les a fait sur cochon avant de les faire chez l'homme. Alors, pas plus sortie. Mal. On va repasser du côté de Nicolas. Ok. Alors, je suis avec on est sur moi, peut-être. Le micro est coupé. Il me dit s'ils sont sur moi, du coup, parce que. On est avec vous, Nicolas. Ok, tu confirmes, merci. Okay. Je suis un peu abandonné par mes collègues. Mais d'accord, très bien. Alors du coup, on va pouvoir passer sur l'image du Spyglass, ça va être le plus simple. On est en place, on a le fil guide qui est dans les voies biliaires intrahépatique gauche. Est-ce que vous pouvez donc lancer sur le Spyglass ? Voilà. Donc vous voyez que globalement... Là, on est sur la convergence biliaire supérieure. Voilà, donc on est un peu gêné parce que forcément, il y a un peu de frange qui est un peu plus basse. Mais vous voyez que globalement, sur cette convergence, elle a l'air d'être a priori indemne de lésions. Même si, vous voyez, ça remonte quand même pas loin. Quoi. Ici, on voit déjà des franges apparaître alors qu'on est juste sous la convergence biliaire. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, cet examen montre bien que les imageries en coupe alors, sont insuffisantes pour juger l'extension de la papillomatose. Ça a été montré. Et qu'en cholangioscopie, on détecte 1/3 de plus de lésions que sur les imageries en coupe. Sur l'écho en dos, ces lésions-là, on ne les voyait pas forcément très bien non plus. Alors, je vais faire un petit passage en descendant doucement dans un premier temps. Et puis après, on essaiera de remonter un petit peu sans le fil guide, on va voir. Donc je vais descendre tranquillement. Donc vous allez voir effectivement toutes ces franges alors qui vont nous gêner un petit peu forcément. Mais... Et voilà cet aspect assez caractéristique. Alors, ok, les zones. Alors, ces franges ont été un petit peu érodées. C'est difficile, là, la difficulté qu'on va avoir, c'est de savoir si c'est la prothèse biliaire qui a été posée il y a un mois qui a érodé ces franges ou alors si ce sont des signes d'infiltration. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des petits morceaux de calcul. En fait, ces gens-là font des angiocolites soit sur la transformation, la dégénérescence
carcinomateuse, sur la papillomatose, soit sur des franges en fait, qui se détachent et qui viennent se bloquer contre la papille, soit sur des microlithiases en fait, qui, bah, qu'on voit bien là ici. Hein. Et qui vont, entraîner ces épisodes d'angiocolite. Oui, parce que normalement, les voies biliaires, ça ressemble presque à la trachée, c'est tout blanc. Exactement. Bah, en fait, ça ressemble à ce qu'on a vu un peu plus haut. Je vais remonter tout à l'heure, je vais vous montrer. Mais effectivement, l'aspect là est vraiment... Bah, ça ressemble au papillome. Pour ceux qui ont déjà vu des papillomes œsophagiens, c'est exactement ça, sauf que vous en avez tout du long. Donc, je revérifie en même temps. Alors, vous avez pas si vous avez la scopie. Donc, vous voyez, en fait, on descend petit à petit. On voit que là, très clairement, on aperçoit à peine, enfin, même pas pour l'instant, l'orifice du cystique qui doit être complètement bouché par ces papilles. Ouais. Merci Anne. On descend petit à petit, donc. Oui, en fait, il y a vraiment c'est vraiment une atteinte qui est très importante. Donc la cholangioscopie, clairement, en tout cas sur l'étiologie des sténoses, ça apporte beaucoup plus en termes de sensibilité et de spécificité sur le diagnostic des lésions. Hein. Il y a quand même des études comparatives dans ce sens-là, non? Tout à fait, oui. Effectivement, sur les sténoses indéterminées, peut-être, je ne sais pas s'il faut le faire en première intention, ce n'est pas tout à fait le même coup et on peut avoir quand même des histologies positives sur soit des biopsies entre guillemets à l'aveugle endobiliaire, soit sur des brossages ou sur des biopsies sous écho-endo aussi dirigées. Mais c'est vrai qu'on a un avantage de pouvoir explorer une bonne partie de l'arbre biliaire avec cette cholangioscopie, donc d'être très précis sur nos biopsies. Là, sur la papillomatose, le principal intérêt, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est l'extension de la papillomatose pour le chirurgien, pour guider son geste, par exemple, c'est très important. Et puis, éventuellement, de réaliser des biopsies un peu plus ciblées. Alors, là, comme vous voyez, finalement, on a la papillomatose un peu partout. On a peut-être des zones là qui sont un peu plus érodées, mais encore, on commence à être dans la partie basse de la voie biliaire. Donc, effectivement, c'est probablement là que la prothèse était en appui. Donc, difficile de faire la part des choses, mais on fera des prélèvements à ce niveau-là. Donc on va remonter du coup, et puis ce que je vais faire, je vais essayer de remonter un peu plus haut dans ses voies biliaires intra, si je peux vous montrer. Nicolas, c'est des superbes images. Est-ce que tu peux préciser les indications opératoires en fonction de l'étendue des lésions? Alors, l'idéal d'abord, après... En fait, effectivement, c'est l'extension qui joue beaucoup parce que la papillomatose ne touche pas que la voie biliaire principale. Elle peut toucher les voies biliaires intrahépatiques. Et donc, dans ces cas-là, si dégénéré, il faut discuter en fait, d'une transplantation hépatique chez ces patients qui sont très atteints. Lorsqu'elle est limitée à la voie biliaire principale, peut se discuter en fait, d'une résection. Alors, soit conservatrice simplement de la voie biliaire principale, mais encore faut-il que la voie biliaire principale ne soit pas trop intra-pancréatique. Et souvent, c'est des constatations qui sont malheureusement péropératoires. Donc, en fait, le chirurgien part au départ pour, au mieux, une résection de la voie biliaire et au pire, entre guillemets, une DPC. Est-ce que tu penses qu'il y a des places pour la radiofréquence? Alors, c'est une bonne question, Marc. En fait, tout dépend de l'extension et je pense que tout dépend en fait, du caractère... opérable ou non des patients. La radiofréquence, il y a peu d'études sur la papillomatose. Il y a j'ai retrouvé deux cas cliniques principaux qui le traitaient sur des papillomatoses moins étendues que que vous pouvez avoir sur cette patiente. Tu peux retirer le fil guide, je vais essayer de monter un peu. Et les résultats semblaient plutôt bons, en fait, avec des reculs qui sont modestes, hein, de 6 mois, mais avec l'absence de récidive confirmée par cholangioscopie. Donc, effectivement, on pourrait discuter des traitements, entre guillemets, palliatifs par radiofréquence. Chez cette patiente, j'avoue que j'avais besoin de cette cholangioscopie aussi pour me rendre compte de l'extension et puis de l'importance de la papillomatose, parce que la radiofréquence, pourquoi pas, mais il y a une telle épaisseur de papillomatose que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment traiter. Tu peux retirer tout le feeling. Ouais.
qu'on puisse vraiment traiter toute la papillomatose, surtout dans toute l'épaisseur, en fait. Donc là, je vais me diriger vers la voie biliaire intra-hépatique droite. Et vous voyez que quand même, même dans les intra-hépatique, c'est pas net. Et en fait, même, je pense que là, très clairement, à mon sens, il y a aussi la papillomatose. Hein. Ça peut être une indication de graisse. Et donc, vous voyez que c'était pas préparé, mais ça se confirme. Alors même que l'échoendoscopie était plutôt de plutôt bonne qualité, on voit que finalement, elle n'a pas pu mettre en évidence cette extension au canal biliaire droit. Ça n'a pas l'air d'aller beaucoup plus quoi que on va là. Et comme quoi, la sensibilité de la cholangioscopie là, elle est vraiment très importante, quoi. Enfin, beaucoup plus que toutes les imageries que vous pouvez qu'on avait pu faire jusque-là chez cette patiente. Donc très clairement, moi, cette extension assez large. Bon, c'est une patiente pour laquelle j'ai discuté effectivement avec les chirurgiens. Et, bon, elle a quand même 88 ans. C'est là, en plus, avec l'extension intra-hépatique, je pense que malheureusement, ça restera un traitement purement palliatif par prothèse. La radiofréquence, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça va réellement changer grand-chose, ni à l'évolution, ni au traitement définitif de cette papillomatose. Est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité d'une sous contrôle visuel, colonoscopique, de traiter localement ces lésions, notamment cette petite extension qui est dans les voies droites? Est-ce que, je ne sais pas, un traitement local sous contrôle de la vue qui est envisageable? Il faudrait pour ça avoir des instruments nécessaires, quoi, du coup, et je parle sous contrôle, je ne crois pas qu'il y ait... On aura du mal, même si on traite à la radiofréquence toute l'étendue du collédoc, de savoir si on est monté suffisamment haut... Tout à fait, et puis on sent que, enfin, elle est vraiment très importante, très profuse, quoi. Alors... Comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, c'est une différenciation intestinale. Globalement, les papillomatoses, la différenciation la plus courante, ça reste une différenciation pancréato-biliaire, qui est d'ailleurs de plus mauvais pronostic. La différenciation intestinale, un peu sur le mode des ampullomes d'ailleurs, est de meilleur pronostic avec une évolution qui est plus lente. Donc, on peut espérer que cette patiente-là ne soit pas gênée, on l'espère, par cette papillomatose si on la traite suffisamment bien d'un point de vue palliatif. Là, j'étais dans les voies gauches. Hein. Vous voyez, donc là, voies gauches, par contre, elles ont l'air d'être plutôt indemnes de lésions. On est sur la... C'est assez impressionnant quand même la qualité. J'ai l'impression qu'il y avait des petits orifices comme ça, latéraux sur les canaux biliaires. C'est pas les hépatologues qui ne sont pas de vie, mais cette petite canalicule, là, je sais pas, est-ce que tu montres? Ouais. Vraiment, c'est... Mais ça, très clairement, vu cette atteinte microscopique, là, quasi, c'est... Ah oui, vous vouliez voir aussi, effectivement, c'est une bonne idée, Isa. Donc voilà à quoi ressemble l'installation. Vous avez l'endoscope, le mère, entre guillemets, le duodénoscope, donc dans lequel, en fait, sur lequel va venir se fixer le spyglass, avec donc le canal du spyglass qui va passer dans le canal opérateur et, comme vous l'avez vu, qui va glisser sur le figuier sans difficulté. Donc en fait, il y a un système de manette autonome sur le spyglass qui vous permet donc d'avoir les 4 degrés de liberté classiques d'un endoscope. Donc c'est très bien. Il y a même un frein qui peut être assez utile dans les voies biliaires. Et donc vous avez donc le canal d'irrigation, puisqu'en fait on ne fonctionne qu'avec de l'irrigation, on ne fonctionne pas avec de l'air. On peut aspirer éventuellement, mais globalement on n'a pas forcément besoin. Il vaut mieux utiliser le spyglass simplement avec le lavage, c'est largement suffisant et ça permet d'avoir de belles images en underwater, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si... Je pensais avec l'heure du coup. Je pense que de toute façon, là, ça va être la pause café pour tout le monde. Je vais redescendre, je vais vous montrer le dû. Je pense que je n'ai
je pense que la biopsie n'est pas très utile dans le sens où elle ne va pas changer grand-chose, là, pour le coup, vu l'extension. Et donc, on va peut-être laisser un fil guide, Anne. Et puis, je pense que dans le contexte, on va laisser en place une prothèse métallique, un peu à titre palliatif chez cette patiente. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, sens... Soit on fait de la radiofréquence avant de mettre la prothèse en espérant... améliorant effectivement la perméabilité. La perméabilité. Ça a été discuté aussi, ça. C'est ce que je te dis, vu l'importance de la papillomatose, j'ai un peu de doute sur l'efficacité vraiment et sur l'évolution aussi assez lente finalement. Est-ce qu'il faudrait mieux mettre des prothèses couvertes, expansives couvertes ? Bonne question. Parce que avec les franges qui vont rentrer dans l'émail, je sais pas. La seule chose dont j'ai un petit peu peur, même si normalement les couvertes, on a quelques risques de cholécystite, c'est que là, la prothèse couverte plus les franges qui envahissent le cystique, on va vraiment définitivement boucher la convergence biliaire inf. Tu veux que je t'aide, Anne, excuse-moi. Voilà. Et je me dis que c'est peut-être... Effectivement, ce serait mieux sur le critère d'envahissement entre les mailles, mais j'ai un petit peu peur qu'on perde sur la partie vésicule. C'est possible, en sachant qu'avec la sphinctérotomie que tu as faite, ça ne devrait pas remonter dans la vésicule non plus. C'est simplement, effectivement, la vésicule qui aura un peu plus de mal à se vider. C'est ça. Tu préfères qu'on te prépare une expansive non couverte ou couverte ? Oui, non couverte, je pense. Je vais prendre non couverte 8. Et puis après, ça n'empêchera pas de traiter une résurgence entre les mailles 8. Par un traitement local. C'est bon, ça. Regarde, t'arrives. Vas-y, je pousse encore. On peut proposer la radiofréquence à l'intérieur des mailles. Oui, on pourra éventuellement Alors, on est dans la dissection sous-muqueuse œsophagienne de cet endobrachie-œsophage qui contient un foyer de carcinome, peut-être un deuxième petit à côté. J'ai décidé de les enlever tous les deux dans une dissection. C'est un peu la galère. Honnêtement, ça saigne beaucoup. On se demande avec Isabelle, j'ai la chance d'avoir une hépatologue endoscopiste interventionnelle avec moi, si ce monsieur qui boit 7-8 verres de rosé par jour et qui est en surpoids depuis longtemps n'aurait pas quand même un peu d'hypertension portale. Bon, il a un TP normal et des plaquettes normales, mais ça saigne vraiment énormément. On va essayer de s'aider avec une technique que je vais vous montrer, qui est celle du clip tracté par une ligne de fil à suture. Donc, c'est en fait du polyester. Il ne faut pas prendre des trucs en plastique. Il faut prendre en fait un fil en tissu polyester 75 cm. Je crois que c'est du 3.0. Et on va faire une technique qui est une sorte de nœud d'amarrage. Finalement, on fait un tour mort et deux demi-clés. Donc, on va se attraper le clip comme ça. On fait une suture... En fait, vraiment un nœud d'amarrage, mais c'est ce qui marche le mieux. Il ne faut pas faire un nœud de chaise, Jérôme. Ça glisse sur les clips. Et puis, on est donc à l'extérieur du patient. On va raccourcir un petit peu, un peu plus. Ouais, c'est pas grave. Alors, vas-y, ferme. Voilà, on est donc à l'extérieur du patient. On va en profiter pour... attraper la partie supérieure de l'œsophage avec ça. Et puis, on va le lester avec une pince cochère qui va nous aider à attraper, j'espère, la partie supérieure du lambeau pour le tracter, comme on a tracté tout à l'heure avec des petits clips. Et alors, bon, j'ai dû faire beaucoup de coagraspeur, donc ça s'est un peu arrêté. On a fait en fait toute la circonférence en haut, en bas, mais on a quand même mis un petit peu de temps à cause de ces épisodes de saignement. Et donc, on va essayer de s'attraper la partie haute ouverte de ce lambeau. Voilà, ici, fermé, largué, OK. Et donc, Elisabeth, avec ce fil... qui est mis en tension, va essayer de tirer un petit peu plus. Voilà, alors en plus il y a les battements cardiaques pour nous aider. Et je sais pas si on voit un plan large d'Elisabeth qui est à la tête du patient et qui va pouvoir mettre une pince cochère.
qui va glisser. Alors, il faut que ça pende quand même du patient. Ça peut pendre de la bouche. Il faut peut-être le raccourcir un petit peu. Je vais reprendre le flush, s'il te plaît. Et on va reprendre notre dissection en faisant cette fois un tunnel pour essayer de se glisser dans la zone. Sortie. Alors on a, là, c'est assez agréable de travailler avec ce mode TXI, là, ce qui est une nouveauté, encore une fois, Olympus, pour essayer d'avoir une image un petit peu plus brillante. On va se glisser le long du muscle. On a des zones comme ça qu'on a du mal à décoller. Sortie. Alors évidemment, ça, c'est beaucoup moins beau hein, quand ça saigne comme ça, que ça coagule comme ça. C'est évidemment beaucoup moins élégant. Mais là, on n'avait pas trop le choix. Oui, mais la traction est quand même efficace et elle t'aide à bien voir la jonction. La zone sous-muqueuse, la zone oui, effectivement. Sous-muqueuse. Oui, alors en plus, l'avantage du flush, c'est cette possibilité de réinjecter comme ça un petit peu la sous-muqueuse. Et vous voyez, il y a des vaisseaux partout. Bon. Je crois que c'est une technique assez française hein, d'aller faire cette deuxième ou troisième main qui permet de tendre comme ça les tissus. On voit beaucoup dans les pays asiatiques, etc. Ils n'utilisent pas beaucoup cette façon de faire. Ça a vraiment été popularisé par Jérémy et Mathieu. Ouais. Alors, il y avait eu déjà des papiers. Il y avait un Espagnol qui s'appelle Adolfo Parablanco qui avait publié ça dans un obscur journal il y a au moins 10-15 ans parce que c'était passé complètement inaperçu. Mais quelques-uns avaient essayé. Mais c'est vrai que Mathieu et Jérémy ont beaucoup, beaucoup aidé à évaluer la technique, à la diffuser, ce qui est tout à fait important. Alors là, effectivement, bon là, c'est bien parce que ça y est, on arrive dans la zone sous-muqueuse qui saigne quand même beaucoup moins une fois qu'on a le bon plan. Bon, je devrais arrêter de faire trop de prévisions parce qu'en ce moment, ça me réussit pas trop. Et alors, on a du coup cette traction, effectivement, qui aide beaucoup. Hein. Ça a été évalué. Ils ont publié ça plusieurs fois avec plein de petites alternatives. La méthode du portefeuille, la méthode... On voit très bien ici le vaisseau perforant qui vient de la fibre, des fibres circulaires internes. La muscularis propria, en fait, a deux couches, la circulaire interne et la longitudinale externe. On voit les fibres ici de la circulaire interne. Et ces vaisseaux perforants naissent entre deux couches musculaires et viennent irriguer en fait la tumeur. Et c'est comme un arbre en fait. Vous voyez le tronc ici de l'arbre et puis les branches. Ce qui fait que plus vous vous rapprochez de la muqueuse, plus ça saigne en fait. Hein, donc il vaut mieux, on voit assez bien je pense, plus on coupe à la base, alors pas trop près quand même du muscle, hein, plus effectivement on va être efficace sur la gestion du saignement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très important de bien comprendre ça, parce qu'au début, on veut s'éloigner du muscle, on passe beaucoup de temps proche de la muqueuse, et en fait, c'est le contraire qu'il faut faire, d'abord pour des raisons oncologiques et être le plus proche possible de la sous-muqueuse, puis d'autre part, parce que ça saigne beaucoup moins et c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Faire attention, je travaille en plus avec un couteau long, parce que c'est du barrette, donc c'est pas de la muqueuse épidermoïde, donc j'ai pris un couteau un peu plus long et du coup un peu plus dangereux. Et pareil, on a ces muscles desquels naissent ces vaisseaux. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier de prendre une vue d'ensemble de temps en temps, parce qu'on peut avoir tendance à... Vous voyez la traction hein, qui s'exerce, c'est quand même assez intéressant. On peut avoir tendance à se perdre de temps en temps
Là, on est bien. On est bien. Et on va rejoindre la partie basse de la résection. Puisque tu avais coupé déjà un petit peu en bas et un peu en haut, c'est ça? Oui, alors ça c'est important pour éviter les galères de fin de geste, d'effectivement faire une espèce de grand arc circonférentiel en bas, une espèce de butée finalement, qui est le signal stop pour ne pas... Sinon, tu peux continuer dans l'estomac, vers le grêle, etc. Donc, il faut savoir s'arrêter. Et là, on est pas mal. On arrive sur la partie basse. Je suis désolé, ça ne doit pas être très agréable à suivre avec les artefacts de mouvement qui sont très importants là, à cet endroit-là. Et vraiment, longer le muscle, faire attention, parce que même avec le capuchon, en fait, on peut perforer. Donc... faut vraiment faire attention à ça. Et vous voyez qu'on cède un petit peu de la gravité qui va récliner la pièce comme ça. Et il ne faut pas hésiter à tourner les patients non plus pour essayer de gagner encore un petit peu. Et puis pas se presser parce que c'est là qu'on a des soucis. On a peu parlé de matériel. C'est vrai qu'on a utilisé beaucoup la Coagrasper, qui est une pince coagulante qu'on avait déjà montré sur des lives précédents. Là, on voit vraiment cet arbre. Vous voyez ici, là, on a vraiment très bien. Alors, on va essayer le nouveau mode Olympus, là, le RDI. C'est ça, qui transforme le sang en jus de citron, j'ai l'impression. C'est un peu plus doux, quoi. Et en fait... Je trouve que ça reste... Ouais, On voit rien, là. Alors, là, je pense qu'on voit bien le petit vaisseau qui saigne. On peut mettre un petit peu... je n'ai pas de near focus, mais un petit peu de flush d'eau. Et vous voyez l'effet du cap. On appuie, en fait. Ça y est, il n'y a pas de saignement. On s'écarte. Normalement, ça suffit à l'obstruer. Pas de saignement. Ah non, c'est ça, on s'écarte et ça se remet quand même à saigner. Alors, sur un jet pulsatile, évidemment, c'est beaucoup plus facile à démontrer que sur un... Voilà, donc ce qu'il faut vraiment, il faut dire aux plus jeunes, c'est fini en fait le temps où on balançait du sérum adrénaliné et puis un objet sclérosant ou des clips à l'aveugle. Il faut trouver le vaisseau qui saigne et puis le coaguler. Hein, c'est vraiment oui, il faut, aussi c'est un peu les dernières recos. Hein, il faudrait avoir une pince chaude pour, à disposition quand on part sur des gestes d'hémorragie digestive, en fait. Tout à fait. Et puis avoir un cap et avoir une pompe de lavage et normalement du personnel formé pour nous accompagner sur ces procédures. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus dur que l'endoscopie d'urgence. L'endoscopie des Mickey et puis l'analyse d'un estomac un peu compliqué. Vraiment les trois enjeux difficiles en endoscopie. On va faire des petits nettoyages du couteau, là, on va et vient. Ok, parfait. Merci. Alors Manu, pour la formation, pour disséquer aussi bien que toi, il faut combien de temps? Oh bah pas longtemps. Ça, pour aussi bien que moi, ça c'est pas dur. Non, mais il y a un curriculum qui est en train de se monter, tu sais, que la SFED a mis au point. Je crois qu'il faut encourager les gens à suivre ces formations. Bon, c'est comme le KT, hein, faut quand même du temps. Hein. Ça se fait quand même pas du jour au lendemain. Et ensuite, c'est une question toujours pareille de, comme tu sais aussi bien que moi, de recrutement et de pas être non plus
50 par équipe à faire ça pour avoir suffisamment de volume de gestes, quoi. Mais cette partie-là a vraiment été... La formation animale est-elle indispensable pour toi, pour s'y mettre pour... Ah, moi, je crois que c'est indispensable. Je crois qu'on ne peut pas commencer la dissection chez l'homme. Bon, c'est un avis... Je crois que ce n'est pas qu'un avis personnel, c'est les recos. Ouais. Mais c'est vraiment, ça me paraît vraiment dangereux de se lancer comme ça sans avoir fait au moins des formations chez l'animal. Ça peut être in vivo, ça peut être ex vivo. Ça, c'est à débattre. Est-ce que vraiment le modèle de porc vivant anesthésié tel qu'on le pratique à Nantes est indispensable, ou est-ce qu'on peut apprendre sur des colons de vaches, etc., qui sont des très bons modèles aussi. Mais je crois que c'est indispensable, effectivement, d'apprendre chez l'animal. Et on ne peut plus se lancer chez l'homme. Et ça, c'est des formations qui sont organisées ou qui sont en passe de l'être? C'est organisé, hein. Il y a la première session organisée à Limoges, je crois du 22 au 25 juin, quelque chose comme ça, ou au 26 juin. Je n'ai plus les dates en tête. Je pense que c'est sur Internet. Il faut que je fasse un peu attention à ne pas être trop profond là, parce que tu vois, je viens d'abîmer la première petite couche. Bon, ça va, on reste dans la circulaire interne, mais... Voilà, dès qu'on commence à être un peu moins attentif en dissection, on risque. Là, ça va, mais il ne faut pas être beaucoup plus profond. Ok. Je vous laisse rejoindre Nicolas. Ok, oui, on va passer tranquillement dans l'autre salle pour voir un geste d'urgence, en fait, hein, comme on doit les faire. Donc on avait gardé une petite place d'urgence et on va rejoindre Nicolas qui est en train de gérer la prise en charge dans l'autre salle. C'est à toi, Nicolas. À bientôt, être bon. Isabelle ne regardait pas sous ma jupe, elle me mettait juste le micro en place. Tout se passe bien. Du coup, on va peut-être pouvoir passer au diaporama suivant, s'il vous plaît. Et donc, je vais vous présenter donc ce dernier cas qui est une patiente de 54 ans, qui a un cas de pancréatite aiguë lithiasique grave. Diapo suivante. C'est une patiente qui a été hospitalisée début janvier, vous voyez le 11 janvier, pour une pancréatite aiguë lithiasique, avec d'emblée des signes de défaillance éoniamique et respiratoire. Et donc, à ce titre, elle a eu le scanner dès l'entrée. Et vous pouvez voir déjà dès le premier scanner, une zone de nécrose, enfin une nécrose pancréatique assez claire, avec une absence de rehaussement de tout le corps pancréatique et de la tête. Il reste simplement un tout petit morceau de queue du pancréas qu'on aperçoit sur l'image de gauche, juste en avant du rein, qui semble encore viable, mais toute la partie corporeale et puis la tête sur l'image de droite est complètement, ne se rehausse pas du tout. Donc, diapo suivante. Cette patiente a été prise en charge assez rapidement en réanimation et 10 jours plus tard, elle s'est dégradée, notamment sur le plan septique. Et le nouveau scanner avait retrouvé une péritonite avec donc des bulles d'air et un infarctus splénique. Et en fait, donc elle a été d'emblée laparotomisée dans l'hypothèse d'une perforation digestive qui a été confirmée à la laparotomie avec une perforation double, à la fois du grêle et du côlon gauche, ce qui a entraîné une résection colique gauche et une résection d'1,40 m de grêle. Qui étaient en fait des anges digestifs prises dans cette zone de nécrose. L'amélioration a été très progressive, avec parallèlement la majoration en taille de la collection, des collections intra-abdominales et notamment des collections de la loge pancréatique à la place de la zone de nécrose, vous allez voir juste après, et aussi une probable fistule digestive mais qui a été drainée et qui globalement ne donne plus. Donc on reste avec, diapo suivante, une problématique liée à sa collection de la loge pancréatique. Vous voyez qu'en fait toute la zone qui ne se rehaussait pas, c'était effectivement parce que la zone était nécrotique et la loge pancréatique, hormis la queue du pancréas, a été remplacée par une vaste collection qui semble très liquidienne sur le scanner, mais pour lequel donc elle reste encore un petit peu entre deux. Les antibiotiques ont été stoppés juste 24 heures pour avoir une fenêtre
puis parce qu'elle était plutôt un peu plus stable et pour qu'on puisse faire des prélèvements. Et donc, ce que je vous propose, diapo suivante, c'est de drainer cette collection et de réaliser des prélèvements bactériaux pour nos collègues réanimateurs. Et donc, on va, je pense, la drainer, vous allez voir pourquoi, avec une prothèse de type Otaxios, prothèse d'apposition, qui permettra d'une part de drainer la portion au moins liquidienne dans un premier temps, et puis surtout de préparer la voie d'accès pour une nécrosectomie future, probablement dès la semaine prochaine. Diapo suivante. Donc, les objectifs pédagogiques sont les indications et modalités de drainage de ces collections nécrotiques post-pancréatite aiguë, les fameuses Waldhof nécrosis. Et puis la place des prothèses d'apposition dans cette indication et éventuellement la discussion avec prothèse d'apposition versus prothèse plastique, enfin double queue de cochon. Donc on va pouvoir passer sur la vue endo, sur la vue écho en fait, en vérité. Écho. Et donc là je me suis placé, on peut peut-être repasser sur la vue éventuellement sur l'écran endoscopique, c'est juste pour se repérer un peu dans l'estomac. Donc, je suis en transgastrique, là, actuellement. Vous voyez, en fait, je vais aspirer un petit peu, mais la petite courbure va être sur votre droite et la grande courbure sur la gauche. On est dans le fundus, en fait. C'est très souvent là, d'ailleurs, que vous retrouvez les collections de la loge pancréatique. C'est assez logique, c'est en partie postérolatérale. Donc, c'est très souvent là qu'on est amené à drainer ces collections. Donc, globalement, je vais me repositionner contre la paroi, aspirer un petit peu aussi l'estomac. Et en fait, vous allez passer en vue écho et vous allez tout de suite voir à quoi correspond cette collection. On voit même que la paroi gastrique était un peu gaufrée. On passe en vue échographique. Si c'est possible, voilà. Donc voilà l'aspect de la collection. Vous voyez qu'en fait, l'aspect au scanner qui semblait très liquidien, pas du tout la même chose en écho. C'est très souvent le cas. En fait, l'interprétation de la densité en scanner n'est pas évidente. Et alors qu'on pourrait se dire que peut-être qu'un simple drainage par double queue de cochon pourrait être suffisant pour simplement vider cette collection liquidienne, là on se rend compte qu'on va rapidement avoir à faire face à une extraction de nécrose. Et donc c'est pour cette raison-là principalement que j'ai choisi d'utiliser l'Axios pour pouvoir préparer les nécrosectomies futures chez cette patiente. Donc vous voyez, en fait, la collection est assez large. Alors, là, on est sur sa portion là, un peu plus latérale, la portion postérieure, ici. Il plonge un petit peu là, et puis ensuite, on la repère ici. Donc, on va essayer de trouver en fait, le meilleur positionnement. Alors, ce meilleur positionnement, il doit tenir compte, bien sûr, de la collection. Il doit tenir compte aussi un petit peu de la position dans l'estomac, notamment pour faciliter une nécrosectomie d'après. Pas trop basse pour éviter que notre endoscope boucle facilement dans l'estomac pour rentrer dans la prothèse. Et pas trop haute non plus pour ne pas être trop proche du cardia. Là, on est à 45 cm, on est pas mal. Globalement, on va voir si on a mieux. Mais je ne pense pas qu'on aura beaucoup mieux. Vous voyez, c'est une collection vraiment relativement large qui prend toute la loge pancréatique. Et puis après, bien sûr, c'est en écho qu'on va vérifier s'il n'y a pas d'interposition. Voilà, on est peut-être pas mal. L'idée, c'est de se fixer sur la partie liquidienne, parce qu'on verra mieux l'expansion de l'Axios. Et puis, on pourra bien vider cette portion liquidienne avant de s'attaquer dans un second temps. Alors, on va mettre un peu de Doppler pour voir si on a des vaisseaux qui peuvent nous gêner dans le positionnement de la prothèse. Là, a priori, ça a l'air plutôt pas mal dans cette zone-là. Ici, on a des zones un petit peu plus hétérogènes, qui semblent être un peu plus nécrotiques. On voit quand même assez bien la nécrose. Hein. C'est le cas dans les pancréatites aiguës nécrosantes très graves comme ça, avec des coules extrêmement importantes. C'est bien rare que ce soit du liquide pur. On observe beaucoup plus souvent des collections en liquide pur lors des ruptures canalaires. Tout à fait. Soit sur des ruptures canalaires, soit sur des pancréatites chroniques qui peuvent se rompre avec un liquide très clair. Mais là, manifestement, c'est le pancréas qui est digéré et il est rarement digéré en complet. Qui fait qu'il y a des débris nécrotiques qui ont une forte tendance à s'infecter secondairement. Donc je crois que
Nicolas a fait le bon pari de proposer plutôt une axios plutôt que des doubles queues de cochon, parce que vraiment, il y aura besoin de faire une nécrosectomie derrière. Alors, je voyais sourire à Isabelle tout à l'heure quand Nicolas précisait qu'il fallait bien réfléchir l'endroit où on la mettait pour aider à la nécrosectomie secondaire, parce que la semaine dernière, ou il y a 10 jours, j'en ai mis une où je trouvais que la collection était très très belle pour mettre une prothèse. Malheureusement, je me suis retrouvé juste à côté de la papille quand j'ai regardé où je l'avais libérée. Donc c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention de bien être positionné au niveau de l'estomac. Et c'est souvent d'ailleurs un peu très haut dans l'estomac. Ah, c'est sûr, effectivement, face petite courbure, face postérieure, mais souvent en sous-cardial, où on est le mieux positionné en échographie, pas toujours le mieux positionné pour la nécrosectomie. Mais on est bien obligé de s'adapter aussi à la topographie de la collection. On comprend pourquoi, en fait, souvent un simple drainage avec un petit drain radio est clairement pas suffisant, ouais, sur les pancréatites graves avec des grosses coulées de nécrose. Et c'est vrai que de plus en plus, on se demande s'il ne faut pas aller d'emblée à une nécrosectomie par prothèse d'apposition. Oui, alors il y a des grosses coulées, quoi. On avait repris notre série de mise en place de prothèses et de nécrosectomie. Et très souvent, en fait, on est quasiment une fois sur deux dans ces grosses pancréatites graves avec nécrose, obligé d'associer en fait des drainages multiples, des drainages endoscopiques certes, des drainages radiologiques parfois, mais également des drainages chirurgicaux, notamment en longeant le rétropéritoine derrière, parce qu'eux, ils peuvent mettre également des gros drains, comme nous, avec nos prothèses larges, afin de pouvoir faire des lavements dirigés, si vous voulez, et même parfois communiquer entre les différentes drains ou prothèses qui sont mises en place pour pouvoir faire des lavages dans de bonnes conditions. Donc là, Nicolas... Du coup, je vais peut-être vous montrer un peu le matériel pour ceux qui connaissent un peu moins l'Axios. Donc, c'est un matériel qui est très ingénieux. La firme, donc c'est Boston qui commercialise ce matériel. Peut-être qu'on peut voir, voilà, les images. Alors, en fait, c'est en gros un cystotome et une prothèse en même temps. Donc, c'est ça le caractère assez ingénieux. C'est-à-dire que vous pouvez percer les structures digestives avec l'extrémité, avec du courant classique, et en même temps larguer derrière la prothèse. C'est un système qui peut être fait par le médecin presque tout seul, en fait. Et vous allez voir, on va voir les différentes étapes de largage de la prothèse, mais c'est relativement simple pour respecter certaines étapes, mais globalement, ça se passe. C'est un matériel qui est vraiment facile à utiliser et qui est très utile. Donc, on va commencer. Moi, je vais mettre en place l'axios dans le canal opérateur. Hop. Donc, il y a une petite vis en fait sur le qui permet de le visser au canal opérateur, mais qui vous laisse aussi libre choix de pouvoir orienter comme vous voulez la manette sans que ça dévisse finalement le système. Ce qui est plutôt pas mal, ça vous permet d'avoir vraiment les différentes étapes. Je vais vous montrer à la caméra. Vous avez en fait tout le déroulé, en gros, qui est écrit sur la poignée, qui ressemble beaucoup à une poignée d'aiguille à ponction, en fait, et que vous pouvez mettre face à vous, comme ça, pour être le plus à l'aise possible pour pouvoir faire la procédure. Alors là, en fait, du coup, pour le choix de la zone, il y a cette petite zone hyper échogène qui me gêne un peu au-dessus. Je ne sais pas si c'est simplement de la nécrose, si c'est encore une zone de pancréas éventuellement un peu viable. Ça n'a pas l'air de prendre beaucoup le contraste non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le longer et de taper dans cette partie qui est peut-être un petit peu plus recluse, mais qui aura l'avantage d'être plus liquidienne, qui permettra de faire des prélèvements et puis qui nous permettra d'avoir quand même accès dans un second temps à la collection nécrotique. Donc, on va brancher effectivement l'axios. Je vais d'abord avancer un petit peu le système. Donc, en fait, on peut avancer comme une aiguille en fait de ponction des courants d'eau. Il ne faut pas trop utiliser les recteurs. Hein. Non, effectivement, si on peut éviter de l'utiliser, ce n'est pas plus mal. Il y a toujours ce petit truc-là qui me gêne un petit peu. On va se mettre comme ça, on sera peut-être mieux. Un peu de nécrose. Mieux. Voilà. Ouais. Probablement un peu de nécrose, effectivement. Et donc, le courant de coupe, ça, c'est important à dire. C'est ce qu'on utilise aussi pour les cystotomes. Hein. Il faut de la coupe pure. Pas utiliser de courant endocoupe. Je ne sais pas si on peut faire un petit zoom sur les réglages du bistouri. Peut-être être un petit peu loin.
Mais bon, globalement, en fait, c'est l'autocut, du coup, donc que du courant de coupe, pour pouvoir traverser rapidement la paroi gastrique et du coup avoir un trajet le plus simple et le plus rectiligne possible. On va repasser sur sur la partie écho, ou à moins que vous puissiez mettre deux images, peut-être écho plus la caméra. Vision, la vision sur Nicolas, et bien sur le... Ok, très bien, super. Voilà. Donc là, première étape, on voyait donc en écho, je vais vous la remontrer, mais la pointe de l'Axios qui arrive donc sur la partie droite au niveau du petit F. Donc il sort ici. Là, je suis en appui sur la paroi gastrique et donc dans une bonne direction pour pouvoir aller dans la collection. Donc, on va percer cette collection dans cette paroi gastrique. Vous voyez, ça se fait assez facilement. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup forcer, voire même pas du tout. Et donc, on va prendre un peu de marge dans la collection pour avoir la place de déployer l'Axios. Donc, vous voyez très bien, l'Axios est très hyper écogène. Donc, on va bloquer, je ne sais pas si vous voyez bien, le système pour bloquer en fait l'Axios dans cette position-là. Et puis, on va pouvoir surtout enlever le petit connecteur pour ne pas faire de bêtises. Maintenant, on n'a plus besoin de courant. On n'a plus qu'à larguer la prothèse. Donc, première étape pour larguer la prothèse, je vais enlever la petite sécurité jaune et je vais en fait larguer la première collerette. Vous allez la voir apparaître assez rapidement sur l'image. Donc, il y a une petite sécurité. Voilà, commence à la larguer. Et hop, vous voyez la collerette, une des franges. Donc ça, c'est la première partie de la prothèse d'apposition, ces fameuses prothèses un peu diabolo. On découvre en fait la partie... On découvre la première partie de la prothèse. Vous voyez, il y a toujours le guide qui est dans la collection, toujours en bonne place. Et ma prothèse qui est pour l'instant larguée sur une partie. Donc maintenant, en fait, pour larguer la deuxième partie, on privilégie en fait des largages en intra-canal opérateur. Ce qui est plus simple, on peut tout faire sous écho sans avoir besoin de radio. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un petit peu ma prothèse pour la faire... alors, pour ne pas la faire ressortir complètement dans l'estomac, ça ne va pas le faire. Mais effectivement, vous voyez, en fait, la collerette commence à être un petit peu plus... s'écraser. Donc là, c'est le bon moment. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir suffisamment de place pour pouvoir larguer la deuxième collerette bien dans la paroi gastrique. Donc du coup, deuxième sécurité, je vais larguer la deuxième collerette. Alors ce qui est important, c'est que ton deuxième soit complètement fermé, ouais. Parce que sinon, en repoussant, tu refais pousser toute exactement. Ta prothèse à l'intérieur. Donc la collerette maintenant est fermée, et donc du coup, elle est larguée, pardon, dans le canal opérateur, donc je vais pouvoir m'écarter, et maintenant la partie écho va moins m'aider, on va peut-être passer sur la partie endo, si c'est possible, sur l'écran d'endoscopie. Vous pouvez laisser en fait l'image sur de la salle plus la partie. Alors pas cet écran-là, mais celui ouais. De et l'image, de l'image vraiment endoscopique. Voilà, voilà, c'est ça. Donc un peu sombre là. Qu'on va essayer de s'écarter un petit peu de la paroi, doucement. Voilà. Et vous allez. Alors faut faire attention de pas tirer trop pour pas emmener la prothèse complètement avec soi. Tout à fait. Mais Vous voyez, donc là, je vais m'écarter un petit peu. On voit apparaître déjà un petit peu la prothèse. Voilà. En s'écartant simplement. Et en s'écartant simplement et en repoussant un peu le cathéter, on va voir la deuxième collerette qui va voilà, se déployer. Et vous voyez le liquide qui coule déjà à flot. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais retirer du coup ma prothèse, mon cathéter. Alors, il faut y aller doucement. Alors, sur ces prothèses, il y a plusieurs tailles dans les prothèses d'Axios. Ce qu'on utilise classiquement pour les nécrosectomies, c'est des prothèses 10-15, c'est-à-dire vous avez 10 mm d'ouverture, 15 de collerette. Et après, pour le biliaire, on utilise des plus petites prothèses. Donc là, normalement, le cathéter passe sans problème. Pour les biliaires, il faut faire attention, il faut y aller plus mollo. Vous voyez, en fait, on va attendre que la petite olive passe doucement. Voilà, il ne faut pas forcer. Et comme ça, on peut retirer le système sans problème. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin de l'Axios. Vous voyez que c'est assez rapide. Hein. Ce n'est pas extrêmement compliqué. L'Axios est positionné. On est bien dedans. On a du liquide nécrotique qui commence à couler. Donc là, pour mes collègues,
on va faire des prélèvements à l'aide d'un cathéter d'opacification dans la collection qui permettra de guider les futures antibiothérapies de manière un peu plus précise qu'à l'aveugle. On va repasser l'antenne à Manu parce que pas de problème. Ok. Et encore deux autres topos. Ok, pas de problème. Bah, écoutez, de toute façon, la procédure est finie. Hein, là. Il ne faut pas l'utiliser tout de suite. Hein. Il faut la laisser. C'est plutôt préférable, effectivement, de ne pas essayer de trop bricoler l'axieuse dans un premier temps et de se donner voilà, le temps du week-end, les 48 heures pour l'expansion de la prothèse et puis de discuter, bah, d'aller faire une première séance de nécrosectomie en courant de la semaine prochaine. C'est bon. Alors, hop. Non, il ne m'entend pas. Emmanuel, on est avec Vas-y. Toi. Tu peux aspirer. Bon, tu récupères. Très bien. Du coup, on leur fait mycobactério, là, c'est ça? Ouais. Excusez-moi, je savais pas. Non. Mycobactério, ça me va bien. On vient de sortir la pièce, en fait, qui est en train d'être étalée. Et du coup, ouais. Attends, je viens de mettre l'endoscope, on va contrôler ensemble. Ça a été quand même un peu galère, plus. Cette dissection. Beaucoup de saignements, beaucoup de fibrose. J'ai dû changer de tube en cours de route parce que le mien avait un problème de béquillage. Donc, j'ai eu l'impression que c'était quand même pas idéal. Bon, on a une résection qui est du coup un lit de résection qui n'est pas très beau. Hein. C'est sûr que quand c'est coagulé comme ça, j'ai dû utiliser, alors que ce n'est pas mon habitude, beaucoup de coag, alors que d'habitude je fais quasiment tout en endocoupe, mais là j'ai pas eu tellement le choix. Et on va contrôler tout ça. Alors moi j'aime bien contrôler un peu avec un peu d'eau, vérifier que tout soit bien. Et ça m'a l'air pas trop mal, effectivement, sur cette vaste zone. Il va donc de 30 à 40 cm des arcades dentaires, quoi. Donc un peu moins, 39. De 30 à 39 cm des arcades dentaires, toute cette zone qui me semblait assez inquiétante. Je pense que c'est un adénocarcinome. Probablement sous-muqueux. Alors ensuite, est-ce qu'il est superficiel avec moins de 500 microns, pas d'embole, pas de critères péjoratifs et que la résection soit complète et curative, tant mieux. Mais il est possible quand même que ce soit une lésion profonde quand on voit le nombre de saignements auxquels on a dû faire face. Bon, ensuite, l'anapath tranchera. Et ce qui est très important, c'est d'avoir de très bons anapaths avec... des réunions, si possible, de cancéros superficiels. Nous, on travaille étroitement avec l'équipe de Tamara Matisiak, de Yann Touchefeu. Enfin, c'est la partie oncologique du service de gastro parce qu'on défend l'idée que la spécialité comporte non seulement des hépato-gastro-entérologues endoscopistes, mais aussi oncologues et qu'on puisse aussi... que chacun garde des champs communs d'action. Donc, on essaye de participer... aux réunions de RCP en tant qu'endoscopiste. Nicolas Musquer y est beaucoup allé. C'est vrai qu'il faut qu'on continue à avoir ça. Donc voilà, je pense que... Je ne sais pas s'il y a des questions, si Marc... On va montrer ta pièce. Ah. Tire bien, Marc, tire bien. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle... voilà, il n'y a pas, à mon avis, tellement besoin de... Est-ce que vous pouvez...
Dis donc, Marc, au niveau du découpage, j'ai connu mieux. Regarde les bords. Bon, et donc, effectivement, c'est très intéressant de les regarder avec les endoscopes zoom, ces pièces, puisque ça permet de éventuellement contrôler un petit peu les berges de résection. Voilà, Emmanuel, donc... est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Quelle va être la surveillance et la suite chez ce patient là, Alors, tout dépend bien sûr de l'anapath. Si on considère que la résection est curative, en fait, c'est l'éradication du barrette sous-jacent. Tu vois, il reste en fait une phase contralatérale qui comporte du barrette. Et comme la dégénérescence est clonale, il est très probable qu'il y ait des petits clones. Donc, on le reprendra pour une deuxième séance pour enlever cette languette et l'hémiphase contralatérale. Mais il faut se donner quand même au moins 2 mois le temps de cicatriser. Donc moi je groupe un peu ces séances, quoi. C'est-à-dire donc prochaine séance dans 3 mois pour éradication du barrette sous-jacent, et puis si on suit le protocole Mayo Clinic, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et après on espace un petit peu. Je crois que c'était le cas dans l'étude Esteban de Max Barré. Et puis s'il y a du cancer profond, bah, là il faut absolument discuter soit un Lewis Santi, soit une radiochimiothérapie. C'est quand même un patient jeune, c'est un patient qui malgré ses antécédents me paraît quand même tout à fait opérable, donc il faudra à mon avis discuter une chirurgie chez ce monsieur s'il y a des critères péjoratifs. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que pour l'instant, il y a pas de saignement. Je crois que c'est Isabelle qui est de garde ce week-end. Dès qu'on a fini, on se retrouvera tous dans une salle à côté. Ok, ça marche. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va suspendre la transmission du PTI à la, salle de conférence. Et on va remercier nos endoscopistes et pour tout ce qu'ils nous ont montré. Et Isabelle d'avoir fait le relais. Hein, content, ça. Ah oui, c'est vrai qu'on lui dise. Alors, je pense qu'ils entendent. Est-ce qu'on peut se basculer sur nous, là ? Oui. Tu veux basculer quoi ? Tu peux dire à Jérôme, du coup. On voulait faire une petite carte postale du BLOSC, juste oui, avec toute l'équipe, bien, pour vous dire bonne postale. Soirée. Oui. Et puis se mettre tous ensemble. Alors, on cherche une caméra. Elle est là, elle est là. Vous avez été chaleureusement applaudi déjà. Vous n'avez pas entendu, mais... Merci. Voilà. Ah ben voilà. Je vais voir s'il y a des... Ok. Alors, on ne se voit pas, mais je pense que vous nous voyez. Et puis, je vais demander à un maximum de monde de nous rejoindre au bloc. Je vais essayer de n'oublier personne grâce à une petite checklist. Voilà, la checklist du bloc. Donc, bien sûr, les infirmières d'endoscopie, Arnaud Hénoc, notre nouveau cadre d'endoscopie qui s'est beaucoup investi, toutes les AS, Annie, Émilie, Elisa, Nathalie, enfin je pense pas citer tout le monde, Nathalie Doria, les IAD, Benjamin, Pascal, Stéphanie, les anesthésistes, Docteur Rouze et Romain Dumont. Il est où mon copain Romain ? Il est parti se cacher dans le bloc. Les services, bien sûr, d'accueil, les internes et les chefs qui ont beaucoup bossé aussi pour préparer ce live. Les laboratoires et les partenaires, les sponsors, ça ne pourrait pas avoir lieu, cette manifestation, sans votre soutien. La CCI, bien sûr, j'espère que vous êtes confortablement installés là-bas. Anne Saillard, AS Connect et toute son équipe qui a fait un boulot formidable avec l'agence Belsim. Et puis, bien sûr, Jérôme, merci d'être, comme chaque année, notre animateur de cette réunion et de parfaitement gérer ça. Et puis, chaleureusement, la SFED qui nous a fait confiance. J'espère que
Ça a été intéressant pour tout le monde. Et puis, on est très heureux, ravis d'avoir passé cette journée en votre compagnie. Et on vous retrouve demain pour la suite de la FMC de l'IMAD dans la CCI des Salorges et en distanciel. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci. Et Vecteur M, bien sûr, Olivier Madard, bravo. Merci. Donc on va écouter à demain, on vous verra demain physiquement. Et merci à Isabelle pour le relais précieux, parce que c'est beaucoup plus confortable quand il y a un commentateur sur place. C'est vrai. Bravo encore. Et puis, on va rendre l'antenne et puis on va repartir pour les topos. Merci beaucoup.